At 500 mil now, at 500 mil. At 500 mil anywhere, at 500,000 a bit this time. At 500 anywhere, bit again, at 500. 500, at 500 anywhere, bit again, at 500. The elusive quality, cette fois, fini. Mesdames, Messieurs, la vente va débuter dans quelques instants. Merci de bien vouloir prendre place. Ladies and gentlemen, the sale will start in a few minutes. Please come to the sales ring. Thank you. 220 000. On revient vers vous, Guillaume, à 220 000. 220 000, c'est donc à vous, Sébastien. C'est vous qui tenez l'enchère. Sébastien est à vous pour l'instant à 220 000 euros. C'est bien vu. Il est 11h, nous continuons. Eh bien, bonjour à tous et puis bienvenue sur Francir. Francir qui, comme à son habitude, vous offre la retransmission intégrale de ses ventes d'élevage Arcana. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, c'est votre serviteur, Thierry Grandcir, qui assurera les commentaires de cette vente avec la passion que vous me connaissez. Une journée dans laquelle 160 lots vont passer sous le feu des enchères et, comme à l'accoutumée, on va commencer en ce mardi par des étalons, 4 étalons, 2 par d'étalons, puis ensuite des folles, des poulinières, et pour certaines, je dirais dans le catalogue, des grandes familles maternelles pour l'obstacle, qui offriront donc à des éleveurs avisés un renforcement de leur jumenterie pour accéder à des familles vraiment classiques. Il suffit d'évoquer les noms de Milord Thomas ou de cette jeune surdouée qui est de bon cœur. Voilà, pour souligner la qualité de cette dernière journée de vente de l'année. Et nous commençons tout de suite par le lot 780 qui est l'étalon Archange d'Or. Archange d'Or, c'est un fils de Denehill, ce qui suffit à souligner la qualité du pédigré, mais il n'y a pas que ça chez Archange d'Or, c'est le trois quarts frère de la championne ésotérique. Sa mère Djevochka a produit 6 gagnants de stakes. Archange d'Or a fait la monte déjà depuis plusieurs années chez nous. Il a produit une gagnante de Listed en plat et l'excellent Business Sivola qui est gagnant du Fairy Horse Hurdle groupe 3 et deuxième du Champion Fairy Horse Hurdle groupe 1. Archange d'Or a produit environ 50% de vainqueurs, ce qui est un score très important. Il lui manque un peu de black type dans sa production, disons, pour continuer à assurer un haut niveau la production que l'on pouvait espérer de ce fils de Denehill. Nous sommes à 12 000 euros pour l'instant. À 12 000, à 12 000, maintenant j'ai à 12 000, à 12 000, à 12 000, 12 000 l'enchère, Denehill à 12 000 euros, à 12 000 euros. Denehill est également le père de Elfstrom, stationné au Haras du Petit Ailier, et merci au Haras du Petit Ailier d'avoir amené Elfstrom à ses ventes de Deauville. De nombreux visiteurs et éleveurs ont pu voir ce cheval. À 14 000 euros. À 14 000 euros, nous sommes à 14. 14. D'autres étalons ont été présentés pendant ces ventes, une excellente initiative à souligner. Le Haras de Montaigu qui nous a présenté Nightwish et Prince Gibraltar, et le Haras de la Hétraie qui a présenté Valzartakt et Bâtiron. Et puis merci également au Haras de Bouquetot qui a mis à disposition des éleveurs une navette pour aller voir leurs étalons, style Vendôme et Planteur, notamment de Gros Signal et Chalara qui est le nouveau venu dans ce haras, qui est déjà liste pleine et dont on dit que Trèves pourrait être faire partie du premier book pour cet étalon. À 17 000 aussi, ce qui souligne 17 000, le soutien 17 000 euros, que le Haras de Bouquetot et Al-Shakab réservent à ce cheval. Nous sommes à 17 000 euros pour l'instant pour Archange d'Or. À 17 000 euros, fini ailleurs, 18, il est revenu. Geoffroy, votre enchère à 18, à 18 000, à 18 000, à 18 000, à 18 000, fini la tonie. Les étalons qui passent ici vont donc changer de haras. Pour la plupart, sauf rachat, bien entendu. Voire changer de pays ou d'hémisphère. Leur destin va tourner. À 20 000 euros. À 20 000 euros. Geoffroy, l'enchère à 20 000. Merci de votre aide, Guillaume. À 20 000 euros. Bien vu. À 20 000 euros. Geoffroy, là. À 20 000 euros. Merci de votre aide. À 20 000 euros. On a le juge. 20 000 euros pour Archange d'Or.
Le numéro 781 est présenté par le haras de la Hetraie et appartient à l'indivision Shakespearean. Il s'agit de l'étalon Shakespearean, étalon c'est Marc-Antoine Berkracht qui signe le bon pour Archange d'Or. Un fils de Chamardal. Fils de Chamardal, combien en frotte-t-on pour débuter ? Voilà, Shakespearean maintenant qui rentre sur le ring. Lot 781, un fils de Chamardal et de Paimpolaise par Priolo. Grande famille de vitesse, la famille de Pont-Aven. Josserl Garoud, Bignou, Reply. 20 000 euros. Un cheval qui a déjà produit 3 Black Type. On n'en voit que 2 sur la page de catalogue, mais il a produit depuis Écrin des Biefs, qui s'est placé 3e du critérium du Languedoc cette année. Listed. À 20 000 euros. Cheval de bonne taille, 1m66, avec beaucoup de modèles. Très beau cheval. Qui est présenté par le haras de la Hetraie. À 10 000 euros. Shakespearean a gagné sur des distances allant de 1200 à 1400 mètres. C'était un cheval très précoce, gagnant de groupe 2, gagnant de groupe 3, et puis également d'une course très richement dotée qui fait que son compte en banque a dépassé le million de livres en course. 14 000, vous êtes à 14. Chamardal est le père de plusieurs étalons stationnés en France, dont Sommerabend, de Haras de Saint-Arnoult, et puis bien sûr d'Ariane qui rentre en 2017 au Haras de Bonneval. Chez son éleveur, son Alsace Agacan. Nous sommes à 18 000 pour Shakespearean. À 18 000, Chamardal, 20 000 déjà. À 19 000, 19 maintenant, 19, 20, 20 000, 20 000, j'ai à 20, 20 000, à 20 000 euros, 20 000, à 20 000 euros, nous sommes l'enchère à 20 000, à 20 000 euros, 20 000, à 20 000 euros, on peut être jugé 2, 22, T1, 21 000, 21 000, l'enchère à 21, 21 000, à 21 000, maintenant j'ai à 21, 21, à 21 000, 21 000, Shakespearean à 21 000. À 21 000, nous sommes maintenant à 21, dernière fois à 21 000, à 21 000 euros, bien vu, à 21 000 euros, merci, à 21 000 euros, on peut être jugé. 21 000 euros, nous sommes. 21 000 euros, pas de regret, nulle part, à 21 000, Dominique Lanchère à 21 000, à 21, pas de regret, nulle part, à 21 000, on la juge, 21 000, 21 000 pour Shakespearean. Les numéros 782 et 783 sont absents. Nous passons au numéro 784, présenté par le haras de Grand Camp, Evasive First, étalon Alzan par Evasive et Zalia. Et notez que son demi-frère, Masagi, compte une place en Grande-Bretagne depuis la parution. Alors, Amadeus Wolf est absent. J'ai discuté tout à l'heure avec Alain Chopard du haras des Faunes. Il s'est ravisé, il préfère garder l'étalon. Il sera donc stationné en 2017 au haras des Faunes. Amadeus Wolf qui a produit 106 vainqueurs cette année. Et dont ses premiers foals sont trop prometteurs pour laisser partir cet étalon-là. Donc Alain Chopard a décidé de conserver chez lui. John Sandman, fils de Footstep in the Sand, est également absent. Et nous sommes maintenant sur Evasive First, qui, comme son nom l'indique, fut le premier bon produit de Evasive, stationné au haras de Grand Camp, qui présente Evasive First ici. Evasive First est un poulain particulièrement précoce. Il avait débuté deuxième en avril de ses 2 ans. Il gagne début mai de ses 2 ans. Et ensuite, il a aligné les bonnes performances jusqu'à ce qu'il soit malheureusement victime de problèmes de tendons, des tendinites. Il est rentré au haras en 2016. Il a saillé une vingtaine de juments, puis il est reparti à l'entraînement. C'est donc un parcours assez atypique pour ce cheval qui maintenant ambitionne de retourner au haras et faire parler la lignée mâle de Gone West via Elusive Quality, qui est une des lignées mâles les plus importantes, les plus dominantes actuellement sur la planète course. Sa mère est une fille de Oasis Dream, ce qui ne gâte rien, avec du sang allemand en bas, avec Platini. Et la famille également de Sizing John, qui est gagnant de groupe 1 en obstacle. 14 000 maintenant. Et nous sommes à 14 000 euros. 15 voulez-vous 14 G, 14 000. Pour ce cheval très signé par son père dans son modèle.
pas en haut. 14 000 euros, Geoffroy, à 14 000. 14 000, à 14 000, je vous écoute, Alban. Gagnant du prix des chaînes, groupe 3, prix des Jouvenceaux et des Jouvencelles, la Vichy. À 14 000, Geoffroy Lanchère, à 14 000, pas de regret, ailleurs, un cheval précoce et vite. Merci de votre aide en haut. À 14 000, Geoffroy, à 14 000, merci. À 14 000 euros, fini. À 14 000 euros. On adjuge, Geoffroy, 14 000, merci. 14 000 euros pour Evasis. Le numéro 785 est présenté par le haras de Grand Caen. Linda Zlad est à Lombay par Sadler's Wells et Colza. C'est donc à nouveau le haras de Grand Caen qui va présenter le quatrième et dernier étalon. Il a produit en l'obstacle. Ici, Linda Zlad, fils du chef de race Sadler's Wells. La mère Colza est une fille de Alleged. C'est la famille de Ray Link, gagnant du prix de l'Arc de Triomphe qui fait la monte chez nous, de Cross Harbour également, gagnant du prix du Conseil de Paris et étalon très utile. Linda Zlad, lui, a produit 5 Black Type en obstacle et de nombreux vainqueurs dans les deux spécialités. Vous êtes l'enchère à 6000. Beau cheval de belle taille, 1m65. 6000 euros. À 6 000, vous êtes à 6, à 6 000. À 6, vous êtes à 6, à 6 000, à 6 000. Une grande souche Abdoula. 7 000 vues à 7, à 7 000. À 7 000, l'enchère à 7, à 7 000. 7, 8, 8 000, 8 000. Et le centre Sadler's Wells, comme on sait, qui est dominant en obstacle. À 8 000, 8, 10, 10 000, 10 000 euros, 10 à 10 000. À 10 000, maintenant, vous êtes 12, 12 000. Et bien sûr, en plat, via son fils Galiléo et son autre fils Mongeux, bien sûr. L'enchère à 12 000, 13, il a dit 13, 13 000. 13 000, maintenant j'ai à 13. À 13 000, à 13 000, l'enchère 13, à 13 000. À 13, Stan, l'enchère à 13 000. À 13 000, Stan, je vous laisse à 13 000. 13 000, pas de regret. À 13 000, on peut adjuger à 13. À 13 000 euros, merci. À 13 000 euros, bien vu. À 13 000 euros, 4. J'avais 14 Geoffroy. 15, voulez-vous? J'ai 14 Geoffroy. 15 000 maintenant. Nous sommes à 15 000 pour l'instant, pour Linda Zlad. 15 à 15 000. À 15 000. À 15 000 euros. 15, 16, 16 000. 16 000 par vous à 16. À 16 000, vous êtes à 16. À 16 000, votre cher à 16. À 16 000. À 16 000, bien vu. À 16 000, dernière fois à 16. À 16, 17, 17 000. 17 000, l'enchère à 17. 17 000. À 17 000, c'est par vous à 17. 18, 18 000. 18 000, vous êtes encore à 18 000. Tony, l'enchère au téléphone à 18. À 18 000. 18 000 maintenant. Maintenant, à 18 000, vous êtes à 18, bien vu, à 18 000, merci. À 18 000, pas de regret nulle part, à 18 000, on peut être jugé à 18, fini. 20, voulez-vous? À 20 000, à 20 000, à 20 000, à 20 000, votre enchère à 20, à 20 000. 19, il a dit 19, 19 000, 19 000, 19 000, maintenant vous êtes à 19. 20, maintenant j'ai 20 000 par Tony, à 20 000, Tony l'enchère. Les enchères montent doucement, nous sommes à 20 000 euros maintenant pour Linda Zlad. À 20 000, suivons 20 à 20 000 et on va adjuger à 20 000. Pas de regret, nulle part, à 20 000 euros, c'est par nous. Tony au téléphone à 20 000, pas de regret ailleurs. À 20 000 euros, merci. À 20 000 euros, bien vu. À 20 000 euros, on adjuge. Tony, l'enchère au téléphone, 20 000, merci. Voilà, 20 000 euros pour Linda Slade. Le numéro 786 est une part d'étalon. Il s'agit de 1 cinquantième de Martaline, la part numéro 47. Martaline est un étalon gris par Linamix et Coraline. Donc là, pas de présentation puisque c'est une simple vente de parts. Martaline est un de nos tout meilleurs étalons d'obstacles. Il produit également des chevaux de plat, comme à coutume de le dire Aliette Forien. Quand on lui présente une jument de plat, il fait un cheval de plat. Quand on lui présente une jument d'obstacle, il fait un cheval d'obstacle. C'est un excellent serviteur. Il est déjà liste pleine cette année, comme pratiquement tous les ans. 20 000 euros. Un fils de Linamix et une excellente souche maternelle, puisque sa grand-mère Bahamian est également l'ancêtre direct de Wemyss Bite, qui a gagné les Oaks d'Irlande, de Beatlelow, gagnant du Grand Prix de Paris et du Arlington Million, mais aussi New Bay, qui avait gagné le prix du Jockey Club l'année dernière, Oasis Dream, que l'on ne présente plus, Zenda, Kingman. Voilà, une famille absolument exceptionnelle. Et Martaline est un propre offert de Reefscape qui avait gagné le prix du cadran et qui a la particularité sur Reefscape, ma foi,
d'avoir été victime de problèmes de fertilité, et c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'il a eu un seul produit, une pouliche qui s'appelait l'Unique, un nom bien trouvé, et cette pouliche est tout simplement gagnante de groupe 1 en obstacle. Donc du 100% de gagnant de groupe 1, c'est quand même très très rare. Vous êtes maintenant à 32. Mais Riffscape n'a jamais pu avoir un autre produit derrière. Martaline, rappelons-le, est également frère utérin de Coastal Path, qui est un de nos très bons étalons d'obstacles également. Nous sommes maintenant à 36 000. Alban Lanchère à 36, à 36 000. À 36 000 et plus là, 36 G à 36 000. La liste des grands vainqueurs de Martaline est longue. 38 000. Kotkikova, Dina, Chimer, Duberlet, Verywood, Roi de Trèves, etc. C'est vraiment un étalon sérieux. Nous sommes déjà à 37 000 euros pour un 50e de Martaline. 40, voulez-vous ? 40 000. À 40, il a dit 40. 40 000. À 40 000, c'est par nous. À 40 000, Valentin Lanchère à 40. 40 000. À 40 000. 1, voulez-vous ? À 40 000. 40 000, j'ai Lanchère à 40 000. Merci. 40 000, bien vu. À 40 000 euros, pas de regret nulle part. À 40 000. À 40 000, dernière fois, dernière chance. À 40 000, on peut être jugé à 40. Dernière fois, bien vu à 40. À 40 000, last time, dernière fois. À 40 000. Martaline a déjà 17 ans. Mais c'est un fidèle serviteur. À 40 000 euros, qui remplit ses books allègrement tous les ans. À 40 000 euros, last time. La saillie est à 15 000 euros. Et la part est adjugée 40 000 euros. Le numéro 787 est la vente sur soumission cachetée d'une part de Silver Frost, la part numéro 36. Les offres d'achat devront être déposées sous pli cacheté au bureau de la comptabilité d'Arcana à Deauville au plus tard, ce jour, avant 18 heures. Lot 787 is a stallion share in Silver Frost for sale by sealed bid. Bids must be lodged at Arcana's offices by sealed envelopes before 6 p.m. today. Voilà, donc le numéro 787, c'est une part de l'étalon Silver Frost. Et avec une procédure particulière, puisqu'il faudra déposer les enchères en souplique achetée avant 18h aujourd'hui à Arcana. Silver Frost qui fait la monte au Haras de la Hetraie et à qui on doit notamment Silver Wave, gagnant du Grand Prix de Saint-Cloud, du Prix Foire, deuxième du Prix Gannet, troisième du Prix Disparant cette année. Un des bons chevaux de l'année. Fille de l'ordre. Alors le lot 788 qui va arriver maintenant, danse anglaise. Au micro, on vient d'annoncer qu'elle était donc positive à la pyroplasmose. C'est une fille de Lord of England, lui-même par Dashing Blade, excellent étalon allemand. C'est une sœur utérine de Abraxa et c'est la famille de Siljan Saga, cette grise fille de Linamix que l'on adore par sa vigueur, par sa qualité et qui a encore figuré parmi les premiers du prix d'Arc de Triomphe cette année. Et cette jument, danse anglaise, est pleine de Amadeus Wolf. Elle ne compte qu'une sortie en course. Encore à 3005, merci. À 3500, 3500 dernière fois. À 3500 dernière chance, à 3005, fini. À 3500, 4000 par vous à 4. À 4000, Geoffroy. À 4000, Geoffroy, l'enchère à 4000, suivons 4 à 4000. La grand-mère est Black Type. Toujours à 4 à 4000. Et compte deux places de Bistad en Allemagne. À 4000 euros dernière chance. Et la quatrième mère, Duboff, avait gagné le Sun Chariot Stakes, groupe 2, qui est aujourd'hui groupe 1. À 4 000 euros, merci. À 4 000 euros, on la juge. 4 000, Geoffroy. 4 000 euros. Gageons que le fait qu'elle soit positive à la pyroplasmose l'aura empêché de faire un petit peu mieux. Et nous passons maintenant au 789, présenté par le haras du lieu des champs, Diva de Vassy, une fille de Blue Brésil qui est maintenant un étalon on ne peut plus confirmer un obstacle. La mère est par Bombeau Rose. Père de Saint-Goustanbou, le Présien, Babylone des Mottes. Carceur de la Bombonera d'ailleurs et de Lagunac. Combien offre-t-on pour débuter ? Cette pouliche foal est née le 6 avril. C'est le deuxième produit de Danietti, une fille de Bombeau Rose, mère par Caldoun, placée à 3 ans en obstacle à Clairefontaine. 3000 euros, 3000, 3000, lançons-nous 3. La mère Danietti est une 3 carceurs de Lagunac. Qui compte 7 victoires en obstacle, dont surtout le prix La Haie-Jousselin, groupe 1, le prix des Dragues, groupe 2.
à 1500, c'est pris à 1005. Camille. Trois quarts sort de La Bombonera. À 1005. 1500 encore à 1005. Gagnante du finot. 1500. 1500 l'enchère à 1500. Une excellente souche sauteuse. 1500, merci. Avec du black type italique sous toutes les mers. 1500 dernière fois, 1500 fois de progrès. À 1500 la Blue Brésil, 2000. 2000 euros, 2000. La mère propre sœur de La Bombonera, 2000. Une belle pouliche. Très signée Blue Brésil. À 2000 euros, votre enchère à 2 à 2000. Avec cette robe baie foncée, noir pongaré. De la Bombonera et la Guna. De la puissance. À 2000. À 2000 qui m'appelle au-delà de 2 à 2000. Merci, bien vu. Dernière fois, dernière chance. À 2000 euros, pas de regret. À 2000 euros, bien vu. À 2000 euros, on peut être jugé. À 2000 euros, pas de regret. À 2000 euros, merci. À 2000 euros, fini. À 2000 euros, dernière fois. À 2000 euros. On la juge, 2000 euros. 2000 euros, ça vaut mieux que ça. Le numéro 790 est présenté par le hara de l'hôtellerie. Giannanis, jument Alzane, par Panis et Danissima. Elle est pleine de Saint-Dessin. Ajoutons que cette jument est vendue sans TVA à hauteur de 50%. 50% of this mare is sold without VAT. Et enfin, cette jument tic à l'appui. This mare is a crib biter. Donc voilà une jument... 790, Giannanis, qui est une fille de Panis, c'est de Danissima par Fabulous Dancer. C'est une sœur utérine de Dulce Leo, gagnant du prix Léon Olry Rodreur, groupe 2. Troisième du Grand Prix d'automne, groupe 1. Sous la deuxième mère, on a Multipass, gagnant du prix Georges Talouerois, groupe 2, et c'est la famille de Dompoli. Triple gagnant de groupe 1, Outre-Manche. La jument est pleine de Saint-Dessin. Il a été annoncé en tribune qu'elle tiquait à l'appui, ce qui peut la desservir, mais elle a un magnifique pédigré, c'est une belle jument, pleine d'un étalon tête de liste en obstacle, dont elle a d'ailleurs... déjà une pouliche de 2 ans qui était son premier produit, Dianès, qui était à l'entraînement. Ensuite, elle a un poulain yearling qui s'appelle Diacosin, qui lui aussi est par Saint-Dessin. Elle a fait une petite infidélité à Saint-Dessin en allant à Martaline pour en voir une pouliche folle cette année de cet étalon. Et elle est de nouveau pleine de Saint-Dessin. C'est une jument qui n'a que 6 ans. Dernier service de juin. 22 000 à 22 ce qui n'est pas 000, rédhibitoire pour une jument d'obstacle, ce qui est un peu plus compliqué lorsque on veut produire des chevaux de plat. Et surtout si on veut passer ensuite les poulains à la vente et faire des 2 ans. Giannanis est à 24 000 euros pour l'instant. À 24 000, une foule tout Saint-Dessin, pleine de Saint-Dessin, à 24 000, bien vu, on peut être jugé à 24, pas de regret. 25, il a dit 25 000. 25 000 Alban, à 25 000, à 25 000, nous sommes maintenant à 25, pleine de Saint-Dessin à 25 000, très belle famille ici à 25 000. Saint-Dessin qui fait toujours la monte au haras des Truands. À 25 000 euros, bien vu, à 25 000 euros, merci, à 25 000 euros, plus nous j'ai froid, à 25 000, 6, à 26 000, à 26 000, à 26 000, vous êtes maintenant j'ai froid, à 26, 7 voulez-vous? À 26, 7 voulez-vous? À 26, j'ai maintenant à 26. 27, à 27, à 27 000, à 27 000 maintenant. À 27 000, à 27 000, à 27 000, merci. À 27 000, c'est là. À 27 000, pas de regret. À 27 000 euros. On a dû. 27 000 euros. Merci. Pour Giannanis. Le numéro 791 est présenté par Greenfield Consignment, un poulain Alzan né le 19 mars par Lingari et Devaki. Joli poulain Lingari. Alors 791 de Lavaux, un foal Alzan par Lingari. Le solide, très très solide Lingari qui a fait la monte au Hara de Bonneval tout d'abord, puis au Hara du Petit Hélier qui est maintenant dans l'hémisphère sud et qui est le père de l'excellent Carl Lingari qui nous fait tous vibrer à chacune de ses sorties. À 5 000 euros, 5 à 5 000, à 5, 6, 6 000, 6 000 l'enchère à 6, à 6 000, à 6 000 euros, à 6 000, à 6 000, à 6 000, on est maintenant à 6. Ce foal est un fils d'une double gagnante, c'est le premier produit de la mère qui est une fille de Sholokhov. À 6 000, vous êtes à 6, à 6 000, bien vu à 6, à 6 000 euros. Et la deuxième mère d'Eva,
gagnante de groupe 3 en Allemagne et en Italie. Et la mère de Devastar, également gagnante de groupe 3 en Allemagne. Une solide souche allemande en bas et un haut de pedigree. Lingari, fils de Indian Ridge. À 8000, bienvenue à 8500, 8500 l'enchère, à 8500, 8500, 8500, j'ai à 8500, à 8500, 8500 l'enchère, à 8500. Très signé par le père. À 8500, merci, à 8500, à 8500, pas de regret, à 8500, à 8500, on peut adjuger à 8500, 9, 9000, Stan l'enchère à 9, à 9000, à 9000 maintenant, à 9000 euros, à 9000 euros, la mère par Cholokov à 9000, à 9000, Lingari, 9000, 10, 10000. Cholokov, son père de mère, rappelons-le, est le père de Nightwish qui vient de rentrer au haras de Montaigu et qui a été présenté pendant ses ventes d'élevage aux éleveurs, qui est un très beau cheval. Très bien équilibré, très bien dans sa tête. C'est 11 à partir de 10. Excellent tempérament. 11 000 euros, bon poulain ici de Lingari à 11 000. Solide, rentrée sain et net au hara. Nous sommes à 11 à 11 000. À 11 000 euros, à 11 000 euros, c'est plus nous là. Et la solidité, c'est également merci de votre aide. La grande qualité de Lingari et de ses produits. À 11 000 euros, pas de regret. À 11 000 euros, on adjuge. 11 000 euros pour ce... Poulain le numéro Lingari. 792 est présenté par le haras de l'hôtellerie, une femelle grise née le 22 avril par Martaline et Giannanis. A noter que cette pouliche est vendue sans TVA à hauteur de 50%. 50% of this filly sold without VAT. Fille de Martaline. Nous arrivons maintenant au lot 792 pour une pouliche foal par Martaline et Giannanis. Cette Giannanis qui est passée sur le ring il y a de l'eau. Sur l'obstacle, Martaline, le père de la championne. Une jolie pouliche grise. Combien débute-t-on ? Famille de Dulce Leo. 10, 10 000, 10 000, 10 000. Gagnant du prix Léon Olry Rodreur, placé de groupe 1, multipasse, le champion Dompoli. 5 000 euros la Martaline, 5, 5 000, 5 000, j'ai à 5 000, 5 000 euros, 5 000, 5 000 la Martaline, 5, 6, 6 000, 6 000 euros, à 6 000, à 6 000, à 6 000, suivant 6, à 6, à 6 000, à 6 000 euros, 6, 7, c'est la même, 7, 7, 7. Pouliche qui commence à susciter quelques enchères, car un pédigré comme ça, quand même assez rare. À 9 000, 10, 10 000, 10 000, j'ai maintenant à 10, à 10 000, à 10 000, et c'était vraiment une très belle pouliche. 10, 11, 11 000, 11 000, l'enchère à 11 000, à 11 000, vous êtes à 11 000, merci, à 11, à 11, 12, 12 000, 12 000, l'enchère à 12 000, à 12, à 12 000, 12, 13, 13 000, 13 000, votre enchère à 13 000, 13, 14, 14 000, 14 000 maintenant, à 14, à 14, 14, j'ai à 14, 14, à 14 000, la foule de Martaline à 14, 14, à 14 000, 14 000, c'est Geoffroy à 14, 14, 16, 16 000, 16 000, 18, 18 000, 18 000, vous êtes à 18, 18 000, à 18 000, bonne pouliche de Martaline à 18 000, 18 000 suivant, à 18 000. Déjà 18 000 euros pour cette pouliche. Martaline, bien vu, à 18 000. Rappelons que son père Martaline, fils de Linamix, va dans son pédigré laissant de Sadler's Wells et de Mill Reef, ce qui explique en grande partie sa réussite à l'obstacle. Bien vu, à 18 000 euros, dernière fois la Martaline, bonne pouliche de Martaline à 18 000 et on va juger. Bien vu, fini, merci. À 18 000 euros, le marteau se lève, pas de regret nulle part. À 18 000 euros, fini. À 18 000 euros, Geoffroy l'enchère. À 18 000 euros, merci. À 18 000, on adjuge. Voilà, 18 000 euros. Le numéro 793 est présenté par le haras du Haguenay. Miss Jenna, jument ben née aux USA par Gone West et Dimitrova. C'est dans le couloir, je ne vois pas qui a acheté cette pouliche. Le haras du Haguenay présente maintenant le numéro 793, Miss Guina. Miss Guina est une fille de Gone West. Un des tout meilleurs fils de Mister Prospector, un des plus influents. Excellent père de mère aussi. Citera notamment Motivator. La mère Dimitrova n'est autre qu'une gagnante du Flower Bowl Invitational Stakes Groupe 1, placée dans les Irish Mill Guineas, une fille de Swain et de The Caretaker. Qui m'appelle à 3, 3 000, à 3 000 pédigré où se multiplient les black type classiques en plat avec Mutafawek qui a remporté lui la Coronation Cup et le Saint-Léger. Mutafawek était un fils de Silver Hawk. Un cheval qui avait une générosité énorme, plus grosse que lui. Il avait souvent du mal à récupérer de ses courses tellement il donnait
sur la piste, il donnait plus qu'il ne pouvait. C'était un fantastique performeur, ce qui lui a permis d'aller jusqu'à aux 2920 mètres du Saint-Léger avec classe. Et cette jument, elle est pleine de pourmoi. Dernier service au 2 avril. Elle a eu un poulain de Invincible Spirit qui est simplement placé en Angleterre et aux Émirats Arabes Unis. Une pouliche de 4 ans non nommée par Laoman. Un mâle de 2 ans par Laoman. Et elle a ensuite donné 2 pouliches par Dreamerhead. L'excellent sprinter Dreamerhead. Une pouliche yearling et une foal. 6500, merci. 6500, fini. À 6500, dernière fois. À 6500, c'est par nous. À 6500, Alban. On notera bien sûr que le croisement entre pour moi et Miss Guéna par Gone West se rapproche beaucoup de celui de Motivator, puisqu'on a le croisement Mongeux Gone West. Le numéro 794 est présenté par le haras de Molpère, Béjaïa. D'ailleurs, de nombreux fils de Mongeux croisent très bien avec Gone West. C'est le cas de Authorize notamment. Arquebusier compte une place supplémentaire en obstacle en Grande-Bretagne. Donc Arquebusier placé en Grande-Bretagne en obstacle. Nous passons au lot 794. Une fille de Califette âgée de 5 ans. De Bipap, de Still Loving You. Grand papier maternel ici, elle est pleine de Dr Dino. Belle pouliche de brune. Très bien, à la fois en plat mais aussi beaucoup en obstacle. Elle est pleine de Dr Dino. Et à combien de buts pour cette jolie jument? Ça y est, pour la première fois cette année. Dernier service au 5 mars. Elle est gagnante en obstacle à 4 ans à Nantes. 3000 euros, allons-y, 3000 euros, la fille de qualité. Elle a d'ailleurs fait grosse impression ce jour-là et malheureusement s'est accidentée derrière. Faute de quoi, elle était promise à une belle carrière. Selon son entourage, bien entendu. En tout cas, la famille est vivante puisque c'est une sœur utérine de Arquebusier qui compte une place de plus en obstacle en Angleterre depuis l'apparition du catalogue. Et c'est la famille sous la troisième mère de Azerty Yop, gagnant du Queen Mother Championship Chase Groupe 1, du Arkel Challenge Trophy Chase, Bibap, gagnant du prix Maurice Gillois, Still Loving You, Toi et le Soleil. Excellente souche à QPS d'origine anglo-arabe du haras de Molpère. La souche de Azerty Yop à 10 000. À 10 000 euros, une jolie à QPS ici à 10 000. À 10 000, vous Azerty Yop, pas facile à prononcer comme nom, mais si vous avez un clavier d'ordinateur devant vous, vous comprendrez tout de suite comment a été nommé ce cheval. Il suffit en fait d'aligner la première ligne du clavier. Vous avez le A, le Z, le R, le T, Y, Azerty Yop. À 12 000 euros, bien vu. À 12 000 euros, la demi-sœur de assez original. Encore gagnante depuis l'apparition du catalogue en obstacle. Et Béjaïa, cette fille de Califé, est pour l'instant à 13 000 euros. À 13 000 euros, l'enchère est à vous, Stan, l'enchère à 13 000. À 13 000 euros, c'est Stanislas, l'enchère à 13 000. À 13 000 euros, pas d'erreur, à Stan, l'enchère à 14 000, fresh bidder now. Son père, Dr Dino, fait la monte au haras du Ménil. 14 000 euros maintenant, Laura, votre enchère, nouvelle enchère. Grand champion, inoubliable. Lui aussi un solide serviteur des courses françaises. À 14 000 euros, bien vu, c'est votre enchère, Laura. À 14 000 euros. Et qui aujourd'hui a la particularité d'être capable de produire des chevaux de groupe et même de groupe 1 dans les deux spécialités. Merci, monsieur Nataf. 14 000 euros, Laura, votre enchère. 14 000 euros numéro 780 pour Béjaïa. Présenté par le haras d'Angerville, un poulain baie foncé né le 7 avril par Silver Frost et Don't Look Back. A noter que ce poulain est vendu sans TVA. This colt is sold without VAT. Un second produit ici d'une souche de Oranet. Alors maintenant, le lot 795, As de trèfle, présenté par Laura d'Angerville. Un foal de Silver Frost et de Don't Look Back par Slickly. À 2000 euros, une enchère, à 2000 euros, 2500, Guillaume à 2500. Un poulain qui est pour quatrième mère Odd, qui fut une excellente performeuse sous les couleurs Wildenstein, Grand Prix d'Evry, Prix Corrida, deuxième du Grand Prix de Saint-Cloud, placé de groupe 1 aux États-Unis également. As de trèfle, ce jeune foal. Baie foncée. À 4000 euros, Guillaume, c'est votre enchère, bien vu par erreur. Un beau poulain. À 4000 euros, on va pouvoir la juger à 4000 euros. La mère est placée à 2 ans et à 3 ans, c'est son deuxième produit. Après une pouliche yearling par Literato.
Guillaume, 4 000 euros. Le numéro 796 est présenté par le Haras d'Ombreville, un poulain alezan né en Allemagne le 16 mars par campanologiste et Donna Lavinia. Le lot 796 maintenant, présenté par le Haras d'Ombreville. Qui se déplace bien avec du cadre. De campanologiste. Donc le regretté campanologiste. King Mambo. Talon dont c'est la dernière production. C'est la mère et sœur de Durban Sun. Quadruple gagnant de groupe 1. On débute à combien pour ce joli poulain? Il est disparu malheureusement juste après son retour de l'hémisphère sud. Ce poulain, fils d'une gagnante, c'est le cinquième produit. C'est le frère utérin de Dao Vasco qui a gagné 4 victoires. Fils de Silvano. Et sa mère est une sœur utérine de Durban Thunder, fils de Samoum, qui rentre au Haras en 2017 en France, au Haras du Broussard, où il sera proposé à 1800 euros la saillie. Un cheval particulièrement solide et accrocheur qui a gagné le Gros Tour d'Almar Price, groupe 1. Et de nombreux, Stan, votre enchère, merci. De nombreuses figurations au plus haut niveau. Le numéro 4000 euros pour ce foal de campanologiste. Et nous passons maintenant au 797. Pleine de Montmartre. Seven Heaven, sans TVA. Une fille de Turtle Ball. Elle est gagnante. Turtle Ball qui faisait la monte au Haras de Montaigu et qui est maintenant au Japon. C'est Petite Parisienne, donc c'est le 3 quarts frère, peut-être Annette ou 3 quarts sœur dans son ventre, ici de Petite Parisienne, le même croisement bien sûr. Voilà. Turtle Ball qui réussit très bien. Le plus intéressant évidemment sur ce pédigré, c'est Petite Parisienne, qui est la sœur utérine de la jument qui passe actuellement, et la jument est pleine de Montmartre, le père de Petite Parisienne. Donc là on a vraiment accès, non seulement à une jument très bien née, qui a un très beau modèle d'ailleurs, la sœur de Petite Parisienne, et qui a dans son ventre une 3 quarts sœur d'une gagnante de groupe 1, double gagnante de groupe 1, outre-manche, le champion de Fourier Hurdle et le Spring Juvenile Hurdle. Une solide souche allemande qu'on connaît bien avec les Paphos, ce Rhinome, beaucoup de bons stayers dans la famille. À 7 000 euros maintenant, Guillaume, 7 et bien sûr, Petite Parisienne, qui a porté haut les couleurs de l'élevage français en obstacle. Julie, c'est votre enchère à 8 000. À 8 000 euros, Julie, votre enchère à 8 000 euros. Bienvenue, l'enchère est à gauche à 8 000. À 8 000 euros, l'enchère. Turtle Ball, lui, est un petit-fils de Night Shift. Night Shift était un fils de Northern Dancer qui a eu très peu de performances modestes. En fait, il avait un problème de genou, ce cheval qui l'a handicapé durant sa carrière de course. Mais un excellent pédigré, fils de Northern Dancer et de Ciboulette. Et Night Shift a tracé aussi bien en plaque qu'en obstacle, avec notamment Azamour. Et on le retrouve assez fréquemment aussi dans les pédigrés de bons sauteurs. Donc c'est pas du tout rédhibitoire d'avoir Turtle Ball en paire de mer pour cette jument pleine de Montmartre. 12 000 euros, la sœur de Petite Parisienne pleine de Montmartre. 13 000. 13, 14, Guillaume à 14,000 now, à 14 000 euros maintenant, 14,000, 15 000 Grégoire, à 15 000 euros maintenant, Grégoire, l'enchère à 15 000, à 15 000 euros, bien sûr, l'enchère à 15 000 euros maintenant, l'enchère à 15 000, à 15 000 euros, l'enchère à vous, Grégoire, à 15,000 maintenant, c'est Grégoire, l'enchère. La mère est, pour sa part, une triple gagnante, par Highest Honor à une fille de Sourumou. Et la jument 7-Even a déjà un poulain par Montmartre qui est foal et qui est présenté dans le catalogue et qui passera un peu plus tard dans l'après-midi sous le lot numéro 893. Last time, fini. Enchère à vous, Stanislas, on adjuge. Stanislas, merci. 16 000 euros seulement pour cette jument pleine de Montmartre. Le numéro 798 est présenté par le Haras de l'hôtellerie, City of Light, jument bée par Singspiel et Electric Society, pleine de Stormy River. Jument gagnante qui a produit un vainqueur, elle est pleine de Stormy River donc. Alors City of Light arrive sur le ring, 798. Un obstacle également avec Storminator. Une fille de Singspiel qui est un des tout meilleurs pères de mer européens. C'est la souche de Bourbon Boy. Sa mère Electric Society est gagnante de groupe 2, de deux groupes 2 outre-Atlantique aux États-Unis. Elle a gagné plus de $440 000. C'est une fille de Law Society.
qui lui aussi est un père de mer assez exceptionnel. Cette jument est pleine de Stormy River. Elle a gagné en plat et a déjà produit un vainqueur avec Lingari, un triple vainqueur en Slovaquie. La souche maternelle est assez exceptionnelle puisqu'on tombe sur la souche de Flame of Tara, qui était une gagnante des Pretty Poly Stakes, à qui on doit l'exceptionnelle championne qui était Salsabil qui avait battu les mâles dans le derby d'Irlande après s'être adjugé les 1000 Guinées, les autres. C'est même le prix des prix Marcel Boussac chez nous avant de remporter le prix Vermeil. Tout ça à l'âge de 3 ans. Et qui est une sœur de Marju, très connue aussi, lui, gagnant des St. James's Palace Stakes, et très bon étalon, excellent père de mère. L'enchère est à vous, Julie, bien vu, fini, à 3 500 €, bien vu. Donc un bon pédigré pour cette jument qui a encore besoin de prouver sa qualité, et gageons qu'avec Stormy River, elle y parviendra, elle n'est partie qu'à 3 500 €. Le 4 mars par Great Pretender et Eliga. Et notez que son demi-frère, Sreligon, compte une place supplémentaire en obstacle. Great Pretender. Alors le lot 799 maintenant, le Grand Gael. Et le père de nombreux voilà. Prince Pretender. Un joli foal de Great Pretender. Great Pretender qui est un étalon classique en obstacle stationné au Haras de la Hetraie. Great Pretender, c'est un fils de King Theater. Le seul actif actuellement, l'année prochaine, un autre fils de King Theater entrera au Haras en Angleterre, mais pour l'instant, Great Pretender est encore le seul. Son demi-frère ici, Great Pretender, allons-y, à combien de butons, allons-y, voulez-vous. La mère est gagnante du prix André Michel, groupe 3 à Auteuil. Donc, fantastique pédigré pour l'obstacle, pour ce poulain. Une famille vivante, puisque le 3 ans de la mère, Sreligon par Martaline, a une place en obstacle supplémentaire depuis la parution du catalogue et atteint aujourd'hui plus de 54 000 € de gains. C'est la famille de Tataniano, gagnant du John Smith's Magal Novices Chase groupe 1 de Madalka, qui a remporté le prix Maurice Gillois, de Black Thunder, gagnant de groupe 2. 16 000 € maintenant, 16 000 € toujours à droite à 16 000. À 16 000 € il compte. Et puis une mère qui était quand même une semi-classique en obstacle de grande qualité avec Great Pretender. À 20 000 € c'est contre vous, Guillaume, à 20 000. À 22 000. Et nous sommes déjà à 20 000 € pour ce foal. À 22 000 € maintenant, Guillaume, à 22 000 l'enchette à 22 000. À 22 000 € par vous, Valentin, 22 000. À 22 000 € l'enchette à gauche, à 22 000 € l'enchette à 22 000. À 22 000 € l'enchette à Great Pretender, 22 000. À 24 000. À 24 000 € l'enchette à 24 000 € Gensius, à 24 000. Fini Guillaume, 23 000 à droite à 23 000, à 25 000, 25 000 Guillaume à 25 000, à 25 000 euros l'enchère à 25 000, à 25 000 euros c'est contre vous à droite à 25 000, à 25 000 euros l'enchère à Guillaume, 27 000, nouvel enchérisseur à 27 000, à 27 000 euros, c'est l'arme les cold, à 27 000 euros. I've got 27,000 by Laura Lanchère, Julie, 30 000, 30 now, 30, at 30, at 30, at 30,000 now, à 30 000. 28, si vous voulez, Guillaume, à 28 000. À 20, nous sommes à 28 000, donc pour ce, 000 euros, si vous voulez, Guillaume, à 28 000. Ce fils de Eliga. Eliga qui est par Turgeon. Ce fidèle serviteur de l'élevage français qui, à l'âge de 30 ans, est toujours actif au Haras, avec toujours un taux de fertilité impressionnant. Un cheval d'une éternelle jeunesse. Et le père de mère de Eliga, Cadalco, fils de Cadoudal, est lui aussi un père de mère de très grande qualité. Donc un très beau pédigré pour ce poulain, très prometteur, et nous sommes à 33 000 €. À 33 000 €, à 33 000 € l'enchère à 33 000, à 33 000 € maintenant l'enchère à 33 000 € à droite l'enchère à 33 000 €. Merci pour votre aide. À 33 000 €, à 33 000 €. Rappelons que Great Pretender avait gagné le prix Policeman, s'était placé deuxième du prix Noailles en plat avant de remporter le prix Achille Fould. 35 000 à en obstacle, à 35 000 € l'enchète à un performeur de qualité, à 35 000 €, de grande je qualité, polyvalent, auquel on doit notamment le champion de Tizig, Hadza et de très nombreux gagnants de stakes en obstacle.
35 000 euros pour le plein. 800 est présenté par le Hara des Éclos, une femelle benne, et le 14 mars par Planteur et Elusive Feeling. A noter que cette pouliche est vendue sans TVA. This filly is sold without VAT. Elusive Plan, donc fils de Planteur, fille de Planteur, mère Elusive Quality. Troisième produit d'une mère gagnante, la souche de Hennig. Alors que vous voyez hein, passer sous vos écrans là, sur Francir, notamment là une... 2000. Un encart concernant 4 juniors, neveu de Linamix par Stormcat, un cheval dans les statistiques, malgré un nombre limité de foals, font de lui un étalon très prometteur. Il a déjà quelques très bons gagnants. Et là, nous sommes sur le lot 800. Elusive Plant, Foolish Foal par Planteur, comme son nom l'indique, et de Elusive Feeling par Elusive Quality. And the dam is the winner. La mère est gagnante à 3 ans. C'est son troisième produit. 2000 euros à 2000 euros. Notons que sous la deuxième mère, il manque dans le catalogue Princess Na, une fille d'acclamation qui a gagné une course et qui s'est placée une fois à 3 ans cette année en Angleterre. Et le poulain, la pouliche, pardon, a été vendue 2000 euros. Lena Moon, jument baie par Tirwanako et Eva Moon, pleine de Sriputra. Tirwanako, Tirwanako. Le Hara du Saz nous présente maintenant le 801. Jument gagnant. Lena Moon, une jument de 7 ans par Tirwanako. C'est la mère et sœur de Shannon Bar. C'est la souche de Top Glory, de Double Bed, Double Car ici. Elle est pleine de Sriputra, les talons maison du Hara du Saz. Ça y est, pour la première fois. Cette année, elle est pleine. Sa mère n'a pas couru. Elle n'a eu que deux produits, mais un vainqueur, qui est justement Lena Moon. La mère est une sorriterine de Shannon Bar, gagnant de groupe 3 en obstacle en Angleterre, placée de groupe 2. Et c'est la famille, surtout de l'excellent Double Bed, que personne n'a oublié. Multiple gagnant de groupe et étalon très utile chez nous. C'est la famille de Double Car qui a gagné le Grand Prix de Pau. Une fille très solide, Tirwanako, cette Lena Moon. À Guillaume Lanchère, 6000, 5500. Et oui, Nicolas. 5500. À 5500 l'enchère à droite, à 5500. À 5500, essayez encore Guillaume, mettez 6000, arrondissez Guillaume. Fini. 5500 Guillaume, c'est contre vous, je vais devoir la juger. 6000. 6000 euros maintenant, Stan l'enchère à 6000 euros, il est revenu à 6000. À 6000 euros maintenant, 6000 euros maintenant à gauche, Guillaume à 6000. À 6000 euros maintenant, Stanislas, c'est votre enchère à 6000. À 6000 euros ici, 500 Grégoire. À 6000 euros, c'est Stanislas l'enchère, pas d'erreur. À 6000 euros ici, 500, encore un petit effort. À 6500. Oui, non, fini. Vous la laissez partir, jolie jument. À 6 000 euros, à vous Stanislas Lanchère, à 6 000 euros, on adjuge. Voilà, Stanislas, parti à 6 000 euros. Le numéro 802, Lena Moon, présenté par Pascal Beyer, Duchesse Valentine, jument Alzane, par Bachelor Duke et Everlast, pleine de Pierre Gint. Alors le 802 maintenant, une jument de 6 ans, Duchesse Valentine, par Bachelor Duke, un fils de Miss Wacky. De grande naissance maternelle, puisque c'est la famille maternelle, ce Bachelor Duke de Nureyev, Sadler's Wells et consorts. La mère, Everlast, fille de Annaba, a déjà produit Teen Soldier avec Soldier of Fortune, placé du prix Agado à Auteuil. Et c'est la famille de Cut Quartz. Excellent stayer, double gagnant de groupe 2. La jument est pleine de Pierre Gint. Son premier produit est Yearling. C'est une pouliche par Satri. Et elle a eu un foal de pénis pique-nique au printemps. À 1500, nous vendons à 1500, nous mettons l'enchère à 1500. À 2000, 2000, 2000, 2000, 2000. À 2000 euros, c'est 500, monsieur. À 2000 euros, c'est contre vous dans le passage au chapeau à 2000. Pierre Gint qui fait la montre au Harald de la N9, qui est un des rares fils de Sunday Silence. À 2500, au fond du passage, à 2500, mettez 3000. Qui officie en Europe. À 2500 euros, l'enchère là-bas dans le. Et qui est le père de l'excellent Flamboyant qui a brillé aux États-Unis cette année. À 2500 euros, pas de regret, pas d'erreur, c'est sûr, bien vu, on va la juger. À 2500 euros. On a juge. Et le jugement est parti à 2500 euros. Le numéro 803 est présenté par Greenfield Consignment. Un poulain ben est le 16 mars par Whipper et Fait Accompli. Le 803 maintenant, encore un foal, un poulain, fils de Whipper, qui fait la monte
dans le sud-ouest, après avoir officié au Haras du Mézeray. Alors que vous voyez passer sur vos écrans un encart sur Marasca Sorrento, cet excellent fils de Cadoudal, qui ne cesse de s'illustrer par ses produits en obstacle. 2000 euros, mettez vos enchères, 2000, 2000, 1500, mettez vos 1500, mettez 1500, mettez 1500, mettez 1500, mettez 1500. Le poulain qui passe actuellement est un fils de la gagnante fête accomplie, une fille de Bering. C'est la famille, une famille de Lord Weinstock, une vieille famille que l'on retrouve notamment chez Nakus, Barra Strait. 1500, Weeper. C'est la même? 3000, à droite 3000 euros maintenant, 3000 euros maintenant Grégoire, à 3000 euros c'est Grégoire l'enchère à 3000, à 3000 euros maintenant Grégoire 2500, à 2500 maintenant 2500 l'enchère, à 2500, attention vous êtes deux dans le passage, il y a là et là, 3000, oui monsieur, oui voilà 3000 euros, c'était bien ça en fait, bien vu Grégoire. 3000 euros, c'est à gauche, c'est pas la dame. Nous sommes à 3000 euros pour ce poulain par Weeper. En tous les cas, à 3000 euros, je vais l'adjuger pour le fils de Weeper. Weeper qui est là. Fini. Une 500. On s'en souvient, un excellent 4000. Performeur, surtout sur la ligne droite de Deauville, oui, où il a réalisé l'exploit d'aligner 500. Des victoires dans le prix Morny à 2 ans, le prix Maurice de Guest à 3 ans et 4000. Le prix Jacques Lemarois à 4 ans. 5000. Oui, 5000 euros, 5000 euros maintenant, 5000 euros. Et qui a pour sœur l'excellente classique Divine Proportions, un excellent pédigré pour Weeper, qui est également un étalon des plus sérieux. 5500, vous regardez une dernière fois votre paire de gagnants de groupe 1. C'est fini. À 5500, si vous voulez 6000, on peut mettre 6000. À 5500 euros, pourquoi pas 6000? Eh bien non, à 5500 euros, on adjuge. Merci. 5500 euros pour ce poulain. 5500, c'est vraiment de neuf, votre enchère, merci. Le numéro 804 est présenté par Greenfield Consignment, fait accompli, jument Alzane. Par et voilà, le fils sort et va rentrer sa mère maintenant sur le ring. Pleine de Yumzane, pleine de Yumzane, elle est gagnante. Fait accompli. C'est la souche de rock de Cambès de Moon Solitaire de Germano, Bering, excellent père de mère, allons-y. On le met à combien pour cette jolie jument avec du cadre? 3000, 2000, 2000, 2000. Une belle jument Alzane, pleine de Yumzane. Solide et valeureux performeur qui fait la monte au Haras du Quesnay. Elle a produit déjà deux vainqueurs et le poulain qu'on vient de voir passer. 3500 maintenant Laura par vous. Son yearling par Yumzane, lui, a été exporté en Russie. Donc on... Même s'il est un champion là-bas, il ne pourra pas prendre de black tie puisqu'il n'y a pas d'épreuve en Russie qui sont reconnues par l'International Cataloging Standard, c'est-à-dire le règlement qui définit le caractère gras dans les catalogues, ce qui est un petit peu dommage. 5000 4500, c'est vous. Mais ce qui se justifie, bien entendu, par le niveau des épreuves. 4500, il n'y a pas l'erreur, monsieur. C'est vous. 5000. Ah ben, on peut remettre 500 comme tout à l'heure. Ça fait le même prix. Une fille de Bering. Voilà, c'est le même prix. À 5500 pour vous, toujours, monsieur, de second rang, à 5500. Gagnant du prix de Jockey Club en temps record avant de subir la loi de Dancing Brave dans un arc de triomphe qui fut l'un des plus palpitants. 500, monsieur. Oui. Non. À 6000 euros. 500. Dans cet arc. Chardari avait pris l'avantage à l'entrée de la ligne droite. Charastani était venu prendre l'avantage à son tour. Triptych s'était précipité le long de la corde pour elle aussi prendre l'avantage. Et puis finalement, tout le monde a été débordé par Bering. Et ce même Bering qui s'est accidenté dans les dernières, pas gravement, mais suffisamment pour raccourcir un peu son action, a été débordé par Dancing Brave à la fin. Donc un finish absolument palpitant. Et cette fille de Bering est partie à 7000 euros. 3 ans, footballisto, c'est plein de Yumzane. Et oui, donc footballisto, révélation depuis l'apparition du catalogue, donc quatrième du Fifrelet Listed. Et à 2 ans, donc Brasilera qui ralentit. Voilà une jument. Faro d'une jument de 8 ans, fille de Tech Crisp et de Farah Green par Green Tune. Jument qui est gagnante. Une poulinière en devenir, elle est pleine de Balingari. Mais son premier produit, Footballisto, s'est placé 4e du prix Fifrelet récemment. Elle a ensuite une pouliche de 2 ans par Blue Boo Brésil, un yearling par Della Francesca et une pouliche full par Great Pretender. Elle est pleine de Balingari, c'est une jument qui a donc été bien servie et qui est bien partie au Hara. Et qui devrait susciter de l'intérêt. Elle a cette robe, ses caractéristiques des tailles crisques,
lui-même fils du gris Ayestonor, par le gris Kenmar, lui-même par Calamoun, par Zedan, Grace of Rain, tous ces gris qui ont et qui continuent à marquer l'élevage français notamment. Techris, c'est aussi le père de Myrisk qui fait la monte au haras de Trébant. À 8000 euros, c'est toujours joli, à 8000, à 8000 euros, 9000. 9000 euros maintenant, 9000, à 9000 euros l'enchère. Et le croisement entre Ballingary, fils de Sadler's Wells, et une petite fille de Ayestonor est un prouvement, un croisement amplement éprouvé. Et il faut savoir aussi que Farod, cette jument qui passe sur le ring, est une sœur utérine de Smashing, gagnant du Red Mill Chase Group 2, du Webster Cup Chase Group 2, troisième de la Ryanair Gold Cup Group 1. À 10 000 à droite, 11 000, 11 000, 11 000, 11 000, 11 000, 11 000, 11 000, 11 000, 11 000, 11 000, 11 000, 11 000, 11 000, 11 000, 11 000, 11 000, 11 000, 11 000, 11 000, 11 000, 11 000, 11 000, 11 000, 11 000, 11 000, 11 000, 11 000, 11 000, 11 000, 11 000, 11 000, 11 000, 11 000, 11 000, 11 000, 11 000, 11 000, 11 000, 11 000, 11 000, 11 000, 11 000, 11 000, 11 000, 11 000, 11 000, 11 000, 11 000, 11 000, 11 000, 11 000, 11 000, 11 000, 11 000, 11 000, 11 000, 11 000, 11 000, 11 000, 11 000, 11 000, 11 000, 11 000, 11 000, 11 000, 11 000, 11 000, 11 000, 11 000, 11 000, 11 000, 11 000, 11 000, 11 000, 11 000, 11 000, 11 000, 11 000,
parti pour faire de même. À 11 000 euros maintenant, Tony l'enchère à 11 000. À 11 000 euros, last time, fini. À 11 000 euros, 11,000, honey. 12 000 euros, à 12 000 euros maintenant, il était temps, à 12 000 euros, à 12 000 euros à droite, l'enchère à 12 000, à 12 000 euros, une jolie jument à 12 000, à 12 000 euros, à 12 000 euros, here is the bid, à 12,000, I'm gonna sell on the right side now, à 12 000 euros, bienvenue, fini Tony, against you, honor. 13 000 euros maintenant, à 13 000 euros maintenant, 13, I've got 13,000 now, sir, at 13,000, bid 14, at 13,000, bid 14, at 13,000, against you, sir, at 13,000, one more, at 14, at 14, at 14,000, at 14, at 14,000, at 14, at 14, at 14, the lovely filly, at 14, at 14, at 14,000 euros, against you, sir, again, at 14,000, 15. Nous sommes à 14 000 euros pour cette jument. 15 000 euros maintenant, Tony, 15 000, à 15 000, à 15 000 euros maintenant, 15 000, à 15 000, à 15 000 euros, bienvenue, last time, last call, à 15 000 euros, 16 000, 16 000, ça continue à monter. À 16 000 euros, l'enchère à droite, à 16 000, à 16 000, à 16 000 euros, try again, sir, à 16 000 euros maintenant, l'enchère à 16 000, à 16 000, à 16 000 euros, bienvenue, fini, last time, against you on the left side now, I'm going to set her here on the right side, bienvenue, fini. On a dû 16 000 euros, thank you sir. Votre 16 000 euros pour la jument. Le numéro 806 est présenté par le Hara de la Pommeraye. Day Gets Up, jument bay par Moutatir et Fire Moon Julie. Elle est pleine de saint dessin. Et à noter que cette jument est vendue sans TVA. This mare is sold without VAT. Elle est pleine du champ. Le lot 806 maintenant, une jument de 7 ans, fille de Moutatir. Alors que vous voyez passer sur vos écrans la publicité concernant Nidor. Elle est gagnante cette jument. Et on le but à combien ici ? Seul l'étalon, seul français accepté à la monte en France et qui multiplie actuellement les citations Black Type avec sa production. Excellent étalon. 5 000 euros, mettez l'enchère à 5 000, allons-y, 3 000, alors 2 000. Alors, Day Gets Up, présenté par Laura de la Pommeraye, est sur le ring actuellement, le lot 806. À 5 000 euros, 7 000 euros maintenant, Julie. Elle est pleine de saints dessins, après avoir donné un poulain foal de Manduro cette année, dernier service le 14 juin. À 12 000 euros, à gauche, l'enchère à 12 000 euros, une jolie jument ici avec du cadre. À 12 000 euros, pleine de saints dessins, à 12 000, à 12 000. C'est la famille de Now Now Now. Aujourd'hui, étalon aux États-Unis, gagnant de groupe 2 et très bon performeur. Et aussi celle un peu plus loin de l'Iféor, qui était un gagnant du prix Quincé, fils de l'Ifar, qui fut un excellent étalon. D'ailleurs, c'est assez amusant de voir dans la lignée mâle de l'Ifar que l'on rencontre assez souvent. Des performeurs relativement modestes de niveau groupe 3, je pense notamment à Alzao ou Goufalik, des chevaux comme ça qui ont fait ensuite bien tracé au Hara. On fait beaucoup mieux au Hara qu'ils n'avaient fait en course. Un Lifar que l'on trouve dans les pédigrés à la fois de plats et d'obstacles. Et la jument a été vendue 14 000 euros, pleine de saints dessins. Un poulain bay né le 5 avril par Sindar et First Light. Sindar donc et First Light. Propre sœur de Fairlight, la mère, c'est la souche de Twin Light, de Fair Hope. Et on le but à combien ici pour ce fils de Sindar? Alors maintenant, un poulain foal qui arrive sur le ring. Sindar, fils de Sindar. De Chawanda, de Vizindar, de Louvain. 3000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000. La mère First Light est une fille de Big Shuffle. Oui, joli. Vecteur de vitesse.
Et c'est la famille de Fairlight. Lui aussi par Big Shuffle, puisque c'est le propre frère de la mère. De ce poulain, Fairlight qui a gagné Listed et placé de groupe 2, mais c'est bien évidemment la famille de Twin Light, fils de Fairlight, gagnant de groupe 1 outre-manche en obstacle. 3000 euros. À 3000 euros, bid 500 more, sir. Sindar, qui fut un grand champion, qui est aujourd'hui stationné en France et qui produit aussi bien en obstacle qu'en plat et qui est un excellent père de mer. À 3000 euros, last time. À 3000 euros, 500. On the right side now, it's 3500 by Geoffrey. À 3500. À 3500, Geoffroy. Yes, thank you, sir. À 3500 maintenant, Geoffroy, it's your bid now. À 3500, je vais la juger à Geoffroy. Pas d'erreur, Julie, vous la perdez, hein. À 3500, le fils de Sindar. À 3500, à vous, Geoffroy. 4000 euros, c'était pour Dominique, ça. À 4000 euros maintenant, Dominique l'enchère. À 4000, allons-y, Dominique. 500. 5000. C'est comme ça que ça se passe, monsieur. À 5000 euros l'enchère, à 5000 euros l'enchère est là-bas. À 5000 euros, c'est tout là-haut l'enchère. À 5000 euros, c'est bien à vous, monsieur, là-haut, c'est Dominique l'enchère. À 5000 euros, pas de regret, Geoffroy ? 5000, it's up. 5500 now. 6000 ? Yes ? C'est contre vous, monsieur. Voilà, on monte de 500 en 500 sur ce poulain. Merci pour votre aide. À 5500 euros, l'enchère est à Geoffroy. Et ça va s'arrêter. Bien vu, fini, pas de regret. À 5500 euros. Thank you, Geoffroy. Votre enchère, 5500. Thank you, sir. Le numéro 808 est présenté par le Haras des Sablonnais, Fond Froide, jument baie par Trampolino et Fontaine Guérard. Cette jument est pleine de Authorized. En voilà maintenant un des beaux lots du catalogue, le 808 Fond Froide, puisque c'est une gagnante du prix Achille Fould à Auteuil, Listed. Ce parmi quatre victoires, dont le Grand Prix d'Angers. Elle est pleine de Authorized, bonne jument de course, fille de Trampolino, excellent père de mer, belle jument, très belle jument. Bonne jument. À noter que le 2 ans est à l'entraînement. The 2-year-old is in training. Allons-y, 10 000 euros. 10 000 elle a un 2 ans par vision d'état à l'entraînement. À 5 000 euros, pleine d'Authorized, à 5 000, 5 000 à 5 000. 5 000 elle n'a pas eu d'Hurling ni de Fall, et là, elle est pleine de Authorized, dernier service au 10 mars. 5 000 euros, 3 000, 3 000 euros, 3 000, 3 000 euros, 3 000, à 3 000 euros, c'est pas 3 000, 3 000 euros, 3 000, 3 000 euros, 3 000, à 3 000 euros, 5 000, 5 000 euros, 5 000, 5 000 euros, 5 000, 5 000 euros, 5 000. C'est une sœur utérine de Foncia, gagnante du prix Rose de mai en plat, troisième de la Coupe de Maison Lafitte. Et sous la génération suivante, sous la deuxième ère Tutti, apparaît Maretsous, l'excellente Maretsous, qui est une fille d'homme de loi d'ailleurs, comme Fontaine Guérard, la mère de Fonfroide. Et cette Maretsous a produit Red Dubaoui, gagnant du premier Vittorio Di Capua, excellent mailer, gagnant de groupe 1 et qui est stationné depuis cette année au Haras des Sablonnais. 11 000 euros, 12 000, 12 000 euros, 12 000. Un cheval particulièrement solide, très beau cheval, bien équilibré, bien dans sa tête. Vrai cheval de course. À 12 000 euros, c'est Bernard. À 12 000 euros, c'est contre vous. Et qui a pris le box du regretté Smadoun. À 12 000 euros, 12 000, 14 000 euros, 14 000. Au Haras des Sablonnais. À 14 000, à 14 000, Bernard, c'est contre vous. À 14 000 euros, 14 000 euros, 16 000. 16 000 à 16 000, 16 000 à 16 000. À 16 000 euros, Bernard. À 16 000 euros, Bernard l'enchère. À 16 000 euros, à 16 000 euros, mettez 18 à 16 000. À 16 000 euros, à 16 000 euros, elle est gagnante de liste à des plaines d'Authorized. 18 000 euros, à 18 000. À 18 000 euros, mettez 20. À 18 000 euros, mettez 20, 18 000. À 18 000 euros, c'est Dominique l'enchère à 18 000. À 18 000 euros, 18 000, 18 000, 18 000, 18 000, 18 000. À 18 000 euros, mettez 20. À 18 000 euros, 20 000. Pas Dominique. 20 000 euros. À 20 000 euros, Dominique, c'est contre vous. À 20 000 euros. À 20 000 euros, Dominique, c'est contre vous, l'enchéré par Bernard. À 20 000 son père Trampolino est réformé déjà depuis plusieurs années. À 22 000 euros contre vous, Bernard. 22 000. À 22 000 il a fait 000 la euros, monte Bernard, au Haras du Mézeray. 24 000 euros. Il a également fait la monte aux États-Unis. Et d'ailleurs, chaque fois que j'ai l'occasion de me déplacer à Gainesway Farm, à Lexington, l'étalonnier me demande toujours des nouvelles de Trampolino qui l'avait beaucoup marqué. C'était un cheval auquel il s'était beaucoup attaché. À 25 000 euros, à 25 000 euros, 26 000, 26 000, 26 000, 26 000, 26 000, à 26 000 euros, à 26 000 euros, c'est encore, monsieur, à 26 000 euros, à 26 000 euros, on peut mettre 27 si vous voulez. À 26 000 euros, et un Trampolino qu'on rencontre régulièrement dans la colonne des pères de mer aujourd'hui, ou même pères de deuxième mer, chez les bons sauteurs, dans les résultats des courses de groupe européennes.
et 26 000 euros pour fond froide. Le numéro 809 est présenté par le haras du Haguenay, chaussette, jument baie par Aïchaparral et Fortitude, plaine de World Park. Chaussette, la fille d'Aïchaparral, c'est la famille de River Queen. La famille de et Bronze voilà, sur votre écran, Val Park. Elle est déjà Val Park est un gagnant classique par Dubaoui, mère par Akatenango. Fils de Dubaoui, gagnant du derby allemand. Et Val Park qui a donc sailli cette chaussette, fille de Aïchaparral. Elle est pleine. Dernier service au 30 mai. 1500 euros. À 1500 euros, c'est quand même un poulain foal de Norris Kettle qui passera tout à l'heure en lot numéro 946. Chaussette et une sœur de Highland House, gagnant des Gordon Mitchell Stakes Group 3 en Angleterre. Elle ne compte que deux sorties. Elle a produit deux vainqueurs, Polo Dream par Nakous et Carmel Valley par Panis. Mère de deux vainqueurs. Et c'est une grande souche maternelle puisque sa troisième mère Riverside est la mère de River Queen, grande championne, gagnante de la poule de ses dépouilles du Grand Prix de Saint-Cloud à 3 ans, ce qui est très rare pour une pouliche, et qui a largement tracé au haras. Merci de votre aide. À 3000 euros. Et à 3000 euros, chaussettes, va changer de main. Merci. Le numéro 810, présenté par le haras des Truands, célèbre fragrance, c'est une jument baie née en 2003 par peintre célèbre et fragrante Hill. Elle est pleine de masques Marvel. Le 810 maintenant, célèbre fragrance. C'est la mère de quatre vainqueurs, la sœur de d'Alpine Rose par peintre célèbre, sœur d'Alpine Rose par peintre célèbre, la sœur de Fragrante Mix également. Tout bon pédigré pour cette jument, fille de peintre célèbre, mère de quatre vainqueurs et vendue pleine. Donc une jument de 13 ans, pleine de masques Marvel, avec un pédigré qui fait rêver. Son père peintre célèbre fut champion hors pair, est aujourd'hui un des très bons pères de mer en Europe. Et sa mère Fragrante Hill, fille de Shirley Heights, a produit Fragrante Mix, gagnant du Grand Prix de Saint-Cloud et excellent étalon d'obstacle. Alpine Rose qui a gagné le Jean Romain et Groupe 1. Fracassant, gagnant de Groupe 3, Fascinating Mix et Forfala, gagnant de Listed. Grande souche Lagardère. Ses quatre premiers produits sont vainqueurs. Elle les a conçus avec Hurricane Run, Footstep in the Sand, Verglas et Invincible Spirit. La mère de 4 vainqueurs, 4000. 4 000 euros, 5 000, déjà plus vous. À 5 000 euros, longéré par Dominique. Alors, une yearling par Ken d'Argent, une pouliche full par Mass Marvel, dont elle est pleine. À nouveau, dernier service, 21 mars. Mass Marvel, qui est gagnant du Saint-Léger, fils de mon jeu, stationné au haras des Truands. La sœur d'Alpine Rose, pleine de masques de Marvel, à 5 000 et dont les premiers foals se sont très bien vendus sur les places de vente. 7 000 euros, à 7 000 euros, vous êtes 3. À 7 000 euros, à 7 000 euros, c'est contre vous, Dominique. 8 000, oui, à 8 000 euros, à 8 000 euros, c'est bien vu, c'est votre enchère, Dominique, à 8 000, humeur à 8 000, humeur à 8 000, humeur à 8 000. À 8 000 on notera que célèbre fragrance est une petite fille de Nureyev. À 8 000 euros, et que Mass Marvel, dont elle est pleine, lui est un petit-fils de Sadler's Wells. Sadler's Wells et Nureyev sont deux trois quarts frères, et l'association de ces deux chevaux-là, ce qu'on appelle une équivalence génétique, est très très fréquente dans les pédigrés des bons chevaux. Rien que ce croisement Sadler's Wells-Nureyev est à l'origine de plus de 500 chevaux Black Type. 10 000 euros, à 10 000 euros bien sûr, à 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, à 10 000 euros c'est contre vous, je ferai 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, à 10 000 euros, fini monsieur, pas de regret, à 10 000 euros, merci de votre aide, le marteau se lève cette fois. Rien en face, we're selling, quite sure, this time, hold on. Une belle jument expressive. On adjuge. Cette célèbre fragrance qui part à 10 000 euros. Le numéro 811, présenté par Greenfield Consignment. First Light, c'est une jument noire pangarée née en 2008 par Big Shuffle et Free. Elle est pleine de Great Pretender. Nous avons maintenant le 811. First Light. Une jument de 8 ans, First Light, fille de Big Shuffle. Nous vendons donc cette fille de Big Shuffle, sœur de la famille de Twin Light. C'est la toute gagnant du Paddy Power d'Arlo Bed Chase, une famille que l'on a déjà vu passer plusieurs fois aujourd'hui dans le catalogue. Sa mère Free est placée de Listed en Allemagne à deux reprises et a produit 9 vainqueurs sur 13 produits. Pour sa part, elle est pleine de Great Pretender, l'un de nos tout meilleurs pères de sauteurs en France, à Sénéo Radlaïtré.
5000 euros à 5000 euros. 103 ans par Cholokov est placé. Et elle a un 2 ans par Lingari à l'entraînement en Angleterre. Ensuite, un yearling par Mutatir et une foal par Sindar. C'est une propre sœur de Fairlight qui a gagné Listed à Düsseldorf et placé de groupe 2 en Allemagne avant de produire 5 vainqueurs, dont Fairlight. 5000 euros, pleine de Great Pretender, votre enchère Geoffroy, tout en haut, pas d'erreur, dernière fois, à 5000 euros, le marteau se lève, 6000. 5500 si vous voulez, à 5500 euros Tony, à 5500 euros contre vous Geoffroy, à 5500 euros. Le jument s'est placé 5 fois à 2 ans et à 3 ans en Allemagne. À 5500 euros, l'enchère est là. Tony l'enchère, à 5500 euros, à 5500 euros, c'est contre vous tout en haut, à 5500 euros, dernière fois. 5500 euros, Geoffroy, c'est contre vous, c'est Tony Lanchère, 6000, 6000 euros, 6000, 6000 euros plein. C'est une fille de Big Shuffle qui était lui aussi un très bon père de mère, Big Shuffle, il les croise notamment remarquablement bien avec Doyen, fils de Sadler's Wells. Ce croisement-là a produit plusieurs gagnants de groupe, notamment en obstacle. À 6500 euros, c'est Tony. À 6500 euros, dernière fois. Il présente un taux de réussite Tony particulièrement élevé. À 6500 euros. La jument est saillie par Great Pretender, qui est un descendant direct de Sadler's Wells. Donc on retrouve un petit peu ce croisement. Numéro 812, présenté par le Radodoumi. Baldorina, c'est une jument B foncée. À succès. Et nous passons maintenant au lot 812, présenté par le Radodoumi. Baldorina, une jument de 6 ans. Fille de Balingari. Pleine de Diamond Green. C'est la vanille de Gaspara, de Mister Thriller, de Haut-Câlin. Et elle est vendue. Diamond Green, qui vous pouvez Green, voir d'ailleurs sur Francir, sur votre écran. Stationnée au Haras des Granges. Fils de Green Desert. Allons-y. Mère Paracarade qui produit de bons vainqueurs dans les deux spécialités, puisque on lui doit What's That Chances, qui est gagnante de groupe 1 aux États-Unis, les Beverly Distecks sur gazon. Sirigals également et en obstacle Isabée. À 1500 euros, c'est votre enchère Dominique. À 1500 euros. Baldorina qui passe sur le ring est une fille de Balingari. À 1500 euros, la fille de Balingari, mère Cadoudal. 2000 euros à 2000, numéro à 2000, numéro à 2000, numéro à 2000. Sa mère est une sœur utérine de Gaspara, qui est deuxième du Entry Order Group 1 de Mr. Thriller. Le Cap Guard qui lui est gagnant de Listed. À 3000 euros. La famille de Gaspara, la famille une très belle de famille Calin, nous sommes à 3000 de sauteurs pour cette Baldorina. À 4000 euros, tout est par vous. Avec Cadoudal en paire de mer, ce qui ne gâche jamais rien. Bessac un peu plus loin. Le sang de Herbager, toujours très très utile chez les sauteurs. 5000 euros, à 5000 euros, vous êtes toujours 2, Dominique, à 5000, 5000 euros, à 5000, à 5000 euros, mais 6, à 5000 euros, 5000 euros, Dominique, c'est votre enchère, à 5000, 5000 euros, à 5000, 5000 euros, à 5000, à 5000 euros, fini, à 5000 euros, dernière fois, 5000 euros, c'est Dominique l'enchère, pas d'erreur, et le marteau se lève, à 5000 euros, fini, 6000. 6000 euros, à 6000 euros, à 6000 euros, n'attendez pas le dernier moment, vous avez failli la perdre, 6000 euros, à 6000 euros, c'est toujours votre enchère, Dominique, à 6000, 6000 euros, à 6000, 6000 euros, 6000, à 6000 euros, l'enchère est là. 6 000 euros, valeur 6 000, 6 000, 6 000, 6 000, 6 000, à 6 000 euros l'enchère par Dominique, 7 000. 7 000 euros, à 7 000 euros, à 7 000 euros, toujours par vous, contre vous et repart vous, Dominique, à 7 000. À 7 000 euros, à 7 000 euros, à 7 000 euros, mais 8 tout de suite, Dominique, à 7 000 euros, à 7 000 euros, toujours votre enchère, pas d'erreur, à 7 000 euros, le marteau se lève, à 7 000 euros, fini, à 7 000 euros, on a le juge. 7 000, Dominique, votre enchère, merci. 7000 euros. 813 présenté par le Haras de Montaigu, Tamgo Borget, c'est un mâle béné le 14 mai 2016 par Martaline Neges. Alors, nous avons là un foal de Martaline, Tamgo Borget. Trois quarts frères d'un cheval d'exception, Gmix, stationné au Haras de Victo, fils de Carlotta Mix, alors que le lot précédent. C'est la famille de Going Front et de Gossman également. Donc le frère de Gmix par Martin. À 7000 euros. Allons-y. Voilà. 5000 euros. Tamgo Borget. 5000 euros pour débuter bas. 5000 euros. 5000 euros. Gmix, ben, c'est un cheval exceptionnel. C'est un sauteur, bien entendu. Ça, tout le monde s'en souvient. Toutes ces grandes victoires, dont la grande course de Ed Auteuil qu'il a remporté à deux reprises. Le prix Léon Rambaud, le prix Potez, placé dans le Grand Prix d'automne.
à deux reprises également. Le prix Renault du Vivier, il est étalon actuellement. Mais j'ai mis que c'était aussi un 2 ans, capable de débuter très tôt dans son année, en étant opérationnel, c'est-à-dire bon vainqueur à 2 ans, capable de gagner sur toutes les distances, un cheval d'une solidité à toute épreuve, un tempérament magnifique, un étalon dont on reparlera, c'est certain, avec ses premiers produits. 14 000 euros, à 14 000 euros, Dominique, c'est contre vous, à 14 000 euros, c'est encore. Donc là, on a un poulain par Martaline et une sœur utérine de Gemix qui est déjà à 20 000 euros. À 22 000 euros, Dominique, c'est contre vous, à 22 000 euros, l'enchérie est là. La mère Jess est une fille de Hours After qui avait gagné le prix du Jockey Club, qui est par Alleged et l'excellente poulinière Grand Berry, une fille de Mount Marcy, à qui on voit de nombreux bons performeurs, dont Monseigneur notamment. À 25 000 euros, que 10 secondes, à 25 000 euros, tout départ, vous êtes contre vous, Geoffroy, à 25 000 euros, et c'est encore 28 000. Et en bas de papier, on a bien sûr la famille de Gomilor, de Darling Story, de Gat. À 28 000 euros, et monsieur, je ne vous entends plus. À 28 000 euros, l'enchère par Geoffroy, 28 000. Un foal qui c'est Geoffroy l'enchère. Suscite de nombreuses enchères, on est déjà 28 000 euros dessus. 28 000 euros, Palais, le fils de Martaline, frère de Gemix, à 28 000 euros. À 28 000 euros, fini. Petit lapsus en tribune, fils de Gemix, non, pas encore. 29 000. Mettez 30, Geoffroy. À 29 000 euros, 30 000, bien sûr. À 30 000 euros, à 30 000 euros, à 30 000 euros, à 30 000 euros, ne partez pas, monsieur. À 30 000 euros, à 30 000 euros, l'enchère est par Geoffroy. Fini à droite, à 30 000 euros, dernière fois. À 30 000 euros, le marteau se lève. À 30 000 euros, on a le juge. 30 000 euros pour le poulain. Geoffroy, merci. Le numéro 814, présenté par le Radiologie Saint-Germain. Assila, c'est une jument alsane née en 2011 par Green Tune et Grande Illusion. Elle est pleine de French 15. A noter que c'est de la famille de Jigit, qui compte une victoire dans le prix 30e Listem, et de Bon Pasteur qui compte également une victoire en obstacle dans le prix Cambacérès Groupe 1, le tout depuis la parution. Alors là, le lot 814 devrait susciter pas mal d'intérêt. Asila, fille de Green Tune et de Grande Illusion par Kendor. Des noms bien connus de notre élevage, une famille particulièrement vivante, puisque la mère, sous la mère, Grande Illusion, apparaît Jigit, qui, depuis l'apparition d'un catalogue, a remporté le prix tantième, Listed en plat, plus une place, et dont les gains s'élèvent maintenant à près de 105 000 euros. On a également Awa qui a gagné une victoire supplémentaire à Deauville depuis l'apparition du catalogue. Et ça, c'est quand même le gros morceau de Bon Cœur qui est présente sous la deuxième mère du pédigré de cette jument, Asila, qui a remporté le prix Cambacérès avec une facilité dérisoire. De Bon Cœur, c'est vraiment une pouliche surdouée. Il faut savoir que deux jours après la course, elle était fringante, c'est comme si elle n'avait pas couru. Elle n'a perdu que 2 kilos pendant la course, ce qui est quelque chose quand même d'assez incroyable quand on a assisté à la performance magnifique qu'elle nous a délivrée dans le prix Cambacérès groupe 1, un vaincu en obstacle, cette fille de Vision d'État qui fait maintenant la monte au rat de Trébant. À 5500 euros, 6000. De Bon Cœur. 6000 euros, est appelé à un très grand avenir. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Et là, on a donc accès à cette famille très vivante avec Asila. Cette jument de 5 ans qui est pleine de French 15. À 9 000 euros, mettez 10 000. À 9 000 euros. Et qui a déjà un foal, une pouliche, par Joshua Tri. 10 000. La famille de Jigit, la famille de deux Bon Cœur, gagnant du Cambacérès depuis l'apparition du catalogue. Jigit, gagnant listée depuis l'apparition du catalogue. La mère Grande Illusion avait gagné le prix La Camargo à Saint-Cloud. Elle a produit 3 vainqueurs sur 5 foals. À 11 000 euros, toujours par vous et contre vous. À 11 000 euros. Et la jument donc est pleine de French 15. La fille de Green Tune. Fils de Turtle Ball, qui avait bataillé avec Camelot dans les 2000 Guinées à Newmarket. À 11 000 euros. Et qui fait la monte au haras du Logis Saint-Germain. 11
11 000, Tony l'enchère, merci. 11 000 euros seulement pour cette jument. Présentée par le haras de Grand Camp, Fleur du Brisé, c'est une jument bénée en 2010 par Trampolino et Eleda. Elle est pleine de feel like dancing. A noter que cette jument tique à l'appui très occasionnellement. This mare is an occasional creep biter. Donc le lot 815 maintenant, Fleur du Brisé, fille de Trampolino dont on a parlé tout à l'heure, alors que vous voyez passer sur vos écrans le visuel concernant Vif Monsieur qui rentre au haras en 2017 au haras de longs chiffons. À 1500 euros, c'est pas à 1500, à 1500 euros que l'on gère 2500. Excellent performeur, solide et très bien né. Et cette Fleur du Brisé qui passe là, et elle, quant à elle, pleine de feel like dancing. Fils de Galiléo stationné au Haras du Lion. Elle a trois places en obstacle. À 3000 euros contre vous, Tony. Elle n'a que 6 ans, ce sera son premier poulain et c'est une excellente souche de sauteurs. Sous la deuxième mer apparaissent au moins une quinzaine de black type, dont Ian Worth, gagnant du classique Novice Isordle groupe 2, deuxième du Baring Bingham Novice Isordle groupe 1. Mais aussi la Terrano, Lambaron, Jean Pico, Azulejo. Nouvel enchérisseur, à 6 000 à 6 000, 6 000 à 6 000, 6 000 à 6 000, 6 000 à 6 000. Zino qui avait gagné les 2000 Guinées à Newmarket sous l'entraînement de François Boutin autrefois. À 6 000 euros, à 6 000 euros, c'est contre vous Tony, c'est fini. À 6 000 euros, merci Tony. À 6 000 euros, merci de votre aide. À 6 000 euros, dernière fois. À 6 000 euros, le marteau se lève. À 6 000 euros, dernier tour de ring. À 6 000 euros, merci. À 6 000 euros, l'enchère. Présenté par le Rab Grand Camp. La jument est adjugée 6 000 euros. L'enchère, merci. Le numéro 816, présenté par le Haras du Ménil, Galérante, c'est une femelle bénée le 12 avril 2016 par Turgeon et Héritage River. Une pouliche foule maintenant. Turgeon, on varie les plaisirs avec Galérante, fille de Turgeon. Pouliche qui se déplace bien ici. C'est la famille de Shannon Rock qui est de Lady Turgeon Joyce. Qui vient de fêter ses 30 ans, comme je le disais tout à l'heure, qui est Gagnon toujours aussi prolifique. En obstacle. Et surtout prolifique en grand vainqueur en obstacle. Excellent père de mère lui aussi. Donc Galérante, fille de Turgeon. 2000 euros, 1500 cher minimum, 1500 euros. À 1500 euros, c'est pas 1500. À 1500 euros, à 1500 euros, mettez donc cher 1500. À 1500 euros, à 1500 euros que je gère 1500. À 1500 euros, 1500 euros, mettez donc cher 1500. À 1500 euros, à 1500 euros, c'est. La mère de cette pouliche, Héritage River, est placée à 2 ans et 3 ans. Elle a déjà produit un vainqueur avec Turgeon. Donc cette galérant des propres sœurs de vainqueurs. Elle a une 3 ans par Turgeon et une pouliche Murling par Turgeon également. Donc grande fidélité pour cette mère. Et c'est la famille de Raza Mataz, gagnant du prix Roger Mainviel, 3e du Sagan du Wild Monarch. Et sous la 4e mère, on trouve Lady View, gagnante du prix du d'Anjou, Lady Choice, le prix Fleuret, Shannon Rock, prix la Jousselin groupe 1, une très grande souche de sauteurs. À 6 000 euros, à 6 000 euros, toujours par vous et contre vous, je vous laisse faire Camille à 6 000. 6 000 euros, bah, 6 000, 6 000, 6 000, 6 000, 6 000, à 6 000 euros, on a une pouliche qui a à la fois le pédigré pour faire ce qu'il faut sur la piste et ensuite au haras. Elle est inbred sur carreau puisque Turgeon est un fils de carreau et sa mère Héritage River est par Caldoun Eve qui est par Caldoun lui-même fils de carreau. Ce croisement-là a déjà été éprouvé au plus haut niveau en obstacle. 817, présenté par le haras d'Angerville. À Manville, c'est une femelle B foncée née le 29 mars 2016 par Rash Shaman et Highville. Puisque ma filleule qui avait gagné groupe 1 à Auteuil est inbred elle aussi en 2 par 4 sur carreau et fille de Turgeon. Nous passons maintenant au 817 à Manville. La pouliche folle de Rash Shaman. Rash Shaman qui a réalisé une excellente première saison. Avec ses deux ans, puisqu'il est tête de liste des premières productions en France. 3 000 euros, 2 000 euros pour débuter, bah 2 000. Avec déjà plusieurs black types. Et d'ailleurs, c'est assez amusant, mais ses deux meilleurs produits aujourd'hui sont issus de petites filles de Sourumou, donc un Rash Shaman qui semble appeler notamment à bien croiser avec les 100 allemands. Mais là, ce n'est pas le cas, puisque à Manville, cette pouliche est par Highville, qui elle est par Ayostonor, une fille de Caldoun.
numéro 500, Raj Zaman. C'est la famille de Catanzeville, de Azura du Calon, qui a gagné le prix bronzième, groupe 3 à Auteuil. 3000 euros, numéro 600, c'est Stan. 3000 euros, j'ai à 3000. À 3000, 3000, 3000, 3000. C'est le troisième produit d'une quintuple gagnante qui a raté de peu le Black Tie, puisqu'elle est quatrième du prix Miss Satamixa à Deauville sur la PSF. Son premier produit est une fille de Le Havre qui s'est placée trois fois cette année, à 3 ans. Et elle a un poulain de 2 ans par American Post à l'entraînement. À 6 000 euros, l'enchaîné par Stan, à 6 000, 6 000, 6 000, 6 000, 6 000, 6 000, 6 000, à 6 000, fini, à 6 000, merci, à 6 000, dernière fois. Rappelons que Rajaman fait la monte au ras de la Couvinière à côté de Le Havre et de Herschif Marshall. 500, 7 000 par Camille à droite. 7 000 euros, c'est Camille. À 7 000 euros, à 7 000 euros, l'enchère tout en haut. À 7 000 euros, à 7 000 euros, 8 000, humeur à 8 000, humeur à 8 000, humeur à 8 000, humeur à 8 000. À 8 000 euros, que dit-on, monsieur ? 8 000 euros, c'est contre vous, mettez 9. À 8 000 euros, mettez 9, monsieur. À 8 000 euros, c'est contre vous. À 8 000 euros, vous la perdez la fille de Raj Zaman. À 8 000 euros, c'est Stan. À 8 000 euros, dernière fois. Pas de regret, Guillaume. À 8 000 euros, il est parti. À 8 000 euros, 500 en face, il est revenu. À 8500 euros, à 8500 euros, à 8500 euros, et c'est par vous et contre vous, c'était à 8500 que 10 secondes. À 8500, mais 9, à 8500, mais 9, à 8500 euros, fini, à 8500 euros, merci. À 8500 euros, le marteau se lève, à 8500 euros. On adjuge, à Radéphone, 8500 euros, votre enchère. Stan, merci. Le numéro 8500 euros présenté par le Hara des Capucines. Pour le Hara des Faunes. C'est une jument bénin en 2006 par Vindication et bonjour. Un accent chinois parce que nous partons sur le petit bout de rocher blanc. C'est avec de la vie des espèces. C'est surtout la mer d'Indiétir, la mer d'Indiétir. Alors, on va vouloir à l'antenne. Deuxième du prix qu'on va serrer avec Arnaud Poirier. La mer d'Indiétir, donc. Qui nous passe avantageusement, les amis. Nous sommes de l'aéroport de Roissy pour aller à Hong Kong. Alors, qu'est-ce qu'on va faire à Hong Kong, chers amis ? Alors, déjà, on va aller à Poulet demain soir. C'est grandiose, l'équivalent. On joue beaucoup, c'est en plus des expatriés là-bas. C'est une vraie fête. C'est le mercredi soir, heure hongkongaise, évidemment. Ce sera à quelle heure ? De 7 heures de décalage. 7 heures de décalage. Si, je ne sais plus. Parce qu'on a vachement bien préparé notre voyage. On va en parler dans l'avion. On va voir les chevaux. C'est aussi absolument. Alors, oui, donc voilà, jeudi soir, on prend une fuite à la Bamba. Hein, c'est voilà. Enfin, tu vois bien, quoi. Oui, hein, oui, oui. On fera des photos Facebook avec Anise. Vous saurez tout grâce, justement, au suivi de Facebook qui sera assuré par Anise. C'est Loïc qui fera les photographies. Notre cadreur, Loïc, Yannick Club, fait partie sans dormir dans les toilettes, comme il en a l'habitude. Mais il va sans doute se réveiller juste avant le départ, parce que nous partons. Vous partez, chers amis. C'est vous qui venez avec nous à Hong Kong. Et la petite surprise, c'est qu'après, nous dirons en Corée du Sud, tandis que eux, ils iront en Angleterre. Moi, je rentre à la maison. Ouais. On va aller à Ayrton Farm aussi la semaine prochaine. Et c'est vous qui partez avec nous. Alors, je pense que on va essayer de faire au mieux pour vous faire vivre cette aventure avec les deux petits jeunes là, qui prennent leur congé hivernaux. Hein, oui, 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 sympathique. 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 Les massages de Hong Kong, nous allons vous les faire vivre en direct. Suivez-nous sur Facebook, sur Twitter, sur Francir. En attendant, profitez bien de cette dernière journée de vente. Hein, oui. Hein, ils vont bien en profiter. Oui, oui, oui. Ah, voilà, avec Thierry Grandcir et Jérôme Charpentier, qui sont bien plus frais en tout cas, après 3 jours de vente. C'est ça. À bientôt. À bientôt. Merci. Ciao. Eh bien, merci Arnaud. Et plus frais, bah, je l'espère. En tout cas, il fait plus frais ici qu'à Hong Kong, là, tu vas arriver. Voilà. Depuis est passé le lot 818 qui a été adjugé pour 16 000 euros. C'était India Train, une fille de Vindication qui avait déjà produit un Black Type. Et non des moindres, India Tire, deuxième du prix Cambacérès. Pleine de mutatir, donc pour faire un propre frère de India Tire et qui n'est parti qu'à 16 000 euros. Nous avons maintenant le lot 819, Loyauté,
fille de Green Tune, qui a 9 ans, qui a remporté 5 victoires, 2 en plat 3 en obstacle, qui est placée de listed à Cheltenham. Ça y est pour la première fois cette année par Diamond Boy. 18 000 euros, 20 000, une petite fille de l'excellente Good to Dance. Placée du Royal Lieu. Arrière petite fille de Good to Beat qui avait gagné le prix Pénélope. Une jument qui a du modèle, qui est un peu trempé là sur le ring. À 20 000 euros, on est d'accord. À 20 000 euros, l'enchère au téléphone. À 20 000 euros, Geoffroy, c'est contre vous. Pas d'erreur. À 20 000 euros, nous allons adjuger. À 20 000 euros, le marteau se lève. À 20 000 euros, fini. À 20 000 euros. Présenté pour l'aura de la Croissonnée, elle est adjugée à 20 000 euros. Dominique Lanchère, merci. Le numéro 820, présenté par la radio Hockney, c'est un balbéné le 5 mai 2016 par Penis Picnic et Isarnix. Voilà maintenant. Un foal, né le 5 mai, un poulain par Penis Picnic. La mère est Black Tie pour ce piste de Penis Picnic. Un beau poulain très taillé pour la vitesse et la précocité, puissant comme c'est les frères Penis Picnic. Ah, comme il débute pour ce piste de Penis Picnic. 2 000 euros. C'est un frère de Initial qui compte une place de plus depuis l'apparition des catalogues et près de 220 000 euros de gains. 7 victoires pour Initial. 4 000 euros. Et c'est la famille de Iota gagnant de Price d'Ardiana, un groupe 1 en Allemagne. Un beau poulain présenté par l'aura du Hockney. Samir Isarnik, c'est une fille de Banyumanik, un bon miler allemand, fils de Perugino. Alors Perugino, lui, c'est tout simplement un fils de Danzig et de Ferry Bridge, la mère de Sadler's Wells et de Ferry King. Et comme Penis Picnic véhicule dans son pédigré le nom de Nourieff, on se retrouve avec une belle équivalence génétique. Perugino, il faut se rappeler aussi que c'est le père de Testarossa. On verra tout à l'heure passer une de ses descendantes dans le catalogue. Donc là, on se retrouve avec une belle équivalence génétique, d'autant que Penis Picnic a également Danzig en arrière-grand-père. Et Perugino est lui-même un fils de Danzig. 9 000 euros, c'est votre enchère, 9 000. 10 000 au fond du passage. Penis Picnic qui fait la monte au Haras du Hockney, un des rares étalons français. Inbred sur Mister Prospector. Lui, il est en 3x3. L'autre, c'est Elusive City notamment. Ce qui laisse entrevoir pour ce Penis Picnic de bons débuts avec ses premiers 2 ans. Dès l'année prochaine, 10 000 euros pour le plein. Alors, à des embruns, Think About, c'est une jument bénée en 2007 par Smadoun et Isor de Bussy. Elle est pleine de Cinder. Laura des Embruns maintenant présente Think About, une jument à QPS, fille de l'excellent Smadoun, qui nous a malheureusement quitté l'an passé. Elle est pleine de Cinder. Allons-y, 1 500 euros, enchère minimum, à 1 500 euros. Alors, une pouliche de 2 ans par Linda Zlad, une yearling par Norris Kettle. 1 500 euros, enchère minimum, 1 500 euros, à 1 500 euros, des enchères. Sa mère est une sœur de Moss Burn, 3e du prix Fleuret, groupe 3, famille de Usual Time. 3e du Duc d'Anjou, 2e du prix Antoine de Palamini à Pau. Oui, c'est prêt, à 1 500. Famille de sauteurs. À QPS. D'origine anglo à la base. 3 000 euros. Du moins qu'elle a quand même gagné 5 courses et pris 7 places de 3 à 5 ans. Elle a gagné le prix Chloris à Saint-Cloud, ce qui aurait dû lui valoir dans le catalogue la petite mention AQ groupe 2, c'est-à-dire depuis cette année, vous savez que les AQPS en plat ont droit à leur course de groupe, groupe 1, groupe 2, groupe 3. Et Think About est donc une gagnante de groupe. 7 500 euros, vous êtes 3. 7 500 euros, que dit-on ? À 7 500 euros, fini ? À 7 500 euros, c'était également une bonne sauteuse, parce qu'elle a pris 8 places en obstacle.
Plaine de Sindar. À Enghien et à Auteuil, notamment. À 7500 euros, c'est Alban. Elle est à 7500 euros pour l'instant, elle est pleine de Sindar. Monsieur, 7500 euros. Et elle est partie à 7500 euros. Merci. Le numéro 822, présenté par l'écurie du Champ-Linger, Jaslinga, c'est une jument bénée en 2009 par Balingari et Jasla. Elle est pleine de Zambesison. Une fille de Balingari est gagnante en obstacle à Fontainebleau, à Clairefontaine. Alors le lot 822 maintenant, Jaslinga, fille de Balingari, mère pareille à Stonor. Le père de Bulkov en obstacle notamment. Double gagnante en obstacle. Je vais vous 3 000, 3 000. Jeune jument de 7 ans. Son premier produit est Yearling par Redback. Elle a une pouliche. Fall par Blue Brazil. Et elle est pleine de donc de Zambesison qui maintenant fait la montée en Irlande. Après avoir été stationné au Haras de la Hetraie. À 2000 euros, à 2000 euros, à 2000 euros, Balingari, à 2000 euros. Une très belle famille. Sous la troisième mère, on trouve Forest Flower, qui était une des meilleures deux ans européennes, qui a gagné les 1000 guinées d'Irlande. Et puis Night of Thunder, dont on a beaucoup parlé depuis le début des ventes. Fils de Dubawi, gagnant des 2000 guinées des Lockinge Stakes. Jeune étalon stationné en Irlande. C'est la famille de High Yield qu'on connaît bien en France, qui était stationné au Harald Einhof. De Catch a Glimpse qui a gagné le Breeders' Cup Juvenile Phyllis Turf. Beaucoup de références de groupe 1 sous la troisième ère. Pour cette jument par Balingari. À 3000 euros, c'est encore à 3000, donnez 500, 3000, voulez-vous 500, non. À 3000 euros, qu'est-ce qu'on fait à 3000 euros? Oui, 500, à 3500, 3500, voulez-vous 4, à 3500, à droite l'enchère, à 3500, à 3500, donnez-moi 4000, à 3500, 3500, Alban vous attend à 3500, à 3500, pleine de Zambesison, à 3500, bien vu, à 3500, fini, dernière fois, dernière chance, Alban, 4000. Voulez-vous 500? À 4000, 4000, 4000, donnez-moi 500. À 4000, c'est à gauche. À 4000, c'est Alban. À 4000, et pas vous, Grégoire. À 4000. À 4000 euros, qu'est-ce qu'on fait à 4000? À 4000 euros, il faut aller plus vite à 4000. À 4000 euros, pendant 4000 euros, vous la regrettez déjà. Une gagnante en obstacle. À 4000 euros, pleine de Zambesison. À 4000 euros, voulez-vous 500? À 4000 euros, plus vite. À 4000 euros, nous vendons à gauche, pas d'erreur. À 4000 euros, bien vu, dernière fois, dernière chance. 500. Voulez-vous 5000? À 4500, 4500, 4500, à droite l'enchère, à 4500, voulez-vous 5000, à 4500, donnez-moi 5000, à l'autre plus vite, à 4500, 4500, 4500, c'est bien avec 4500, à 4500, prenez le rapport de gars, à 4500, à 4500 euros, fini, dernière fois, fini, dernière chance, 4500 euros, Grégoire en face, fini Alban à gauche, à 4500 euros, voilà, j'ai eu, 4500, Grégoire, l'enchère en face, merci. Le numéro 823 est absent, nous passons au numéro 824, présenté par Laura Dunkey. Dame Royale, c'est une jument alsacienne née en 2013 par Balco et jouable. Elle est pleine de network. La sœur de six vainqueurs ici, dont Playing, tout mon cheval auteur et gagnant du Duc d'Anjou à 4 ans notamment. Et vous voyez Balco sur vos écrans, excellent père de sauteur, lui aussi, liste pleine en 2017, stationné au Haras du Lion. On peut faire un petit point également sur le début des ventes, avec un pourcentage de vendus quand même très important, il y a assez peu de rachetés depuis le début de la session. J'ai 10 000 en face Grégoire, 10 000 puisqu'ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. À 14 000 euros, 16 000 à gauche, enchaîne à 16 000. À 16 000 euros, 18, 18, enfin 18, Grégoire à 18 000. À 18 000 euros, 18, 18, 18, pleine de network. Nous recale, oui, c'est ça, à partir d'Arcange d'Or. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 rachetés simplement, tous les autres lots donc ont changé de main. À 16 000 euros. Et nous sommes maintenant. C'est là, Alban l'enchère, on est d'accord, à 16 000 euros. Sur le lot 800. Oui, 15 000, alors. À 14 000, j'ai 24, le 823 est un absent. Dame Royale, une jument AQPS de 3 ans. Une poulie, je devrais dire, qui a été saillie pour la première fois cette année par Network, elle n'a pas couru. À 14 000, elle a pour elle d'être une fille de Balco, dont on venait de parler. Excellent fils de pistolet bleu. Et aussi d'être une sœur utérine de Playing, qui n'est autre que le vainqueur du prix Duc d'Anjou, et de Showgame, qui elle est placée du Wild Risk et du prix Violon 2 à Auteuil. La famille est celle de Blanville, fils de Aerock, gagnant du prix Violon 2 également, et de Ludre, qui a remporté le prix Violon 2, une tradition familiale, et qui se place deuxième du prix du président de la République.
bon pédigré d'obstacle ici, la sœur de playing, elle est pleine de network. La mère jouable 18. Est une fille du garde royal. On retrouve derrière 17, 17, en deuxième mère Nordica 3, fille de Orvilliers. Donc du grand classicisme en matière d'obstacles. D'accord, à 18 000 et nous vendons maintenant pas l'erreur la sœur de play-in pleine de network à 18 000 euros. Bien vu, dernière fois, Stanislas enchère en face, fini à gauche, 20 000, 20 000 euros, nous sommes à 20 000, 22, à 20 000, 20 000, 20 000, donnez-moi 22, à 20 000, 20 000, 20 000, qui vont chercher de 20 000 euros, à 20 000 euros, elle est pleine de network, la sœur de play-in, 20 000 euros, 20 000 euros, si bien vu, à 20 000, à 20 000 euros, pas l'erreur, là-haut, à 20 000, à 20 000 euros, Stanislas, on essaye encore, on va juger en bas, à 20 000 euros, fini, à 20 000 euros, dernière fois, dernière chance, à 20 000 euros, le marteau se lève, à 20 000 euros, pas de regret, à 20 000 euros. 20 000 euros, Grégoire. 20 000 euros. Tour d'un Montréal. Le numéro est présenté par le Hora des Sablonnés. Kiss Me, c'est une jument grise née en 2012. Et voilà une invitation du Hora des Sablonnés. Kiss Me, alors je ne sais pas trop comment il faut prendre ça. Cette jument-là a 4 ans. C'est une fille de Barra Strait qui est stationnée au Hora des Sablonnés. Barra Strait, c'est un fils de Baratea qui est le frère utérin de Nakus. La mère de Kiss Me, que l'on attend sur le ring, la voilà, cette belle jument. La famille gris pommelé. Elle est donc par Kaldouna, une fille de Kaldoun. Elle est pleine de jeunes talons, un cheval dur, combien faut-on la cette Kaldouna est tout simplement la propre sœur de Smadoun. L'excellent Smadoun que l'on ne peut oublier, mais aussi propre sœur de Kalmos, de Madoun, de Mosdoun. Oui, j'ai 1500, Stanislas à 1500. 1500 qui coûte cher de 1500 euros. 1500 euros, 1500 qui coûte cher de 1500 euros. Elle est placée à 3 ans en obstacle, cette jument, et elle a été saillie pour la première fois par Red Dubaoui, dont elle est pleine. Dernier service, le 3 juin. À 2500, à 2500, 2500, nous sommes à 2500, donnez-moi 3000. À 2500, essayez 3000. 2500, voulez-vous 3000. À 2500, 2500, c'est bien, 2500, fini Grégoire. À 2500, 3000. 3000 euros, nous sommes à 3000. À 3000 euros, vous installez ça, c'est à 3000 euros à droite, l'enchère à 3000. À 3000 euros, la mer, 4000. 4000 euros, nous sommes à 4000. 3500, 3500, si vous voulez, à 3500. À 3500, 3500, en face, enchère à 3500. 3500, pas vous, Grégoire. La mère Kaldouna est gagnante. Elle a pris 8 places de 2 à 4 ans. Très bien née, mais pour l'instant, 7 produits. Et quel pas encore de vainqueur. Ah, 4 000 euros, elle a un 2 ans par Barra Strait. Propre frère de Kiss Me qui passe actuellement sur le ring. À 4 000 euros, pas d'erreur. À 4 000 euros, Grégoire l'enchère. À 4 000 euros, on la juge. Et voilà, 4 000 euros pour le numéro 26, présenté par Loara de Cordel. Gardienne à Borgat, c'est une femelle bénée le 8 mai 2016 par Diamond Boy et Kashima. Alors voilà maintenant encore un lot très très intéressant, le 826 Gardenien Borget, qui est une pouliche foal à QPS par Diamond Boy, fils de Mansonien. Toute bonne famille ici, nombreux bons vainqueurs en obstacle, notamment et Kashima, qui n'est autre qu'une sœur utérine de Sprinter Sacré, grand champion. Pour les courses et bien sûr l'élevage ensuite, combien faut-on au début? Gagnant. Double gagnant du Queen Mother Champion Chase, ont eu une édition cette année, le Punchestown Champion Chase, le Melling Chase, etc. Je vous fais grâce de toutes les grandes victoires de groupe 1 de ce sprinter sacré. 3000 euros, j'ai 3000 à droite, à 3000 euros Valentin, à 3000 euros Valentin, l'enchère à 3000, 3000 qui une pouliche. 500, 3500, 3500, 3500, faut les buvider à 3500, 3500, 3500, qui vont acheter 3500, à 3500, 3500, à 3500, 3500, 4, 4000, à 4000. Belle pouliche qui ne manque pas d'énergie. De 4000 euros, à 4000 euros, à 4000 euros, la mère sort 5000, 5000 euros en haut, l'enchère à 5000, à 5000, à 5000, nous sommes à 5000, à 5000 euros, tout se passe par vous, Valentin, à 5000, à 5000 euros, à 5000 euros, nous sommes. La mère est une fille de Cadalco, excellent père de mère en obstacle, très fréquent dans les résultats de groupes de listed en France comme Outre-Manche. 7000 à 7000 à 7000, il faut les plus vite à 7000 euros, à 7000 euros, à 7000 euros qui vont chercher de 7000, à 7000 euros seulement, à 7000 euros, 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 qui prend le relais, qui m'appelle, qui vont chercher de 7000 maintenant, à 7000, à 7000, bien vu à 7000, à 7000 euros, à 7000 euros, Valentin, je vous attends à 7000, à 7000, si bien vu à 7000, à 7000 euros seulement pour cette pouliche, la mère, sœur de Sprinter Sacré, à 7000 euros, si bien vu à 7000, à 7000 euros. Qui m'appelle à 7000 euros, 8000, 7500 si vous voulez, à 7500, l'opposition fait 1000, 8000, j'ai 8000, faut aller plus vite Grégoire, 8000. 8000 euros pour la pouliche pour l'instant. Ici à 8000 euros, à 8000 euros pour les courses, c'est 500, 8500, avec un croisement. 8500, voulez-vous 9, 8500. Mansonien sur Cadoudal. Non,
9000, j'ai 9000, la voix 9000, Valentin l'enchère à 9000 et Pavois arrondissé à 10000. Qui compte de très nombreuses belles références. Deux des étalons les plus influents dans les pédigrés et sauteurs aujourd'hui. 500, donnez-moi 10 000. 9500, donnez-moi 10 000. À 9500 en face, donnez-moi 10 000. Voulez-vous à 9500, essayez encore. À 9500, 9500 encore en effort. 9000, 10 000, j'ai 10 000. Allez, on arrive à 10 000. 10 000 euros, cher à droite, à 10 000. Valentin, 10 000. À 10 000, nous vendons cette fois de valeur à 10 000. À 10 000 euros, c'est bien 10 000. À 10 000 euros, pas d'erreur, pas de gré nulle part à 10 000 euros. À 10 000 euros, de dames, sister, tout sprinter sacré. À 10 000 euros, c'est bien 10 000. À 10 000 euros, pas d'erreur, pas de gré. À 10 000 euros, qui m'appelle ? Sprinter sacré qui a d'ailleurs une propre sœur. Âgé de 3 ans, Divine Sacrée, qui est à l'entraînement. À 11 000 euros, fille de network. À 11 000 euros, bien vu, 11 000. À 11 000 euros, 12 000. J'ai 12 000 maintenant. À 12 000 euros, nous vendons maintenant, pas d'erreur, à 12 000. À 12 000 euros, il finit en face. À 12 000 euros, si bien vu, à 12 000. À 12 000 euros, à droite, l'enchère. À 12 000 euros, fini cette fois. À 12 000 euros, point de jeu. 12 000 euros. 12 000 euros. Petit, merci. Pour la bouliche. Numéro 827, présenté par le rat de Grand Camp, Capalu AB, c'est une jument née en 2008 par Samome Castalia. Elle est pleine de Silver Frost. Une gagnante ici. Donc Capalu AB qui est le lot 827 présenté par le rat de Grand Camp qui arrive maintenant. Fille de Samome, propre sœur de Caribic Storm, deuxième du prix du président de la République à Auteuil. Troisième du prix Violon 2. Une famille avec du black type à tous les niveaux. En plat au départ, avec une souche Agacan, celle de Carida qui a gagné le prix Lydia Tesio, groupe 1. La mère elle-même est gagnante de Listed en Allemagne et placée de Listed en Italie en plat. Et elle a pris 3 vainqueurs sur 4 produits. Capalu AB qui est sur le ring est une fille de Samome, elle est pleine de Silver Frost. Son premier produit est Yearling, c'est une pouliche de Dabir Sim, et ensuite elle a été présentée à Martaline, dont elle a eu une pouliche au printemps dernier. 4500, du manque qui ne manque pas d'influx. Elle est d'ailleurs un peu mouillée sur les épaules. À 5500, à 5500, on y va petit pas, 5500, 6000, 6000 Stanislas, à 6000 euros, à 6000 euros Stanislas enchère à 6000, à 6000 euros, 6000, 6000, à 6000 euros et pas à droite, 7000, 6500, si vous voulez, à 6500, à 6500, 6500 à droite, l'enchaînez pas vous Stanislas, à 6500, 7000, nous sommes à 7000, à 7000 euros, à 7000 euros, la fille de Samome ici à 7000, à 7000 euros Stanislas en face, pas à droite, à 7000 euros, à 7000 euros, renonce, 500, 7500 Laura, à 7500 Laura, l'enchaînez à 7500, qui grand chien de 7500, à 7500, 8000, voulez-vous 500 à 8000, À 8 000 euros, qu'est-ce qu'on fait à 8 000 ? À 8 000 euros en face, à 8 000 euros, à 8 000 euros, non ! À 8 000 euros, renonce, merci pour votre aide, à 8 000 euros, c'est Stanislas, 9 000, à 9 000 euros, à 9 000 euros, Alban l'enchère à 9 000, à 9 000 euros, et pas vous, Stanislas, à 9 000 euros, l'enchère à gauche, à 9 000 euros, à 9 000 euros, Stanislas, 10 000, 10 000 euros, nous sommes à 10 000, à 10 000 euros, à 10 000 euros, à 10 000 euros, à 10 000 euros, Stanislas, l'enchère à 10 000, à 10 000 euros, bien vu, à 10 000, à 10 000 euros, pas d'erreur. Cette jument a gagné 3 courses, s'est placée 7 fois en Allemagne, de 3 à 5 ans. À 11 000 euros, bien vu, à 11 000, à 11 000 euros. Donc propre sœur d'un black type en obstacle. Et on est à 12 000 euros pour l'instant. À 12 000 qui ont cher de 12 000 euros, fini Alban. À 12 000 euros maintenant, 13 000, 13 fois les plus vite. À 13 000 euros, 14, vous voulez ou 16, à 14 on essaye 16, à 14 vous voulez ou 16 000, à 14 000, à 14 000 euros Alban, qu'est-ce qu'on fait à 14 000, à 14 000 euros bien vu, à 14 000 euros, terminé, dernière fois, dernière chance, à 14 000 euros le marteau se lève, à 14 000 euros bien vu, Stanislas en face, l'enchère, à 14 000 euros. Allez, 14 000 euros pour Capalu AB. Le numéro 828, présenté par le rat de la vallée, Guayenne, c'est une jument bénée en 2011 par Astarabad et Kilouti. Elle est pleine de Diamond Boy. A noter que cette jument est vendue sans TVA à hauteur de 30%. 30% of this mare is sold without VAT. Donc Guayenne maintenant, le 828, fille de Astarabad. De nos meilleurs étalons d'obstacles, fils de Alleged, grand champion lui aussi. Gagnant du combat Cérès également. Et qui l'utilise ? Jument placé par Solid Illusion. Guayenne est placé à Auteuil, pleine pour la première fois de Diamond Boy. Et elle a surtout pour elle comme grand-mère Tikiti Dancer, gagnant du prix combat Cérès entre autres, et mère de Katiki, gagnante. Gagnant du Grand Prix d'automne et du Cambacérès, de Edgardo Sol par Capgarde qui est gagnant de groupe 3 placé de groupe 1, Champ de Lune,
Et sous la troisième mer, on a Tac de Boitron, ce splendide gris qui a réalisé l'exploit de remporter deux fois le prix Royal Oak. Nous sommes maintenant à 3000. À 3000 euros, c'est mieux à 3000. À 3000 euros qui grandissent de 3000 euros maintenant à 3000. À 3000 euros, à 3000 euros, 4000. 4, nous sommes à 4000 euros. À 4000 euros qui grandissent de 4000 euros maintenant à 4000. À 4000, c'est mieux à 4000 euros. À 4000 euros, tout se passe à gauche, Julie, c'est à 4000 euros. À 4000 euros, à 4000 euros, 500. 4500, 4500, vous voulez ou 5000, 5000, j'ai 5000. À 5000 euros, 5000 euros, 5000 euros, 5000 euros qui grandissent de 5000 euros. Et pas vous, Grégoire, en face à 5000, ça vaut mieux que ça. À 5000 euros, la petite fille de Tiki Danseur. À 5000 euros, à 5000 euros, c'est bien vu la souche de Katiki. Petite fille de Aledge, donc Aledge qui était. Un fils de Hoy the Flag, qui fut un grand champion puisqu'il remporta comme trêve deux fois le prix de l'Arc de Triomphe, monté par Lester Pigott à l'époque. Aledge était un... est né aux États-Unis et il a été envoyé en Europe parce qu'il avait les pieds un peu plats et qu'on craignait que ses pieds ne tiennent pas l'entraînement américain, donc il a été envoyé en Europe. Sous les couleurs Sangster, il a servi de relais à son compagnon d'écurie Dominstrel. Dominstrel avait, sur cette saison classique, remporté le derby et le derby d'Irlande, les King George. Et ensuite a été mis au repos et Aledge a pris le relais en s'adjugeant le prix de l'Arc de Triomphe après une courte défaite derrière Dunfermline dans le Saint-Léger. Et Aledge a ensuite remporté, c'est suffit d'ailleurs sa seule défaite, parce qu'ensuite l'année suivante il a remporté à nouveau le prix de l'Arc de Triomphe. Et c'est un cheval que l'on retrouve dans des pédigrés dans les deux spécialités, mais qui s'avère surtout un vecteur de tenue dominante, de caractère aussi, donc il faut parfois faire attention au niveau des inbreedings sur Aledged. Mais cet inbreeding-là fonctionne en obstacle, on a plusieurs références classiques le concernant, alors qu'en plat, sa présence en inbreeding est quasiment nulle. Nous sommes maintenant sur le lot 829. Beauty of Night, une fille de King's Best et de Cléo par Sadler's Wells. Cette jument est inédite et a été essayée pour la première fois par Kamsin. Étalon qui vient de rentrer au Haras des Truands pour la saison 2017, fils de Samoum. Beauty of Night a pour mère une propre sœur de Linda's Lad que l'on a vu passer tout à l'heure sur le ring. Étalon, la famille de Renling, de Cross Harbour. Un King's Best, son père, qui est de plus en plus présent dans le registre des pères de mère. Il a pour lui d'être un fils de King Mambo. King Mambo, c'est un des tout meilleurs pères de mère au monde. Et ses fils, puisque c'est assez héréditaire, cette histoire-là, ses fils sont eux aussi de très bons pères de mère et King's Best fait partie déjà des meilleurs pères de mère européens. Il faut dire qu'il a pour lui une souche maternelle assez exceptionnelle. Sa mère est Allegretta et King's Best, gagnant lui des 2000 Guinées, est un trois quarts frère de Urban Sea, gagnant de l'Arc et mère de Galileo, See the Stars, My Typhoon, etc. L'enchère Grégoire derrière à 6500. Donc une excellente génétique pour cette jument qui a Sadler's Wells en paire de mère, à l'edge de derrière, et qui vient de partir à 6500 euros, pleine de capsine. C'est maintenant le rang de Montaigu qui présente une pouliche foule de Norris Kettle, le 830. Déjà paire de vainqueurs. La mère inédite, c'est son premier produit, le produit de la mère. Ici, le premier produit de la sœur de 5 vainqueurs, dont 3 Black Tie. Souche de Kozana et Aïcha Paral, bonne famille ici. La fille de Norris Kettle, combien faut on souche à Gacan avec Kozana en quatrième mère. 1500, il faut débuter. Kozana qui était aussi efficace sur 1600 que 2400 mètres et qui est devenue la grand-mère de Aïcha Paral. Aïcha Paral qu'on trouve régulièrement dans la colonne des vainqueurs et encore le week-end dernier en Angleterre et en Irlande. En obstacle. À 1500 euros l'enchère en face, Grégoire, à 1500. À 1500 euros, à 1500, c'est bien. Qui est donc comme les très bons fils de Sadler's Wells, assez polyvalent dans sa production, même si elle a surtout été exploitée pour le plat jusqu'à maintenant. À 1500 euros, bien vu. Donc Norris Kettle, fille de MyRisk. Norris Kettle est stationné au Haras de Montaigu et MyRisk, lui, était au Haras de Treban. Et la mère est une fille de Desert Style, qui est venue faire la monte quelques années au Haras du Hogney chez nous. Voilà, Grégoire, 1005, merci.
1500 euros pour cette pouliche folle. Nous passons au numéro 832, présenté par le Radomel. C'est 831 absent. Le 832 maintenant. On a un poulain. Jument bien croisé. Un poulain folle. Polyglotte. Elle est pleine de Saint-Dessin. C'est la sœur de trois vainqueurs. Quand un placé, une course principale à Auteuil, la soule de Riga, Série Martin, tout bon choix à Auteuil, combien offre-t-on? La fille de la Virco, pleine de Saint-Dessin. Non. Pardon. Non, ils sont en train de se tromper sur le ring. Ils nous annoncent le pédigré du 831 qui est absent, Ray-Link. Et c'est le 832. Ray-Link. Qui était censé passer. Cette année. Ah non. La meilleure édition de 4 vainqueurs, dont une gagnante de course principale, la souche de Navarro Princess, Dancing Brave. Bonne souche de jeune montée ici. Combien faut-on pour débuter le fil de Railing ici? La souche de Dancing Brave, voulez-vous 5000, 3, 3, voilà, 5, donc là on a bien le foal de Railing, lot numéro 832. Un poulain foal de grande taille. À 1500, Grégoire Lanchère, à 1500. À 1500. Très bien développé, qui se déplace bien. La souche est celle de Dancing Brave, un des plus grands champions des courses que l'on ait connu, gagnant du prix de l'Arc de Triomphe devant Bering. Après, s'est adjugé les 2000 Guinées, les Eclipse Stakes, et s'est incliné de peu dans le derby suite à une monte assez peu inspirée de son jockey. C'est un cheval de très grande classe et qu'on retrouve régulièrement dans la rubrique des pères de mer aujourd'hui. Il avait été exporté au Japon assez tôt. Donc, fils de Ray Link, la Gioconda la mère est non placée. Elle a produit pour l'instant deux placés avec Loman et avec Satri. Trois placés, pardon, parce qu'il y a le 2 ans, la pouliche de 2 ans par Montmartre qui a pris une place également. Avec un croisement, on retrouve Nourieff sur Sadler's Wells, dont je parlais tout à l'heure, qui a produit déjà plus de 500 Black Type, donc un très beau croisement pour ce poulain du Hara d'Oméel. À 5000 euros, Grégoire, plus vite à 5000. À 5000, Guillaume Chien de 5000 euros. King of Kings, son père de mère, fut un des rares fils de Sadler's Wells, adepte du mile, 1600 mètres, gagnant des 2000 Guinées. Il fut un étalon très décevant, mais par contre, on le retrouve à un meilleur niveau en position de père de mère. Sa mère est une fille de Habitat, ceci expliquant peut-être cela, puisque Habitat fut un des tout meilleurs pères de mère de l'histoire de l'élevage européen. À 8000, 8, faut aller plus vite, Grégoire. À 8000 euros, c'est pas à droite, c'est à gauche. À 8000 euros, not you. À 8000 euros, c'est pas vous à 8000. À 8000 euros, on est d'accord à 8000. À 8000 euros, le fil de Railing. À 8000 euros, bien vu, je ne vous vois plus à 8000. À 8000 euros, Grégoire, on est d'accord, c'est Tony à gauche, enchère. À 8000 euros, bien vu. Dernière fois, dernière chance, qui prend le relais? À 8000 euros à gauche, enchère. À 8000 euros, pas d'erreur, pas de regret. À 8000 euros, on a vu. 8000 euros pour le fils de Railing. Le numéro 833, présenté par le Haras de Grandcamp, la Chamelle, c'est une jument grise née en 2004 par Turgeon et la Pécardière. Elle est pleine de cap-garde. À noter que cette jument est vendue sans TVA. This mare is sold without VAT. Donc le lot 833 maintenant, une jument de 12 ans, la Chamelle, fille de Turgeon et de la Pécardière par Balleroy. La mère de champ de bataille. On retrouve d'ailleurs ce croisement qu'on avait vu tout à l'heure. On a un inbreeding en 2x4 sur carreau. Elle-même, la sœur de trois vainqueurs, la proche famille de Pantin. La jument, elle est gagnante en plat et en obstacle, mais surtout, elle a produit champ de bataille avec Dreamwell, qui compte deux places de plus depuis l'apparition du catalogue, qui a monté ses gains à plus de 360 000 euros et qui a gagné le prix général de Saint-Didier Groupe 3, le prix Mélanos, Listed, qui est deuxième du prix Cambacérès Groupe 1. Donc une jument qui, avec son premier produit, a fait fort d'emblée, mais qui ensuite a été vide en 2012, a eu un poulain de Zanzibari exporté, non sailli en 2014, en 2015, en 2016. Donc un gros creux dans la carrière de cette poulinière qui, maintenant, heureusement, est pleine de cap-garde. Dernier service au 16 avril. À 16 000 euros, c'est pas enfin 18, Tony. 18 000 Tony, à 18 000 euros Tony Lanchère, 18 000. La famille essaye de Taranis qui a gagné le Champions Chase Group 1, de Pantruche, de Mator Matuta gagnant du Citage, Chance du Roi,
Rien de groupe 3 également. Une très belle famille de sauteuses et de sauteurs. Plein de cap garde. À 25 000 euros, il faut le cap garde. 28, 28, tenez l'enchère à 28 000. 28, 28, 28, 12. Là, on commence à monter sur les enchères parce qu'avec une production déjà éprouvée pour la jument et cap garde comme étalon. Comme futur faux à naître au printemps prochain, on commence à monter un peu, on est à 30 000 euros, 32 000 euros pour l'instant. À 32, 32, 32, qui enchaîne de 32 000 euros maintenant. À 32 000 euros, Laura, oui ou non ? À 32 000 euros, il finit. D'ailleurs, c'est assez amusant de voir que la Chamelle est inbred en 2 par 4 sur carreau, car Pascal Nou, du Haras de la Étrée, où est stationné Cap Garde, dit toujours que c'est un courant de sang très favorable pour croiser avec Cap Garde. Sur quoi il a pleinement raison. Qu'est-ce qu'on fait à 33 000 ? À 33 000 euros. À 33 000 euros, on est d'accord à 33. À 33 000 euros, fini à 33. En tout cas, c'est une belle jument grise. Oui ou non ? À 33 000 euros, bien vu. On est à 33 000 euros. 33 000 euros, dernière fois, dernière chance, l'opposition faiblit. Essayez encore. À 33 000 euros, bien vu, dernière fois, dernière chance. À 33 000 euros, le marteau se lève. À 33 000 euros, pas de regret d'une part. À 33 000 euros, pas de jus. 33 000 euros pour la Chamelle. Le numéro 834, présenté par le Haras de la Barrelière. Nuba, c'est une jument grise née en 2011 par Martaline et La Saïda. Elle est pleine de Falco. Alors on a maintenant une jument de 5 ans par Martaline. La grand-mère n'est autre que Cincilla qui a gagné le prix de Diane. La grand-mère gagnant du petite pouliche, mais au gros cœur. Elle a eu un foal de Red Link, elle est pleine de Falco, dernier service au 30 avril. Falco qui est capable de produire de bons chevaux dans les deux spécialités, un fils de pivotal, beau cheval de grande taille, gagnant de la poule d'essai des poulains. Nous sommes à 2000, à 2000, à 2000, à 2000, et qui grand-chère de 2000 euros. À 2000 euros maintenant, à 2000, à 2000 euros, à 2000 euros, qui grand-chère de 2000 euros maintenant, à 2000. Stationné au hors du Grand Chênay. De Falco à 2000, à 2000 euros, à 2000 euros, j'offre à l'enchère par erreur, rien à droite, rien à gauche, à 2000 euros au centre, à 2000 euros nous sommes, à 2000, à 2000 euros, si mes à 2000 euros, à 2000 euros qui prend le relais, à 2000 euros, personne ne court en chaîne de 2000 euros. La pouliche a couru trois fois en Espagne. À 2000 euros par erreur, pas de sa mère a produit trois vainqueurs, donc cure de haut, qui compte une place de plus depuis l'apparition du catalogue et 156 900 euros de gain aujourd'hui. À 3000 euros par erreur cette fois, 3000. Quant à Cilcilla qui a gagné le prix de Diane. Elle était un peu décevante au Haras, elle a produit toutefois Sol Mifa avec Distant Music, qui est gagnante de l'Easted aux États-Unis, deuxième de groupe 2. À 5 000 euros, Geoffroy. À 5 000 euros, pas d'erreur, à 5 000. À 5 000 euros, bien vu, à 5 000 cette fois, à 5 000. À 5 000 euros. Et on retrouve en bas de parpier Sandolois, qui avait remporté le prix Le Galès de Mésobran à Auteuil. À 5 000 euros, Geoffroy. À 5 000, soyez vigilants. À 5 000 euros, pas d'erreur. À 5 000 euros, bien vu, Geoffroy, à 5 000. À 5 000 euros, le marteau se lève. À 5 000 euros. Nuba. Au adjugé. Adjugé, 5 000 euros. Le numéro 835, présenté par The Dream Horses, le troquet, c'est un mâle béni le 8 février 2016 par Airchief Marshall et La Terrible. À noter que ce foal est vendu sans TVA. This foal is sold without VAT. Et voilà un autre foal maintenant, le 835, qui s'appelle Le Troquet. Alors je ne sais pas si c'est dans un troquet que son nom a été choisi. Ce fils de Airchief Marshall et de La Terrible par Faslieff est présenté par The Dream Horses. C'est vrai qu'on peut rêver beaucoup dans les troquets, mais ce n'est pas la question. La mère, La Terrible, compte une victoire en plat et 11 places de 3 à 5 ans. Et c'est le troisième produit de cette jument, La Terrible, qui est une sœur utérine de Allée Olive, solide performer, gagnant de l'Istat, déplacé de groupe 2, le Vicomtesse Vigier, Barbeville. On trouve derrière Paper Moon. Et puis le champion Gentoo, qui nous a malheureusement quitté cet été. À 5 000 euros qui m'appelle, qui prend le relais à 5 000. À 5 000 euros. À 5 000 euros, nous sommes. J'aime tout qui était qui mon cheval de cœur, avec qui j'ai passé 3 heures. Un peu plus de 3 années magnifiques. Un cheval d'une intelligence et d'une gentillesse exceptionnelle. À 5 000 euros, nous sommes. À 5 000 euros, à 5 000 euros.
5 000 euros, qui vous vient de 5 000, à 5 000 euros, l'enchère en face par Geoffroy Padreur à 5 000, à 5 000 euros, fini, Airchief Marshall, à 5 000 euros, bienvenue. 5 000 euros pour l'instant pour le poulain d'Airchief Marshall, stationné au haras de la Couvinière, aux côtés de Le Havre et de Rajdaman, donc 5 000 euros. Le numéro 836 est présenté par le haras d'Oméel, la Gioconda, jument bay par King of Kings et la Venta, pleine de King Salsa. Et oui, nous vendons ici. On revient maintenant sur la famille de Dancing Brave que l'on avait quittée il y a quelques lots. Alors que vous voyez passer devant vous le visuel concernant Cat Junior. Cet excellent fils de Storm Cat, issu d'une sœur de Linamix. Et dont les débuts aura sont particulièrement prometteurs. La Gioconda qui passe actuellement 836 à Radomel, fille de King of Kings. 2000 euros ici pour la Joconda. Elle a 5 sorties non placées. J'ai envie de dire, c'est une fille de King of Kings. Et pour l'instant, O'Hara, elle a produit 3 placées. Elle est donc pleine de King Salsa. C'est sûr, personne ne m'appelle seulement pour la Joconde 2005 à 2500. À 2500, à 2500, c'est King Salsa qui apporte le sang de King Mambo qui croise remarquablement bien avec Sadler's Wells. 2500 euros seulement. C'est sûr, bien vu, fini. À 2500. Et à 2500, les enchères s'arrêtent. Le numéro 837 est présenté par le haras du Ménil, Great Wish, jument gris foncé par Great Pretender et Ladies Wish, pleine de Dr Dino. Voilà une et oui, elle est pleine jeune jument de 3 ans, Great Wish, présenté par le haras du Ménil, fille de Great Pretender, inédite en course, issue d'une mère parturgeon. Pleine de Dr Dino, une grande, grande famille de sauteurs, puisque sa mère est une propre sœur de Lady's Choice, Lady Town, Lady's Vision. La deuxième mère a gagné le prix de Duc d'Anjou, et c'est la grande famille de Shannon Rock, gagnant du prix La Haye Jousselin, entre autres. De la famille de Shannon Rock, vous avez bien vu, de la famille de Shannon Rock, et elle est Turgeon en père de mère. Valentin l'enchère à 4000, à 4000. D'où la robe grise de cette pouliche. À 4000, c'est vous l'enchère ici, Geoffroy, à 4000 de la famille de Shannon Rock, fille de Great Pretender, pleine de Dr Dino, qui vous dit 5000. À 5000 euros l'enchère ici, Geoffroy, à 5000, à 5000. À 5000, c'est vous, j'en vais 6 à 6000, à 6000. À 6000 euros l'enchère ici, à 6000, à 6000. 6000 euros l'enchère, c'est vous, 8 à 8000, à 8 à 8000, à 8000. À 8000 euros l'enchère ici, à 8 à 10000, à 10000, à 10000, à 10000, à 10000 euros l'enchère, 10000 euros. 10000 euros ici pour la fille de Great Pretender. 10000 euros seulement ici, 10000 euros, elle est pleine de Dr Dino, il fait des gagnants en plat et en obstacle. À 10000 euros, 12 à 12000, à 12000, à 12000 euros l'enchère ici, à 12000, à 12000. 12000 euros par vous et contre vous, continuez. Geoffroy à 12 000 euros, c'est vous l'enchère à 15 000, à 15 000 ici, pardon monsieur, 13 000, à 13 000 euros ici, à 13 000 euros c'est là, à 13 000 euros ici. 13 000 euros nous sommes pour Great Wish. Chevaux Black Type à Auteuil, on est à 13 000 euros. Great Pretender qui a deux solides chances de devenir lui aussi un bon père de poulinière, puisque c'est le cas de King's Theater, que l'on commence à avoir assez régulièrement chez des gagnants de groupe. Great Pretender, elle est pleine en Angleterre et en Irlande. À 15 000 euros seulement, 16. Great Pretender est aussi un petit-fils de Darshan. Que fait-on, Tony? À 16 000 euros, c'est à droite. Sa grand-mère aborigine apporte le son de Riverman. Il a donc les deux équivalents génétiques, Milriff et Riverman, dans son pedigree, ce qui lui apporte des gènes qui devraient théoriquement faire de lui un bon père de poulinière. En tout cas, c'est ce que l'on souhaitera au nouvel acquéreur de Great Wish, plein de l'excellent Dr Dino, et qui va être adjugé 18 000 euros. Le numéro 838 est présenté par le haras du Ménil, un poulain green et le 2 mars par Dreamwell et Ladies Wish. Et maintenant, que l'on a vu de la jument que nous venons de vendre, la 3 ans par Ladies Wish, nous avons maintenant le foal de Ladies Wish, donc la même famille. Dreamwell, celle de Shannon Rock. Deuxième de la Haye Jousselin cette année. Toujours la famille de Shannon Rock. Dreamwell étant lui un fils de Sadler's Wells et petit-fils de Alleged. Étalon classique en obstacle. Et Great Pretender qui est passé avant est lui un petit-fils de Sadler's Wells ont un croisement comparable sur cette fille de Turgeon, Ladies Wish, qui est gagnante en obstacle. À 8 000 euros, l'enchère est à droite ici, à 8 000, à 8 000, à 8 000 euros, le fil de Dreamwell. Regardez le modèle un petit peu. À 8 000 euros, c'est vous l'enchère ici, Geoffroy, l'enchère à devant, l'enchère à 8, à 8 000, à 8 000. 8 000 euros, ça vaut mieux ça quand même. Là devant nous, un poulain gris de belle taille. 10 à 10 000. À 10 000 euros,
l'enchère. À 10 000 euros, c'est ici. Élancé, élégant. Ici 10 000, à 10 000, à 10 000 euros, l'enchère est ici à 10 000, en bas, l'enchère ici par Alban, à 10 000 euros, le fils de Dreamwell, grand poulain. Avec des grandes chaussettes, notamment des balzanes antérieures qui remontent au-dessus du genou. 11 000 euros, que fait ton messieurs à 11 000, à 11 000, à 11 000, c'est ici là-bas. Ce qui déplaît à beaucoup d'acheteurs. À 12 000 euros, c'est du gris à 12 buts, Alban à 12 000. Même sa balzane postérieure gauche remonte jusqu'au jarret. Ici, regardez, Turgeon, père de mer, Dreamwell, le père d'Alary, deuxième de la Jousselin, on est à 12 000, 14. À 14 000 euros, c'est un nouvel enchérisseur, Alban, n'est-ce pas? De 14 à 14, à 14 000, ici à 14. C'est une grande souche sauteuse pour ce beau euros, poulain. Ici, Alban, ici à 14, à 14 000, à 14 000 euros, l'enchère ici à 14. 14 000 euros, 15. À 15 000, à 15 000, c'est vous là-bas. Oui, 18 à 18 000 ici, nouvel enchérisseur, restaurant bien sûr, à 20 000 maintenant. Non, il bosse à 20 000, à 20 000. 20 000 euros, Tony, l'enchère bien sûr, ce poulain, les veaux, à 20 000, à 20 000. 20 000 euros ici, le fils de Dreamwell, 22. À 22 000, à 22 000, c'est là-haut. À 22 000, le fils de Dreamwell ici, avec beaucoup d'abattage, à 22. À 22, à 22 000 euros ici, 22. À 22, 22 000 euros, Dreamwell qui fait des gagnants à Hauteuil, bien sûr. À 22 000 euros, à 22 000 euros, c'est vous, Tony, l'enchère, c'est là-haut. 23. C'est 23 ici maintenant. C'est 23 ici, c'était bien là. 23, 23 Jean-Jacques au restaurant. 23, 25 à 25 000. À 25 000 euros. 24, si vous voulez. 24. Attention de ne pas le perdre. À 24 000. Que dit-on, Jean-Jacques? À 24 000, c'est dans la salle. À 24 000, c'est en haut là-bas. À 24 000 euros, que fait-on maintenant pour le 5. Fils de 25 à bien sûr, à 25. À 25 000. À 25 000. Déjà pour ce fils de Dreamwell. À 25 000, merci messieurs. À 25 000, on va pouvoir adjuger. À 25 000, c'est sûr. Bien vu par vous, Jean-Jacques. 25 000 euros, le fils de Dreamwell. À 25 000 euros, on adjuge 25 000 euros. Adjugé 25 000 euros. Messieurs, par ailleurs. Le numéro 839 est absent. Nous passons au numéro 840 présenté par la Motrey Consignment. Osée Joséphine, jument bay par l'aide de Lion Roar et Line Grey. Elle est pleine de Linda Zlad. 840, Osée, maintenant Osée Joséphine. Cette fille de l'aide de Lion Roar. Un fils de Sanders Wells qui avait été troisième du derby, qui produit les bons sauteurs. Flich qui a couru deux fois et qui a été essayé pour la première fois par Linda Zlat, dont elle est pleine, qui a 5 ans. Son père, Led the Lion Roar, est un fils de Sanders Wells et de Ballerina par Dancing Brave. Une grande souche. Sobel Winestock. Et la mère, Line Grey, a déjà produit Granite Jack avec Glyle. Gagnant du prix Antoine de Palamini à Pau, Listed, deuxième du Suprême Norvégien Order, groupe 1. La famille de Grey Jack, gagnant du Grand Prix de Pau. Une grande souche là aussi. Et une jument pleine de Linda Zrad. Linda Zrad qui n'a que deux sorties à son actif. À 5500, que dit-on Jean-Jacques, à 5500, 5500, 6 à 6000, à 6000, à 6000 euros l'enchère, 6000, à 6000, 6000 euros l'enchère ici au restaurant, c'est pas vous Geoffroy, à 6000, à 6000, à 6000 euros, où ça se passe, à 6000, à 6000, c'est devant, à 6000, à 6000, à 6000 euros, c'est au restaurant, l'enchère ici, pour la jument pleine de Linda Slade, on va juger à Jean-Jacques l'enchère à 6000 euros, 500, 6500. À 6500, ça va être à 7000 derrière moi, c'est déjà plus vous tenir, à 7000 euros, l'enchère est ici derrière, à 7000, que faites-vous là-haut, à 7000, c'est 7000, c'est là, c'est pas vous ici, à 7000 euros, c'est ici derrière moi, au restaurant, par Jean-Jacques, l'enchère à 7000 euros, la jument 500, à 7500, à 7500, à 7500, Jean-Jacques, vous laissez pas faire, à 7500, à 7500, à 7500, remettez 500 si vous voulez, à 7500, à 7500 euros, c'est dans la salle, Jean-Jacques, 8. 8000, monsieur, que fait-on? On avance doucement sur cette fille du peu connu Led the Lion Roar. À 8000 euros ici, à 8000 euros au restaurant, à 8000 euros, elle est pleine de lignes. Belle jument, belle jument belle. Avec ici, à 8000 euros, et on va vendre à 8000 euros, c'est sûr, bien vu. Avec du blanc, mais un très beau cadre. Et elle est adjugée à 8000 euros, pleine de Linda Zlad. Le numéro 31 est présenté par le Hara de la Croissonnet, Gazelle de la Vega, jument grise par Lost World et Line Mexia. Cette jument est pleine de Diamond Boy et à noter qu'elle est vendue sans TVA à hauteur de 50%. 50% of this mare is sold without VAT. C'est une fille de Lost World. Et donc le 841 maintenant, Gazelle de la Vega, fille de Lost World, qui n'a couru que 3 fois et qui est une jeune poulinière. Son premier produit eh bien, à 2 ans. Cette jument est issue d'une sœur de vautour et elle est pleine de Diamond Boy. Elle est pleine de Diamond Boy. Et ça. Une jument avec de la force. Grand-mère Gazelle de Mai qui est gagnante du prix de Vienna et placée du prix de Chambly à Hauteuil est tout simplement la mère du grand champion et regretté Vautour, gagnant du Champion Novice Hurdle, du Supreme Novice Hurdle, du Deloitte Novice Hurdle
Golden Milan Novices Chase, Festival Trophy Chase, etc. Un cheval exceptionnel qui malheureusement s'est accidenté dans son paddock. Comme quoi... 5000 euros, elle est pleine de Diamond Boy. À 5000 euros ici, ça peut arriver pas seulement sur les champs de course d'obstacles, mais aussi à la maison. À 5000 euros seulement ici, on va. D'ailleurs, la première cause de mortalité des étalons, c'est l'accident de paddock. Suit ensuite les coliques. Ici à gauche, l'enchère maintenant à 5. Et enfin, l'infarctus en troisième position. Ici, la fille de Lost World. Mais bon, tout ça n'est pas très réjouissant. Revenons à cette gazelle de la Vega, issue d'une de la famille de Vautour, sœur utérine de Vautour, par Lost World, pleine de Diamond Boy, et qui va être adjugée à 5500 euros. Le numéro 842 est présenté par le haras de Molpère, Art of Men, jument alsan foncé par Lord of Men et Linsky Ball, pleine de Boris de Deauville. Elle est gagnante du finot. Alors là, nous elle allons type, donc, bien sûr, sur un, cette jument une, qui entre maintenant à un des bolos de la vente avec cette Art of Men, fille de Lord of Men. Elle a 12 ans. Elle a gagné le finot à Auteuil. Très bon travers et un bon service, 4000, 5000, 5000. Mère d'un vainqueur, une gagnante qui s'appelle La Henriade par Turgeon. 1500 euros pour une jument black type qui m'appelle pleine de Boris de Deauville. Qui réalise une belle année cette année avec ses sauteurs. À 1500 euros, elle est pleine d'un bon service. À 1500, à 1500 qui couvre de la 2000. À 2000, à 2000 euros l'enchère. Elle a une poulie shearling de Cap Garde. À 2000 euros, elle est black type dans le ring, là, 3. Et c'est une sœur utérine de Something Wells, gagnant le groupe 3 en obstacle en Grande-Bretagne. Black type en obstacle à Auteuil. À 4000 euros, c'est Tony l'enchère ici, qui vous qui tenez 4000. À 4000, à 4000 euros qui couvre l'enchère de 4000. À 4000, à 4000 euros, elle est pleine de Boris de Deauville. À 4000 euros, elle a déjà produit un vainqueur. 5000, 5000. À 5000 euros, 5, à 5000, 5, 6, 6000, à 6000, à 6000, à 6000 euros l'enchère, Tony l'enchère, à 6000, à 6000, à 6000 euros, elle a déjà produit un vainqueur. À 6000 euros, elle est sœur de deux black type en obstacle également. Eh oui, très belle famille, on ne s'y trompe pas. Et on est à 6000 euros par l'enchère à Tony, à 6000 euros l'enchère ici, à 6000, 7 à 7000, à 7000, à 7000 euros, c'est vous, Tony, continuez par vous, qu'à 8 à 8000, à 8000, à 8000 euros l'enchère ici, à 8 à 8000, à l'omine. Que dit le second, Tony, 8000 euros. 8000 euros, on peut vendre ici la fille du la gagnante du finot à 8000 euros. Elle a déjà produit un vainqueur à 8000 euros. On va adjuger, c'est sûr, Tony à 8000 euros. Elle est pleine de Boris de Deauville. 500. Ah. Laura. 8500, Laura, ici, à droite, l'enchère, c'est plus vous, Tony, à 8500. 8500 euros pour l'instant pour cette jument. 5, 9, à 9000, à 9000, à 9, à 9000, à 9000, à 9000 euros, 10, à 10000, à 10000, à 10000, à 10000, Laura, l'enchère à 10000. Vous allez peut-être la voir à 10000, à 10000. 10000 euros ici pour une jument black type à Auteuil. 11. 11 000, Tony. À 11 000, c'est vous, Tony. À 11 000, elle a déjà produit un vainqueur. À 11 000 euros, elle est sœur de deux black type en obstacle. À 11 000 euros, elle est black type elle-même. 11 000 euros, elle est gagnante du finot et on va la vendre à 11 000 euros par Tony. À 11 000 euros, le marteau se lève. Dernier instant de réflexion par ailleurs. À 11 000 euros, la black type, on adjuge. 11 000 euros, Tony. Ah, une enchère est arrivée trop tard. Donc la jument est partie à 11 000 euros. Une femelle noire pangarée née le 21 mars par Montmartre et Lucia. Nous voilà maintenant donc avec une pouliche foule de Montmartre qui s'appelle De Novo. Et regardez cette pouliche. La mère a 7 victoires, c'est son premier produit. La mère Lucia est une fille de Footstep in the Sound et d'Obsidian. Elle est issue d'une mère multiple gagnante. La souche est celle de Bayamon. La mère super jument de gagnant du Jean Prat, prix Jean Prat et du prix Ganet. 3, 3, 3, 3 autrefois, et bon étalon, bon père de mère en tout cas. 1500, regardez cette le VI des coloris, Declaration of War qui est étalon également. Elle est par Montmartre. Sa mère Lucia, d'ailleurs, a un pédigré intéressant puisqu'elle est par Footstep in the Sand et une fille de Machiavellian, ce qui fait qu'on retrouve là le croisement Jones Causeway par Machiavellian qui a donné. Chamardal notamment. 5 à 5000 bien sûr. À 5000 bien sûr aussi. La fille de Montmartre qui fait des gagnants en obstacle. Là, oui, 6 à 6000. Alors on enchère à 6000. À 6000. À 6000 euros c'est ici. On va vendre à 6000. À 6000. À 6000 euros ici bien sûr. Regardez cette pouliche comme ça se déplace à 6000. 7 à 6500.
6500, pas le roi ici, l'enchère continue, Geoffroy, à 6500, à 6500, à 6500, que dit votre client Dominique, à 6700, à 7000, bien sûr, oui, là-haut, 7000, bien sûr, il l'a vu lui aussi. Belle pouliche qui se déplace bien, énergique. Qui va bien, qui avance bien, qui a déjà envie d'avancer à 7000, 8 à 8000, à 8000 euros, à 8000 euros, c'est Guillaume qui prend le relais maintenant, à 8000 euros ici, à gauche, l'enchère, à 8000 euros pour la fille de Montmartre. Issue d'une super jument de course, et on est à 8000 euros. L'enchère, équipe, ouvre l'enchère de 8000 euros. On va vendre à 8000 euros par vous, Guillaume. 8500. 8500, je crains que ça ne soit pas suffisant. 8500, 8500, 8500. Qui couvre l'enchère de 8500? Que faites-vous là-haut, monsieur? 9 à 9000. À 9000 euros, Guillaume, l'enchère ici, à 9000 pour cette bonne pouliche ici. À 9000 euros, une pouliche qui a un petit quelque chose en plus, qui va envie d'avancer. À 9000 euros ici, Guillaume, l'enchère, on va vendre à 9000 euros. Bien vu, fini. On a de juge. 9000 euros pour la pouliche. Le numéro 844 est absent. Nous passons au numéro 845, présenté par le haras du Tenet. Flûte divine, jument bay par Royal Applause et Magical Flute. Elle est pleine de Cockney Rebel. Ajoutons que cette jument est vendue à hauteur de 50% sans TVA. 50% of this mare is sold without VAT. Elle a déjà produit deux vainqueurs. Elle est pleine du classique Cockney. Le lot 845 maintenant, Flûte divine, fille de Royal Applause. Royal Applause qui est un vrai réservoir de vitesse pure. Fidouaji, try my best. Royal Applause, c'est le père de Acclamation, qui lui-même est le père de Dark Angel. Donc c'est une grande souche de vitesse et de précocité irlandaise. Cette jument a 12 ans, elle est pleine de Cockney Rebel. Elle a produit déjà deux vainqueurs avec Orpen et Dr. Fong. À 2000 euros, c'est une jument gagnante. À 2000 euros, elle a déjà... Oui, 500, 2500, 2500, à 2500. Elle est gagnante à 2 ans à Angers. Elle a pris 17 places, jument solide. Que fait-on là-bas en bas? C'est ici, à 2500, c'est ici. On peut vendre à 2500, à 2500, à 2500, 3000. À 3000 euros, c'est en face ici. 3500, à 3500, à 3500, à 3500, ici, à 3500, à 3500, 3500. Que un pedigree complètement axé sur la vitesse, hein, avec Piccolo, son père de mère, qui est un... À 4000 euros, un très bon sprinter, lui-même fils de Warning, avec Absalom en bas de papier, donc vraiment uniquement des mentions de vitesse, ce qui n'a pas empêché la deuxième mère de produire un placé de groupe 2 en obstacle avec Fram, qui lui-même était un cheval de vitesse. C'est fini. 5000 euros, c'est sûr, une jument qui produit des vainqueurs, une jument qui produit du modèle à 5000 euros. Elle est pleine de Cockney Rebel, gagnant des 2000 Guinées anglaises et des 2000 Guinées irlandaises, qui fait la montée au Hara. Du Tenet, après être passé par le National Stud à Newmarket et par le Haras de Saint-Arnoult. Deux vainqueurs et qui est pleine de Cockney Rebel. Cockney Rebel qui donne généralement des chevaux avec du modèle, une robe souvent assez proche de la sienne, noire. Le numéro 846 est présenté par le Haras du Saz, Minamil, jument Alzane. Et nous passons maintenant pleine de Sriputra. Au 846. Cette jument est vendue sans TVA. This mare is sold without VAT. Une jument de la famille Mare Black Type. Ed, la famille de Fuissé de Full of Gold, Quintune, deux étalons de mer, français. De plusieurs chevaux de steaks, Waikika entre autres, elle est pleine de Sriputra. Elle est présentée par le Haras du Saz. Elle est gagnante et pleine de Sriputra. Ce premier produit est une pouliche de Soul City qui a 3 ans et qui est placée à 4 reprises. Elle a une pouliche Shirling Person des Breaks et un foal par Ajzaman. Elle s'appelle Mina Hill et cette Mina Hill a pour mère Malhora, Maora, qui est placée du prix Madame Jean Couturier à Vichy, Listed. Et dont elle est pour l'instant le seul vainqueur. On a beaucoup de black type en dessous avec Meneur notamment qui a gagné le prix Guillaume de Pracontal. 3000 euros, c'est vous Guillaume. Et puis bien sûr toute la lignée Funny Pearl, Funny Fairy et puis Fuissé et Full of Gold. À 4000 euros, personne. Qui ont gagné gros pain en plat. Guillaume qui est actif sur cette jument à 4000 euros par vous Guillaume et on va adjuger. Le marteau se lève à 4000 euros. On adjuge. Adjugé 4000 euros. Le numéro 847 est présenté par Success Bloodstock, Ismelia, jument baie foncé par Dunkerque et Malaisie, pleine de Montmartre. A noter que cette jument est vendue sans TVA, This mare is sold without VAT.
C'est une petite fille d'Ayestonor par le fait puisqu'elle est... Vous voyez sur vos écrans là, un utilisé pour Monitor Closely. De la famille de Prince, proche famille de Prince. Fils de Oasis Dream et frère utérin de Mount Nelson. Mount Nelson qui a fait une excellente année cette saison en 2016. Monitor Closely qui est un beau cheval avec beaucoup de cadres. 1500 euros qui m'appelle à 1500 ici pour la fille de Dunkerque à 1500. Et là nous sommes sur le lot 847, Ismaïlia, fille de Dunkerque et de Malaisie par Bering. Autre souche aide là aussi puisque la mère est une sœur utérine de Maxwell, multiple gagnant de listed et étalon. La famille est celle de Prince Fasliev, Made of Pearl. La jument a 4 places à 2 et 3 ans, elle a 5 ans. Elle a eu un foal de Spirit One et elle est pleine de Montmartre. 5 000 euros, c'est pas dans la salle, c'est au restaurant à 5 000 euros. La jument qui est pleine de Montmartre. Le père de Petite Parisienne, le père de Titi de Montmartre. Grande jument. Et c'est ici, il n'y a pas d'erreur ici, c'est par vous. Avec du modèle. C'est Geoffroy Lorencher à 5 000 euros, à 5 à 5 000, à 5 000. Oui, oui. 5 000 euros, c'est dans la salle. 5 000 euros, c'est dans la salle. 6 000. 6 000 euros, c'est dans la salle maintenant, ici, à 6 000. À 6 000, à 6 000 euros, Jean-François, dans la salle, à 6 000. Si c'était 7 000, à 7 000, à 7 000, ici, à 7 000 euros, l'enchère, ici, au restaurant. 7 000 euros, c'est derrière moi. 7 000 euros, il ne peut pas y avoir d'erreur, c'est 7 000 euros, l'enchère, ici, est au restaurant, derrière moi, pour la fille de Dunkerque, petite fille d'Ayestonor, qui est pleine de Montmartre. À 7 000 euros, le Marteau Slavé, on va juger à 7 000 euros, c'est bien vu, c'est sûr. À 7 000 euros. On a le juge. Et c'est parti. À 7000 euros pour cette fille de Dunkerque, pleine de Montmartre. Par l'élevage des Trois Rivières, une femelle benne et le 9 mai par Masked Marvel et Mandina. On a une nouvelle foal de Masked Marvel. C'est une fille de Masked Marvel intéressante. C'est le premier foal que l'on découvre cette année. Celle-ci est issue d'une mère par Saint-Dessin. Semble bien appréciée par le marché. Qui n'est pas besoin de vous présenter, bien sûr, mais Saint-Dessin. La mère Mandina a 3 victoires. La mère également. Il est issu d'une mère gagnante. C'est le troisième produit que nous allons voir maintenant qui arrive. Voilà. 1500 qui m'appelle à 1500. 1500 euros qui m'appelle. La première pouliche de la mère est par vision d'état est à l'entraînement. Elle a 2 ans. Elle n'a pas encore couru. Et elle est suivie par une yearling de Sadex. C'est la famille de Montcontour notamment qui était un gagnant du prix Ocar. Un cheval noir absolument splendide. Beaucoup de qualité et qui est devenu un grand étalon dans l'Est. 3500 à 3500. Dans les pays de l'Est, vous dire. 4000, merci Tony Lanchère à 4000. Et beaucoup de black types sous la troisième mère Mondo Vision, puisqu'on a Malaspina, Machado, croisement, mon jeu, Mutin. À 4000 euros, c'est pour Tony Lanchère, un croisement qui a déjà marché. Et en obstacle monétaire, gagnant du prix Guillaume de Pracontal. À 5000 euros pour la fille de Masked Marvel. À 5000 euros, issue d'une mère gagnante à Enghien. La mère est une fille de Saint-Dessin, ce qui n'est pas négligeable. Et la deuxième mère est par Somarès, qui lui aussi est un excellent père de mère dans les deux spécialités. 6 000 euros, et ça n'est pas Autorize qui me contredira. On retroouve d'ailleurs là le même croisement, mon jeu sur Somarez, dans le pédigré de cette pouliche. Couvre l'enchère de 6 000 euros. Personne, c'est sûr, bien vu, 6 000 euros. Croisement, mon jeu Saint-Dessin. À 6 000 euros, le marteau se lève, c'est sûr. Et 500. À 6500, à 6500, il était en 7 à 7000, à 7000, à 7 à 7000, à 7000, à 7000 euros ici. À gauche, c'est déjà plus vous, Geoffroy. À 7000 euros, nous allons donc la vendre. À 7000 euros, le marteau se lève, c'est sûr. Personne ne veut cette bouliche. Par ailleurs, à 7000 euros, on adjuge. 7000 euros pour cette fille de Mass Marvel. Le numéro 849 est présenté par le haras du logis Saint-Germain, Massana, jument bay par Red Ransom et Massatixa. Elle est pleine de Palace Episode. C'est une jument qui coche toutes les cases. Alors le 849, Massana, fille de vecteur de vitesse, Red Ransom. Que voulez-vous de mieux ? C'est une fille de Red Ransom et elle est pleine de Palace Episode. Sa mère est une propre sœur de Miss Satamixa, gagnante du prix Jacques Lemarois. Elle est pleine de Palace Episode, fils de Machiavellian, stationné au Wara du logis Saint-Germain. À 1500 euros, elle a déjà produit un vainqueur avec Soldier of Fortune, Winter Magic, qui a 4 ans et qui a remporté 2 courses l'année dernière à Maison Lafitte et à Clairefontaine. Et derrière, on a un poulain de 2 ans par Scalo à l'entraînement et une pouliche yearling par Palace Episode. 2000 euros
Elle est pleine de palace épisodes, d'un bon service. La souche, évidemment, est une souche verte et mère bien connue. La souche de Miss Satin. 2500. À 2500, Laura l'enchère à 2005. À 2500, à 2500, ici l'enchère à droite à 2500. 2500, qui couvre l'enchère de 2500 ? 3. Guillaume. 3000 euros, regardez bien la jument. À 3000 euros, elle coche toutes les cases. À 3000 euros, elle a déjà produit un vainqueur. 3500. À 3500, Laura l'enchère à 3500. À 3500. À 3, le père de mère est Linamix, bien entendu. Toujours utile dans le pédigré d'une poulinière. À 3500, elle est issue d'une mère gagnante du Jacques le Marois. Miss Satamixa, regardez la famille, très belle famille, la garde. Et Red Ransom, qui lui est un fils du gagnant de Derby Roberto, un étalon très important. Ici à gauche, l'enchère à 4000, à 4000. Mais un Red Ransom qui apporte beaucoup plus de vitesse que ne le faisait son père lui-même. Effet de Damascus que l'on retrouve en position de père de mère chez lui. À 5000 euros, c'est vous Laura qui allez l'avoir peut-être à 5000 euros. La famille de Miss Satamixa, très belle famille Lagardère ici. Notre jument est une sœur utérine de Massalani qui avait gagné le prix de Jebel. 5500, il était temps. 5500, que dites-vous, Guillaume ? 5500, ce n'est plus, c'est ici, là-bas. C'est terminé pour vous, donc c'est à 5500, tout là-haut, 6000. Et bien sûr, on ne va pas se laisser faire comme ça. À 6000 euros, que faites-vous, monsieur ? À 6000 euros, regardez la jument, regardez le 500. À 6500, continuez. À 6500, que dit le second, Laura ? À 6500, que dit le second ? À 6500, elle a déjà produit un vainqueur. À 6500 euros, je vais devoir la juger maintenant, c'est sûr. À 6500 euros, là-haut. À 6500, on la juge. 6500 euros. Adjugé, 6500 euros. Le numéro 850 est présenté par le haras de Montaigu, Voix du Mont, jument baie par Voix du Nord et Mayla. Cette jument est pleine de authorized. Une fille de Voix du Nord. 850. Fille de Voix du Nord. Allez, seconde du Wild Monarch. Gagnante en plat préalablement de son Médène. C'est la famille de Gamart. Elle est pleine d'autorise, qui fait bien en obstacle tout de suite. Combien offre-t-on pour débuter pour cette fille de Voix du Nord ? Placée du Wild Monarch, combien offre-t-on pour débuter ? 10 qui offre 10, 10 000, 10 000 euros, 10 000 euros, 10 000 euros, 10 000 euros. Une fille de Voix du Nord, seconde du Wild Monarch. Gagnant de son Médène, 10 000 qui m'appelle à 10 à 10 000, à 10 000 euros, 10 à 10 000, à 10 000, à 10 000 euros, 10 à 10 000, à 10 000, à 10 000 qui se lance à 10 000, 5 qui lance en 5, 5, 5 qui donne 5 pour débuter, 5, j'ai 5, à 5 000, à 5 000 euros, 5, 5 000, 8, 8 000, 8 000, maintenant vous êtes à 8, à 8 000, 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 fille de Voix du Nord, placée du Wild Monarch, à 8 000 euros, 8, à 8 000. Alors nous revenons sur le lot 850 maintenant. À 8 000, à 8 000 euros, à 8 000, à 8 000 qui m'appelle. Voix du Mont, jument de 5 ans, deuxième du prix Wild Monarch à Auteuil, Listed. Une jument Black Type donc qui est essayée pour la première fois cette année par Authorized. Un des rares étalons classiques dans les deux spécialités. Dieu sait qu'il réussit très bien en obstacle. Voix du Mont est une fille de Voix du Nord, qui lui est récurrent toutes les semaines dans les résultats classiques et semi-classiques en obstacle en Europe. 22 000 l'enchère, j'ai 22 à 22 000. Cette Voix du Mont appartient à la famille maternelle de Tenby, qui avait gagné le Grand Critérium autrefois avant de devenir un étalon utile en Italie. Et sous sa deuxième mère, on trouve Gamart, excellent sprinter, solide. 26 000, à 26 000, nous sommes placés du Wild Monarch. Elle est pleine d'autorise qui réussit bien en obstacle à 26, 8, 28 000, à 28 000, à 28 000, placés du Wild Monarch. 27, si vous voulez, 27 000, à 27 000, à 27 000, il a dit 27, 27 000, 27 000, c'est par nous à 27, Geoffroy à 27. Voix du Mont est une belle jument, elle a gagné sa seule sortie en plat à 3 ans, le premier ski à Maison Lafitte. À 27 000. Elle a couru ensuite 6 fois en obstacle pour remporter malheureusement aucune course, mais elle est 5 fois placée sur 6 tentatives. Placée de Listed, pleine de authorized, et on est pour l'instant à 27 000 euros. Pour la fille de Voix du Nord, à 27 000, on la juge. 27 000 euros pour Voix du Mont. Le numéro 851 est présenté par le haras de la Croissonnet. Une femelle benne est le 21 mars par Montmartre et Medicity. A noter que cette pouliche est vendue sans TVA à hauteur de 50%.
50% of this filly is sold without VAT. Donc nous avons maintenant le lot 851 qui est une pouliche foal de Montmartre. Sa mère Medicity et par Sagacity et Medicis Parsicios. Et sa mère qui est inédite et dont elle est le premier produit est une sœur utérine de Medinas qui a gagné le Long Distance Hurdle Groupe 2, la Coral Cup Handicap Hurdle Groupe 3 pour plus de 140 000 livres de gains, mais aussi de Vicangelome, placé cette année de Groupe 2. En stiple, en Irlande. C'est la famille de Mister Ange, gagnant du prix général d'Onio à Auteuil, de Fiestine, une famille où, sur la page catalogue, on ne voit que du gras italique, sauf évidemment sous sa propre mère, qui est inédite et donc elle est le premier produit. Donc, fille de Montmartre, présentée par le haras de la Croissonnet. 5 000, vous êtes aussi à 5 000, la mère de Mission assez élancée, élégante, en digne petite fille de mon jeu. À 6 000, maintenant Camille, à 6, 7, 7 000, 7 000, Dominique, à 7, 7 000, l'enchère à 7 000, à 7 000 euros, à 7 000 euros, la mère de Misseur de Médinas, à 7 000 euros, et on va juger 7 000, c'est par nous, Dominique, à 7, pas de regret nulle part, à 7 000, merci, 7 000, bien vu, 8, on y revient, Camille, à 8 000 euros, vous êtes maintenant à 8 000, votre enchère à 8 000, merci. Montmartre qui réussit aussi bien dans les deux spécialités, on le rappelle, hein, il a produit Bello Matteo, mais aussi et surtout Amour à Papa. Et puis en obstacle, Califco, Calkir, Petite Parisienne, Zara des Pictons. Un gagnant du Grand Prix de Paris, par mon jeu, une fille de l'Inamix. 8500, vous étiez. Excusez-moi pour la confusion. 8500. Qui a débuté au Haras National du Pin avant de passer. Sous l'égide du Haras du Haguenay. À 8005, j'étais. Fils de mon jeu, les fils de mon jeu sont d'excellents paires de sauteurs. À 9000, l'enchère à 9000 euros, c'est plus Alexis à 9000, à 9000 euros, c'est Camille, l'enchère à 9000, à 9000, pas de regret à 9, à 9000 euros fini, à 9000 euros Marceau, à 9000 euros, bien vu. 500, à 9500, c'est pris cette fois-ci, pas de confusion de ma part. À 9500, nous sommes. À 9500, merci. À 9500, nous vendons. À 9500, on adjuge. 9500, Alexis. 9500 euros. Le numéro 852 est présenté pour la fille de Montmartre. Cerisy, une femelle alsane, née le 11 avril par Montmartre et Midalizy. On continue à Montmartre, avec cette fois une autre pouliche foal. La mère est par Medali, fils de Reyes Tonor. Donc on a là une pouliche qui est inbred en 3 par 4 sur Sadler's Wells. Medali qui a été un étalon, je dirais, juste utile, mais qu'on trouve souvent en position de paire de mère, par contre, chez des bons chevaux. Et cette pouliche est une sœur utérine de Vangèle de Cerisy. Vangèle de Cerisy qui a gagné à Auteuil, à Enghien, qui est placé de listed à plusieurs reprises pour plus de 250 000 euros de gains. Et qui a la particularité, cette Vangèle de Cerisy, c'est d'être inbred en 2 par 3 sur Reyes Tonor, ce qui est assez rare. C'est d'ailleurs, ce Vangèle de Cerisy est le meilleur produit de Vangelis. Comme quoi, parfois, dans les croisements, il faut, lorsqu'on n'arrive pas à obtenir ce que l'on veut avec un étalon ou avec une jument, il faut peut-être parfois, de temps en temps, essayer des croisements un peu plus risqués, un peu plus osés. Et là, ce fut le cas, puisque ce Vangèle de Cerisy est inbred en 2 par 3 sur Reyes Tonor, ce qui est très rare. La famille est une grande souche classique à la base. Et puis, bon, on retrouve sous la cinquième mère, notamment le Glorieux et le Triton, deux fidèles serviteurs de l'élevage français. Astre pour de Monde qui avait gagné le prix Saint-Alary.
à 4005 Guillaume. Ma beauté, qui était une gagnante du prix Cléopâtre, qui était bien nommée d'ailleurs, c'était une très belle. Poulichalzon Kralavé. 5000, vous êtes maintenant à 5, à 5000, à 5000, à 5000 et plus là, à 5, à 5000, à 5000 la Montmartre, à 5, à 5000, à 5000 euros la pouliche de Montmartre, à 5000, à 5000, merci, à 5000, Geoffroy Lanchère, à 5000, bien vu, 5000, merci, à 5000. Montali de Cerisy, c'est le nom de cette pouliche. 5000 euros, le marteau se lève. Qui va partir à 5000 euros. On a le juge. Non. Ah, il était temps. 6, il a dit. À 6000. À 6000, il était temps. Bien vu, Geoffroy, à 6000. Juste avant que le marteau ne tombe, une dernière enchère est tombée. Geoffroy, à 6000, vous êtes à 6000. À 6000, l'enchère à 6, à 6000. À 6000, à 6000, à 6000, maintenant vous êtes à 6000. À 6000, à 6000, merci, pas de regret. Je vous laisse le temps d'y revenir. À 6000 euros, merci. À 6000 euros, fini. 6005, 6500, 6500 maintenant, à 6005, à 6005, 7 voulez-vous, à 6005, j'ai à 6500, 6500, bonne fille de Montmartre, à 6500, à 6500 l'enchère, 6500, merci, à 6500, pas de regret nulle part, à 6500, Geoffroy l'enchère, à 6500, on adjuge. Voilà, 6500, adjugé. Le numéro 853 est présenté par le roi de la Croissonnet, Mahendra, jument bai par Next Desert et Minasia. Elle est pleine de Rajzaman. A noter que sa 2 ans Princess of Snow compte une place depuis la parution. Et à noter également que cette jument est vendue sans TVA à hauteur de 50%. 50% of this mare is sold without VAT. C'est une sœur de Macleya et de Montclar. Alors que là, vous voyez sur votre écran en balco, c'est le 853 qui passe. Une jument de 11 ans, Mahendra par Next Desert, gagnant classique en Allemagne, Deutsches Derby et Minaxia par Platini. Donc une grande souche allemande, celle de Majoritet. Inédite, cette jument est déjà confirmée au Haras. Elle a produit Val de Sane avec Rock of Gibraltar. Val de Sane est titulaire de 5 victoires. Elle s'est placée notamment dans le prix de Beaune à Enghien Listed. Elle a produit un vainqueur ensuite avec Lope de Vega. Elle a une pouliche de 2 ans par Rajzaman qui compte désormais 3 places, une de plus que depuis la parution du catalogue. Elle a un poulain foal de Toronado et là elle est pleine de nouveau de Rajzaman. À 9000 euros, vous êtes à 9000, nous sommes à 9000. Dernier service, assez tard, le 18 juin. À 9000 euros, merci. À 9000 euros, bien vu. À 9000 euros, je vous laisse faire. À 9000, on la juge. La pouliche, la jument, pardon, puisqu'elle a 11 ans, le va partir à 11000 euros. Présenté par le Haras de la Croissonnet. 9000 euros, pardon. Academy, 9000 euros. Une jument baie de race AQPS par Astarabad et Miss Academy. A noter que sa propre sœur, Dirmis, compte une place supplémentaire. A noter également que cette pouliche est vendue sans TVA à hauteur de 50%. 50% of this mare is sold without VAT. Et on ajoute qu'elle est vendue avec un certificat d'aptitude à la reproduction. La montrée de la on passe maintenant au 854, Belle Académie, une pouliche AQPS par Astarabad et Miss Academy par Vidéorock. L'excellent père de mère était Vidéorock. De s'imposer et de prendre une seconde place dans le prix des guillidines. Qui est un groupe 3 QPS, combien offre-t-on pour débuter? Miss Academy, la famille de Miss Turno, Miss Saren. Elle a 4 victoires et 13 places. Combien offre-t-on pour débuter? 5, 5 000, 5 000. Elle est deuxième du prix Chloris à Saint-Cloud, un groupe 2 pour un QPS. 5 000 euros, 5 000 euros qui m'appelle à 5, à 5 000, à 5 000, à 5 000, à 5 000. Propre sœur de Dirmis, qui elle est placée du prix des guillidines groupe 3 à QPS. 5 000, nous sommes, 5 000 euros. Une souche d'origine anglo, qui a beaucoup de classes de plat, mais aussi une aptitude d'obstacle que l'on voit transparaître dans le pédigré avec la présence de Mister No, notamment placée du prix d'Urtin, ou de Miss Arène, qui est placé du finot. À 6 000 euros, à 6 000 euros, la fille d'Astarabad, à 6 000, Gaillon de 4 courses, à 6 000, Jean-Jacques, c'est par vous, à 6 000, pas de regret, 7, nouvel enchérisseur, 7 000. Belle Académie, présentée par le Haras de la Croissonnet, où était stationné Astarabad au moment de sa conception.
À 7 000 euros, 8, 8 000, on y revient. Jean-Jacques Lanchère à 8, à 8 000. À 8 000, maintenant c'est vous à 8 000. À 8 000, merci à 8. À 8 000 euros, à 8, à 8 000. À 8 000, à 8 000 euros. À 8 000 euros. À 8 000 euros, Jean-Jacques qui m'appelle maintenant à 8 000. On va adjuger. Bonne jument à QPS en plat. À 8 000 euros. Et titulaire de 4 victoires à la sœur d'Ondirmis. À 8 000, bien vu, fini. Jean-Jacques Lanchère à 8 000. Et on peut adjuger à 8 000. La Starabad, la mère vidéo rock à 8 000. À 8 000 euros, merci. À 8 000 euros, Jean-Jacques Lanchère à 8 000. 9, 9 000, 8 500, 8 500, 8 500, Alexis à droite à 8 500, à 8 500, à 8 500, 8 500, 9, j'ai 9 000, 9 000, 9 000 euros, à 9 000, à 9 000, à 9 000, vous êtes à 9, à 9 000, à 9, à 9 000 euros, à 9 000 euros, à 9 000 euros, l'enchère maintenant à 9, à 9 000 euros, la Starabad, la mère Vidéo Rock à 9 000, en haut, l'enchère à 9 000, 9 500. Valentin, 9500, Valentin à 9500, 9500, à 9500, 9500, j'ai à 9500, à 9500 maintenant, à 9500, c'est plus nous Jean-Jacques, c'est par Valentin Lanchère à 9500 et rien par ailleurs, à 9500 fini, pardon, à 9500 fini ailleurs, à 9500 dernière fois, à 9500 Jean-Jacques, à non, ici, à 9500 à droite Valentin, à 9500. On l'adjuge. Voilà, le Valentin, merci. Jument a été adjugé. 9500 euros. Est présenté par le Haras. Donc, le jument de 5 ans qui sort de l'entraînement. Né le 4 avril par Great Pretender. Et là, on va commencer à attaquer quelques beaux numéros de la vente. Frodon a remporté les on a là maintenant un foal de Great Pretender présenté par le Haras de Grand Camp. Qui n'est autre qu'un fer de Frodon. Alors, si vous avez le catalogue tel qu'il a été imprimé, Frodon apparaissait en minuscule maigre. Aujourd'hui, il est en caractère grand italique puisqu'il a gagné le Wincanton Rising Star Novice Chase Group 2, portant ses gains à 122 000 euros et son nombre de victoires à 5 en obstacle. Frodon est un fils du regretté nickname et on a donc là un frère utérin d'un gagnant de groupe 2 par Great Pretender avec une famille qui elle aussi est très solide en bas de papier. On a Médormite qui est vainqueur du Silly Isle Novices Chess groupe 1, Saint-Pistol gagnant du prix du président de la République. Enfin voilà, de très très belles références pour ce foal. 16, 16 000, Guillaume à 16, à 16 000, à 16 000, qui vient au-delà de 16, à 16 000, à 16, à 16 000 euros, 18, 18 000. D'ailleurs, les enchères ne traînent pas. 20 000, on est déjà à 20 000 euros. À 20 000, à 20 000, vous êtes 20 à 20 000, à 20, à 20 000 euros, à 20 000 euros, à 20 000 euros, à 20 000 euros, Great Pretender, 2, 22 000, 24 en haut, 26 en bas, 26 000, Guillaume à 26, plus nous. Ingrid, à 26 000, à 26 000, j'ai, à 26 000. Un beau poulain, bien équilibré. À 26, 26 000, à 26 000. Il se déplace bien. 28 000, 30 000, on y revient maintenant à 30 000, j'ai 30 000, 2, 32 000. On est déjà à 32 000 euros pour le foal. 34 000, 34 000. C'est un des lots phares de la vente dans sa catégorie. 34 suivants, à 34 000 euros, 34, 34 000, à 34 000, 36, Ingrid à 36 000, 36 000, j'ai l'enchère à 36, à 36 000, à 35 si vous voulez, 35 000, and 35, you bid, Ingrid, 35, à 35 000, 35, 36. C'est toujours une grande chance pour un vendeur quand à 36 000, plus là-haut, à 36 000, vous avez une, un update de cette qualité-là qui arrive au moment de la vente. La nouveauté est toujours porteuse d'enthousiasme de la part des acheteurs. 37, 37 000, à 37 000, 37, 37 000, 37 000 en haut à 37, 37 000. Nous sommes déjà à 37 000 euros pour ce foal. 37, j'ai maintenant à 37 000, bien vu, merci de vos aides. À 38, on y vient maintenant, à 38 000, à 38 000, plus là, à 38 000, plus là, merci de votre aide. À 38 000, je ne vous vois plus, à 38, 40, à 40 000, à 40 000. À 40 000, j'ai maintenant Ingrid à 40. À 40 000, le frère de Frodon à 40 000. À 40 000, 40 000, 41, 41 000. Anne 41, 41 000. 41 000 maintenant à 41. À 41 et plus là, à 41 000. Merci le Great Pretender, merci de votre aide. À 41 000, en bas l'enchère, merci de votre aide. À 41 000, pas de regret, bien sûr Ingrid. À 41 000, on la juge. Et bien voilà, 41 000 euros pour... Le ce poulain de Great Pretender, frère utérin de Frodon.
Un poulain bai foncé né le 5 mars par Saint-Dessin et Miss Courteillaise. A noter que ce foal est nommé, son nom, le Pré Saint-Louis. Voilà le lot maintenant 856. Saint-Dessin. Un poulain foal nommé le Pré Saint-Louis, fils de Saint-Dessin et de Miss Courteillaise. La mère par la Virco. Une fille de la Virco. Poulain bien développé, une belle famille d'ici d'obstacles, celle de... Famille où on trouve du black type qui quitte les mers en obstacle. Gris Courteillet, fils de Fragrant Mix, s'est placé deuxième du prix. Conchamberg à Auteuil. Mais aussi Riga fait Siri Marfan. Master BO. À 10 000, j'ai 10 à 10 000. À 10 000, le Saint-Dessin, 10 à 10 000. À 10 000 euros, 10, le Saint-Dessin, 10 000. À 10 000 euros, 10 à 10 000. À 10 000, j'ai à 10, 10, 12, 12 000. 12 000 euros, 12 à 12 000. 12 000, le Saint-Dessin, 14, 14 000. 14 000, l'enchère à 14, 14 000. Suivant 14 à 14 000, le Saint-Dessin à 14. C'est le cinquième produit de la mer. 14 à 14 000, 16, pour l'instant, 16 000, 16 000, l'enchère à 16, à 16 000. Un placé. Abeille des Prés, fille de Trampolino, placé en obstacle. Le 3 ans par Saint-Dessin a été exporté en Angleterre. Et on a une pouliche de 2 ans par Polyglotte. Et on commence à monter à 25 000 euros pour ce fils de Saint-Dessin. Très beau poulain. 26 000, à 26 000, j'ai 26, 27, 27 000, 27 000, maintenant vous êtes à 27, 28, 28 000, 28, votre enchère à 28, 28 000. Saint-Dessin, toujours fidèle serviteur du Haras des Truands. 29 000 maintenant, à 29 000. Il fait partie de ces étalons qui ont fait leur classe en obstacle, ce qui est assez rare. La majorité des mâles est encastrée dans cette discipline, qui lui a gagné le prix Amadou, avant de produire de nombreux champions. Donc Jack Adam, me voici, Sambremont, Days of Heaven. Maintenant le Saint-Dessin à 32, à 32 000, à 32 000, 3, 33 000, Sotty Tree, Burgen, Susser à 33, 33 000, à 34, 34 000, 34 000, maintenant j'ai à 34, 34, 35, 35 000, and 35, à 35 000, voulez-vous 36, 36 000, 36 000 maintenant à 36, à 36 000, plus là, à 36 000, demandez 38, Jean-Jacques. À 36 000, à 36 000, 38, voulez-vous ? À 36 000, 38, il a dit 38 000. Contre nous, maintenant, j'ai 38, par Jean-Jacques à 38. 38, à 38 000, maintenant, j'ai à 38 000. 40, 40 000, à 40 000, nous vendrons à gauche. À 40 on atteint la barre des 40 000 euros maintenant pour ce poulain. Merci. À 40 000, dernière fois. À 40 000, dernière chance. À 40 000, bien vu. À 40 000, on peut être jugé. À 40 000 euros, fini. 2, 42 000, 42. À 42 000. Thank you for your help. À 42 000, at 42. J'ai 42 maintenant, Jean-Jacques, par vous. 43, il a dit. 43 000. À 43 000. À 43 000, nous vendons maintenant à 43 000, merci. À 43 000, c'est bien vu, pas de regret. À 44 000. À 44 000 maintenant. À 44 000. Merci cette fois-ci. À 44 000, thank you for your help. À 44 000, merci. À 44 000, fini. À 44 000, pas de regret. À 44 000, on a jugé Jean-Jacques. Adjugé 44 000 euros pour le poulain de Saint-Dessin, le Pré Saint-Louis, il s'appelle. On passe maintenant à un pedigree complètement différent. Un foal également, enfin une pouliche, numéro 857. Puisque là, on vient de quitter un sauteur, j'espère, pour son acquéreur, un futur très bon sauteur. Et on accueille maintenant une pouliche qui, elle, a un pédigré pur de plat et de courte distance, puisque son père, Dream Ahead, est un champion sprinter qui a bien débuté au Haras, puisqu'on lui doit déjà 5 gagnants de stakes et de nombreux black types. Et puis la grand-mère de la pouliche qui passe sur le ring présenté par le Haras du Wagner, Dimitrova, est une gagnante de groupe 1, le Flower Bowl Invitational Stakes. Une famille qu'on a déjà vu passer dans le catalogue, avec la présence de Muta Fowek, ce courageux performeur gagnant de la Coronation Cup et du Saint-Léger, du Deutschland Prize, du Canadien International. 1500 euros, 1500, 1500, à 1500 euros, l'enchère la Dream Ahead à 1500, dernière fois à 1500, à 1500 euros, pas de regret.
vrai ailleurs à 1005, bien vu. À 1500, merci. 1500, bien vu. 2000, 2000, elle a dit 2000, la Dreamweb 2000. À 2000 euros, 2000. À 2000 euros, 2000, qui m'appelle au-delà de 2, à 2000. À 2000, bien vu. À 2000, fini. 500, 2005, 2500, la Dreamweb à 2005. 2500, 2500, avec une Mergon West à 2005, bien vu. À 2500, merci. 2500, à 2500 maintenant, à 2005, fini. 2500, à 2500, la Dreamweb à 2500, merci. À 2500, bien vu. À 2500, dernière fois. 3000, vu à 3, à 3000. À 3000, l'enchère 3, à 3000. À 3000, maintenant, vous êtes à 3, à 3000. À 3000 euros, à 3, à 3000. À 3000, à 3000, dernière chance à 3. À 3000, dernière chance à 3, 5. 3500, 3500 aussi à 3005. 3500, à 3500, maintenant, l'enchère à 3005. 3005, à 3500, fini à 3500, merci. À 3500, dernière fois. À 3500, dernière chance. À 3500, merci. À 3500. Alors, on bloque pour l'instant 3500 euros sur cette pouliche. Fille de Dreamerhead, mère Paragon West. 3500, merci. Et on va passer 858 est présenté à un par lot très intéressant, puisque c'est Dabaratsa, pouliche de la de famille maternelle de Milord Thomas. Thomas, gagnant du prix. Excusez du peu. Et à noter que cette jument est vendue sans TVA à hauteur de 25%. Une fille de Astarabad, sœur utérine de Royal François, qui avait gagné le prix de la Péricole, troisième du prix Maurice Gillois. Pour sa part, elle a deux victoires. Son premier produit a 5 ans et vient de prendre une place supplémentaire en NH Flat en Irlande. Elle est pleine de No Risk at All. Dernier service au 3 mai. No Risk at All, dont elle a eu un four au printemps. 5 000 euros qui m'appelle. Proche famille de Milord Thomas. 5 000, 5 000, 3 000, 3 000 euros. Milord Thomas qui, depuis l'apparition du catalogue, bien sûr, a ajouté le prix La Haye Jousselin. Une troisième édition du prix La Haye Jousselin à son palmarès et dépassé les 2 millions d'euros de gains. À 3 000 euros, 3, 4, 5, 5 000, 5 000 stands l'enchère à 5 à 5 000, 5 000 stands l'enchère à 5 000, 5 000 à 5 000 euros stands l'enchère à 5 000, merci, 5 000 bien vu, à 5 000 nous sommes à 5 000, à 5 000 dernière fois à 5 000 fini à 5, 6, 7, 7 000, 7 000 euros, 7 000 c'est vous, à 7 000 Grégoire, à 7 000, à 7 000, à 7 000 c'est plus là-haut, à 7 000 c'est en bas, à 7 000, 7 000 5, 7 000 5 G, 7 000 5, à 7 000 5, la sœur de la mère. 8 000 euros, à 8 000, 8 005 maintenant, à 8 005 et contre nous, à 8 500, dernière chance, 3, à 8 509, 9 000 euros, à 9 000 euros, je vous écoute, 500, 10 000, bien vu, à 10 000, elle a dit, à 10 000, c'est ce qu'il fallait faire, à 10 000, 11 000, à 11 000, à 11 000, on recommence, à 11 000, à 11 000, 12, 12 000, 12 000 maintenant. Voilà, ça monte gentiment, on est à 12 000 euros maintenant, pour cette sœur utérine de la mère de Milord Thomas. Merci, 12 000, bien vu. La mère de Milord Thomas s'appelle Star d'Avril, l'a bien nommée, puisque elle a pouliné tous ses foals au mois d'avril. Milord Thomas, c'était un 1er avril. J'ai maintenant à 12 000. Un bon poisson, comme on aimerait tous en avoir dans nos élevages. On la juge. Et elle est adjugée à 12 000 euros. Le numéro 859 est présenté par le hara du Mézeray, May, jument grise, par Chamardal et Miss Salvador, pleine de Kamsine. A noter que cette jument tique à l'appui. This mare is a crib biter. Donc le lot 859 maintenant, May. Jument de 7 ans par Chamardal et Miss Salvador par Smadoun. Il est signalé donc qu'elle tiquait à l'appui. Elle est issue d'une sœur, propre sœur de Blue Brésil, ce qui ne gâte rien, et elle est pleine de Kamsin, fils de Samoum, gagnant du Deutsches Derby. Père de gagnants de steaks dans les deux spécialités et qui intègre le hara des truands pour la saison 2017. C'est la famille de Tinors, gagnant de la poule d'essai des poulains, donc une très très bonne souche maternelle. La mère de May qui est sur le ring actuellement, Miss Salvador, est gagnante du prix de Flore, quatrième du prix Cléopâtre.
à 3, est 4, mère de gagnant. 4000 euros, 4000, de elle-même, 000, elle est gagnante à 3 ans, à Deauville. Placée à Compiègne. Et son premier produit est une pouliche de 2 ans par campanologiste qui est à l'entraînement, qui n'a pas encore débuté. À 5000 euros, à 5 à 5000, à 5000. Elle a derrière une pouliche yearling par The Way You Are, The Way You Are qui va rentrer au Haras de Corlay pour la saison 2017 après avoir transité par plusieurs continents. À 6000 euros, dernière fois à 6, à 6000 euros, Guillaume Lanchère. Maintenant, à 6000 euros, à 6000 euros, la Chamarre. Et qui a un étalon qui a de très bonnes statistiques, de très bons résultats. Ce, malgré un soutien limité. C'est vous. À 6500, merci Grégoire. À 6500, pas de regret, pleine de Camsine. À 6500, la Chamardal, pas de regret, 7000. À 7000 euros. À 7000 euros. Donc la fille de Chamardal, grise, qui passe sur le ring actuellement, est de Miss Salvador. Et pour l'instant, à 7000 euros. Dernière fois à 7000, à 7000 euros, à 7000 euros l'enchère, à 7000 euros vous êtes, à 7000 euros dernière fois, à 7000 euros dernière chance, à 7, à 7000, à 7000, qui m'appelle. Elle a une particularité dans son pédigré, c'est que le père de mère de Chamardal, son père, c'est Machiavellian, et le père de mère de Miss Salvador, c'est Exit to Nowhere, et ce sont deux produits de coup de folie. Donc un inbreeding en 4x4 sur cette jument d'élite. On la juge, 7000, merci. Le numéro 860 est présenté par le Haras du Lieu des Champs, un poulain bay né le 14 février par Masked Marvel et Mona Vassy. Notez que son demi-frère Hors de Vassy compte une place supplémentaire en National Unflat en Grande-Bretagne pour sa deuxième sortie. Et ajoutons que ce poulain est vendu sans TVA à hauteur de 50%. 50% of this colt is sold without VAT. Donc le lot 860 maintenant, un foal, un mâle. Né le 14 février, présenté par le Haras du Lieu des Champs, il est par Mask Marvel et Mona Vassy par Sleeping Car. La mère par Sleeping Car. Très beau papier d'obstacle. La grand-mère est placée du Prix Mélano. C'est le 3 ans est de nombreux listed en obstacle. Mère de James de Vassy, placée de groupe 3 en obstacle. 10 000 euros. 10 000, qui m'appelle à 10, à 10, à 10 000, à 10 000, à 10 000 euros. Du black type italique sous toutes les mères. À 10 000, à 10 000 euros, à 10 000. Pour ce poulain par Mask Marvel. Fils de mon jeu. 5000 euros, 5000 euros, le masque de Marvel, 5000, 5000 euros, 5, 6, 6000, 6000 euros, maintenant vous êtes à 6, à 6000, à 6000, 8, 8000, à 8000, à 8000, bon marcheur, à 8000, à 8000 euros, 8 à 8000. Son frère Hors de Vassy a pris une place en une sortie supplémentaire en NH Flat en Angleterre depuis l'apparition du catalogue. 11 000, voulez-vous, à 11 000, j'ai à 11 000, pardon, 11, à 11 000, 12, 12 000, 12 000 euros, à 12 000, l'enchère 12, à 12 000, à 12 000. Il y a un très beau poulain de Mars Marvel. 12, 14, 14 000, 14 000, maintenant vous êtes à 14, 14 000, petit-fils de mon jeu, masque de Marvel, à 14 000, à 14 000 euros, première production, à 14 000 euros, d'un vainqueur du Saint-Léger, à 14 000, maintenant nous sommes à 14, 14 000, une mère sleeping car à 14, j'ai à 14 000, pas d'engrais, 14, 15, 15 000, elle a dit 15, à 15 000, le masque de Marvel à 15 000, 15 000, 15, 16, 16 000, 16 000, 17, voulez-vous, j'ai 16, à 16 000, à 16 000, à 16 000 euros l'enchère, à 16, à 16 000, à 16 000, maintenant, à 16 000, c'est nous, à 16 000, pas de regret, Stan, 17, 17, Camille, on y revient, 17 000, 17 000, 18, 18 000, à 18 000, masque de Marvel, 18, 18, 20, à 20 000, vous aviez à 20 000, à 20 000, votre enchère, à 20 000, masque de Marvel. Poulain qui plaît bien, puisqu'on est déjà à 20 000 euros. 21 000, 21, à 21 000, 21 000, 22, 22 000, 22 000, masque de Marvel à 22, 22 000, à 22 000 euros, à 22 000 euros, à 22 000 euros, nous sommes à 22, 22, à 22 000 euros, pas de regret, à 22 000, à 22 000, Camille, 3, j'ai 23, à 23 000, à 23 000, 24, 24 000, 24 000, vu à 24 000, 24 000, 24 000, l'enchère, un bon poulain de masque de Marvel à 24 000, et on va adjuger, merci de votre aide. À 24 000 euros fini, à 24 000 euros, merci de votre aide, à 24 000, on la juge. Et bien voilà, 24 000 euros 24 000, pour le lot 860. Le numéro 861 est absent, nous passons on passe directement au 862 maintenant. Par le Haras Denki, c'est de l'or, jument bête de race AQPS par Full of Gold et Moscoville. Elle est pleine de network et à noter que cette jument tique à l'appui. This mare is a crib biter. Voilà une nouvelle jument qui tique à l'appui, c'est de l'or. C'est de l'or parce que fille de Full of Gold, donc bien nommée. C'est de l'or et pleine de network. Elle n'a couru qu'une fois, non placée. Mais c'est la sœur de Vieux Morvan qui a remporté le prix Wild Risk, le prix Général d'Ogno,
belle famille du sang. Placé du prix Georges Courtois du prix Murat. Pour la première fois, combien en France ? Ce vieux Morvan qui, depuis l'apparition du catalogue, a ajouté une place de quatrième dans le grand steeplechase de Bordeaux et qui a dépassé les 480 000 euros de gains. À 10 000 euros qui m'appelle à 10, à 10 000, à 10 000, à 10 000 euros. À 10 la mère Moscoville est par Cadalco, excellent père de mère, et Expoville, fille de Vidéoroc, lui aussi un excellent père de mère en obstacle. Et la famille est celle de Vaniteux, gagnant du Lightning Novices Chase, groupe 2, troisième du Supreme Novices d'Ordel, groupe 1. Et sous la troisième mer, on a Bilbao 5 qui a gagné le Morgex, Alcaloïd. À 16 000 euros. Une des très belles familles à QPS. À 16 000, à 16 000, 18 000. Superbe famille à QPS obstacle. 22 Stan Lancher et à 22 000. 22 000 pouliche de 3 ans pleine de network. De network à 22, 22 par 4, Full of Gold. À 24 000. 24 000, vous êtes à 24 000. Stan Lancher à 20, pas Stan, on est déjà à 24 000 euros. 24 000 maintenant, j'ai malgré le fait que la pouliche, enfin jument maintenant, tique à l'appui. À 24 000, on peut être jugé à 24. Ce qui est beaucoup moins gênant, 24, 6, 26 000, certes, pour l'élevage que, 26 000, pleine de net, qu'à l'entraînement. Est-ce qu'il peut expliquer peut-être qu'elle n'est courue qu'une fois. 25, il a dit Stan. À 25 000. En tout cas, c'est une belle jument qui a du modèle. À 25 000 contre nous, Grégoire. À 25, maintenant j'ai à 25. Puissante, merci de l'os. De à 25 000, Stan Lancher. Merci de votre aide. À 25, Stan. 26. À 26 000. C'est Laura à 26 ? Oui. À 26 000. À 26 000, pleine de network. À 26 000. À 26 000. À 26 000. À 26 000, vous êtes allé pleine de network. Une très belle famille. 27, on y revient. 27 000, Stan. À 27. À 27 000. À 27 000, voulez-vous un ? À 27 000. À 27 000, merci. On va juger à 27 000. Pas de regret par Stan Lancher. À 27 000, pleine de network. Merci de votre aide. À 27 000 euros, le marteau se lève. À 27 000 euros, Stan Lancher. À 27 000. On la juge, 27 000, merci. 27 000 euros. Le numéro 863 est présenté par le Haras des Capucines. Too Much Fun, jument Alzane, par Act One et Mount Cat. Elle est pleine de mascottes Marvel. Elle est gagnante, elle est également gagnante en plat donc et en obstacle. C'est la vente se continue avec le 863, une vente dans laquelle il y a, je dirais, un taux de, d'achat assez conséquent, assez peu de rachetés finalement, donc un marché actif avec des changements de main pour les différents lots qui passent sur le ring, pour leur grande majorité en tout cas. Le 863 est une jument de 10 ans qui s'appelle Too Much Fun, qui est tout simplement la mère de Magie Dumas. Deuxième du prix Sagan, groupe 3. Double gagnante en obstacle. Ça, c'était son premier produit. Le deuxième est un mâle de Sagebourg qui a gagné en plat. Elle a une poulie Shearling de Sagebourg, une foule de Mask Marvel. Elle est présentée pleine de Mask Marvel. Dernier service au 11 février. Et Too Much Fun est une fille de Act One et une sœur de Monzili, un fils de Donzili qui est gagnant de Listed en Malaisie. Malaisie qui n'est pas très loin finalement de la destination de Arnaud et toute son équipe qui vous feront vivre donc le week-end prochain les grandes courses du meeting international de Hong Kong. À 25 000 euros, la mère de Magie Dumas, à 25 000, à 27 000, à 27 000, 27 000. Le Hong Kong Vase, le Hong Kong Mile, la Hong Kong Cup, Hong Kong Sprint. À 30 000 euros, l'enchère derrière moi, restaurant, à 30 000 euros, toujours. Les dernières grandes courses internationales de la saison qui ont l'avantage de permettre un affrontement à des chevaux venant pratiquement de tous les continents. Puisqu'on peut y trouver au départ des Australiens, Néo-Zélandais, Japonais, Hongkongais bien entendu, des Européens, des Américains, éventuellement des Sud-Africains ou des Sud-Américains. Donc c'est un meeting passionnant et qui permet aux échelistes de recadrer le niveau des chevaux dans les différents pays de la planète. À 40 000 euros, il n'y a pas de regret à dire dans la salle. Et une vraie compétition internationale. On a juge. Merci. Sur une piste splendide qui est celle de Châtine. Numéro 864. Mais on revient ici 865, présenté à Deauville avec le lot 863 qui vient de partir à 40 000 euros. Too Much Fun. Elle est pleine de gris.
fille de Actuan. Jument ici à Bein, jument à QPS, petite fille de South Wales. C'est la famille de Agamon. On a maintenant le lot 865, ABI, Pulisha QPS par Alberto Giacometti et Nadine par Agmar. C'est la grande souche de Martignon, de Bloody Mary, de Lagadou et Nani, donc sa mère gagnant également trois courses dans le grande course de grande souche de sauteur, pardon. Une jument qui est pleine de gris de gris, qui est gagnante à 3 ans, en plat et qui est placée en obstacle. Et on le bute à combien pour cette jolie et qui est pleine pour la qui est saillie pour la première fois et pleine de gris de gris. À terme le 19 février. 5000 euros. 5000 euros. Mettez dans le chat. Sa mère est une sœur de Matignon qui est troisième de la grande course de Hedpo. On retrouve énormément de black type obstacles sous la quatrième mer avec hard rock, sortie de secours un jour ou l'autre, un bon matin, etc. Alberto Giacometti, rappelons-le, est un gagnant du critérium de Saint-Cloud, fils de Sadler's Wells. Avec une mère par Shirley Heights, donc un nick particulièrement favorable. Et qui était l'un des prémices du nick Sadler's Wells d'Archan qui a donné tant de gagnants classiques dans les deux spécialités, mais surtout en plat évidemment. Et Ragmar en père de mère, qui était lui gagnant du prix du Jockey Club, petit-fils de Troy, le gagnant de Derby. À 8000 euros. À 8000 euros, Julie, c'est votre enchère. À 8000 euros, elle est en termes d'un bon service ici. À 8000 euros. ABI, pleine de gris de gris, qui issue d'une bonne souche maternelle. Fait de nombreux vainqueurs, dont Sable Gris, son premier black type. À 9000 euros. À 9000 euros, c'est contre vous, c'est Tony l'enchère. À 9000, à 9000 euros. Oui, 10000. 10000 euros, Tony, essayez 11000. À 10000 euros, bien vu, Tony, essayez 11000. À 10000 euros. Messieurs, essayez 11000. C'est une très bonne souche à QPS ici, elle est pleine de gris de gris. À 10 000 euros, vous la laissez partir. À 10 000 euros, elle était gagnante, elle est gagnante cette jument. À 10 000 euros, merci pour votre aide. À 10 000 euros, je peux la juger. À vous, Tony, merci, bien vu, fini. À Laura, pardon, mais Julie. À 10 000 euros, je vois où est l'enchère, Julie, il n'y a pas de problème. À 10 000 euros, merci, votre enchère, Julie. On a le juge. 10 000 euros, Julie. Assis, deuxième rang, partant du haut. Merci, Julie. Le numéro 866 est absent. Nous 10 000 euros, donc, 867, pour ABI, Pulisha QPS. Golden New, c'est un mâle foncé né le 10 février 2016 par Brave Mansonien et New Foundation. Un foal obstacle, Golden New, présenté par le Harad Talma, 867. La mère New Foundation est gagnante. C'est une fille de College Chapel. Elle a produit déjà deux vainqueurs. Openid de Princesse Tara, Brave Mansonien. Sur 7 produits, dont 5 en âge de courir. Les premiers produits, père de Ricky enfin. Ricky enfin, les premiers produits en gagnant, donc pour le Brave Mansonien. Allons-y, 10 000, 10 000. Sa mère est sœur d'une bonne pouliche de plat Roundtree, une fille de Night Chief qui s'est placée deuxième des Fred Darling Stakes, une préparatoire en Mille Guinées, qui s'était placée également à 2 ans dans les Queen Mary Stakes Group 3. Mais sous la mère suivante, on a eu une émergence de. Bon sauteur avec Tongan, gagnant de la grande course de Ed Auteuil, Openid, gagnant de l'Isted Cheltenham notamment. Et Golden New, donc le poulain qui passe actuellement, est un fils de Brave Mansonien, qui, comme son nom l'indique, est un fils du très important, très influent Mansonien. À 8 000 euros, pas là, 8 000. À 8 000 euros, l'enchère, 8 000. 8 000 euros. À 8 000 euros, l'enchère est à Alban. Un beau poulain, il y a de la taille qui est de. 500, 8 500, mettez puissant. À 8 500, mettez 9 000. Alban, voulez-vous 9 000. 9 000. 9 000 euros maintenant, l'enchère est à gauche à 9 000. 10 000, 10 000, l'enchère est à 10 000. 10,000 now. À 10 000 euros, l'enchère à droite à 10 000 euros maintenant, l'enchère à droite à 10 000. À 10 000 maintenant, votre enchère à 10 000 euros maintenant, l'enchère est à 10 000. À 10 000, l'enchère à droite à 10 000, l'enchère est à vous à 10 000 euros, Grégoire à 10 000. À 10 000 euros, I'm gonna sell him now. À 10 000 euros, bien vu, pas de regret, Alban, c'est sûr, nous vendons à 10 000 euros, c'est Grégoire l'enchère. À 10 000 euros, bien vu, fini, enchère à droite à vous, Grégoire, à 10 000 euros. On a juge. Voilà, 10 000 euros pour Golden New, ce poulain par Brave Mansonien. Présenté par le Haras du Ménil, Nil Gris, c'est une jument bébé mélangée née en 2011 par Ange Gabriel et Nil Glorieuse. Elle est pleine de turgeons. A noter que c'est de la famille de politologues qui compte une victoire en obstacle en Grande-Bretagne depuis l'apparition. Donc le 868 maintenant, Nil Gris, fille de Ange Gabriel, présenté par le Haras du Ménil.
Une valeur sûre, Turgeon. La mère Nil Glorieuse. Très, très bien ici. Porte bien son nom, c'est une fille de Le Glorieux et elle a produit Scarlett Row avec Turgeon. Gagnant du Gérald de Rochefort à Auteuil, deuxième du prix Maurice Gillois Groupin. Et qui est devenue ensuite la mère de Politologue, qui compte une victoire de plus depuis la parution du catalogue, et qui était déjà gagnante de Listed et placée de Groupin en obstacle. Nil Glorieuse est aussi la mère de Adelaide Square par Turgeon. Et Nile Grise, qui bien entendu est une belle grise qui est sur le ring actuellement, n'a pas couru et elle est pleine de Turgeon. Ça y est, pour la première fois, dernier service au 17 février. 12 000 euros maintenant, Tony, à 12 000 euros l'enchère. À 12 000 euros, Tony, à 15 000. À 15 000 euros maintenant, 15 000. À 15 000 euros l'enchère. Elle a donc dans ses flancs un trois quarts frère, futur trois quarts frère ou trois quarts sœur de Scarlett Row et de Adelaide Square, deuxième du grand cross de cran. À 20 000 euros, try again, Tony. Et une cousine de Nile Bonheur, qui est par Turgeon également. À 20 000 euros, 22 000, 21 000, à 21 000. C'est la famille de Prince Escape, de Prince Pretender, Astre de Ballon. On est déjà à 22 000 euros et c'est bien logique parce que la jument a un pedigree magnifique. Et bien qu'inédite, pleine de Turgeon, elle a vraiment tout pour plaire. 24 000, à 24 000 euros l'enchère. À 24 000 euros l'enchère et la gage à 24 000, à 24 000, 26 000. 26, I've got 26,000 now. At 26,000, I've got 26 on the right side here for the lovely Menil family. À 26 000, à 26 000 euros, et pas là-haut, monsieur, à 26 000, à 26 000 euros l'enchère. À 26 000, à 26 000 euros l'enchère, et là-bas, à 26 000, à 26 000 euros. 28 000, but 28,000 now, at 28,000, at 28. On va donc retrouver, comme dans plusieurs lots du catalogue que l'on a vu avant, chez le futur foal de cette jument, un inbreeding sur carreau entre Turgeon et Caldoun, un deux de ses meilleurs fils. Tony, j'ai 33 000 euros. Un inbreeding classique en obstacle. À 33 000 euros, mettez 34 pour vous faire. 34, voilà, on arrive à 34 000 euros déjà. À 34 000, à 34 000 euros l'enchère. À 34 000, à 34 000 maintenant, 34 000, à 34 000. À 34 000 euros, we're selling now. 34 000, à 34 000. À 34 000 euros, c'est vous, Tony l'enchère. À 34 000 euros, c'est à Tony l'enchère. Pas de regret, pas d'erreur, c'est sûr. Lovely mare, here, à vous, Tony, à 34 000 euros. Bien vu, fini Laura. À 34 000 euros, on a le juge. Merci Tony. 34 000 euros. Pour Nil Grise. Numéro 869, présenté par le rat de la Croissonnée. C'est une femelle née le 26 avril 2016 par Max Marvel et Orange Beat. A noter que ce foal est vendu sans TVA. Alors le lot 869 qui arrive maintenant, on a à nouveau une pouliche foal de Max Marvel. Yellowstone qui compte une victoire en obstacle depuis l'apparition. Et une famille très vivante, parce qu'il y a de nombreux updates depuis l'apparition du catalogue. C'est la souche de Prince Mike, de Sign of la sœur utérine de cette pouliche et Yellowstone Kay a une victoire supplémentaire. Sainte Opportune, elle est déjà gagnante de Listed, fille de Le Havre. On a Hurricane Rina qui a deux places supplémentaires. On a Orange Run qui a une place de plus et qui a dépassé les 160 000 euros de gains, qui était déjà troisième du prix Mélano, c'est quatrième surtout du combat CRS, Orange Run. Donc une famille très très vivante sous la mer, tous les produits courent, tous les produits prennent de l'argent, et c'est la souche de Irish Wells, double gagnant du Grand Prix de Deauville. It's 13,000 in fact on the right side for this filly out Mask and Marvel. À 13 000 euros l'enchère, à 13 000, à 13 000 euros l'enchère, vous êtes à 13 000 euros l'enchère, à 13 000, à 13 000 euros l'enchère, à 13 000 euros l'enchère, à 13 000, à 13 000 euros maintenant l'enchère, à 13 000 euros à droite Valentin, à 13 000 euros l'enchère à Valentin, à 13 000 euros Valentin, votre enchère c'est là-haut, à 13 000 euros, bien vu, fini, on va la juger, à 13 000 euros et on la juge. 13 000 euros, merci Valentin. Les numéros 870 et 871 sont absents. Nous passons au numéro 872, présenté par le Haras des Capucines. Peace City, c'est une jument bénée en 2012 par Elusive City et Peace Lina.
Elle est pleine de Capgarde. Pleine de Capgarde ici. Demi-sœur de Pisanco, de Piccolino, de Piccolino, la souche de Pittsburgh. Donc 13 000 euros pour le 869. Et là, on a deux absents et on passe directement au 872. Peace City, une jument de 4 ans par Elusive City et Peace Lina par Linamix. Pleine de Capgarde. Elle a couru deux fois sans se placer et a été vide de Falco au printemps, mais là elle est pleine de Capgarde, dernier service le 13 mars. Peace City, tout simplement la sœur utérine de Peace & Co. Mal de Falco qui a remporté le JCB Triumph Hordel Groupe 1. Piccolino qui lui est placé du prix Achille Fould à Hauteuil, donc une excellente souche maternelle avec sous la deuxième mère. Là on passe à des black tie plats parce qu'on a Pittsburgh gagnant du Sandringham du prix d'Omal, Peace of Oasis, et sous la troisième mère on a le fameux pistolet bleu gagnant du critérium de Saint-Cloud et du Grand Prix de Saint-Cloud, et étalon particulièrement important en obstacle. Une souche Wildenstein de grande qualité et une pouliche qui est un très beau modèle, enfin une jument, pardon, très beau modèle. 8 000 euros maintenant, 8 000 euros par vous, Grégoire, 8 000. 8 000 euros l'enchère. Et 8 000 euros, tout est par vous, Grégoire. Je ne vous entends plus, Guillaume, à 8 000. À 8 000 euros, fini, Tony, c'est contre vous l'enchère à 8 000. À 8 000 euros, on va la juger à 8 000 euros, c'est sûr, à 8 000. À 8 000 euros, l'enchère est à droite, à 8 000 euros, il n'y a pas de regret, pas de regret, c'est sûr. Du moins, qui aligne dans son pedigree les noms de Elusive City, Linamix, Adler's Wells, Armos. Autant de références en tant que père de mère, en tout cas pour Elusive City. Ses débuts en la matière sont plus que satisfaisants. Il est parti. À 9 000 euros, l'enchère est au téléphone. À 9 000 euros par madame. Non, à 9 000 euros, Grégoire, c'est votre enchère, je vous laisse faire. À 9 000 euros, à vous, Grégoire. À 10 000 albanes. Onze mille, pleine de Capgarde à 11 000. À 11 000 euros, je vous laisse faire, Alban. À 11 000 euros, et pas au téléphone, Grégoire. À 11 000 euros, toujours pas la dame. À 11 000 euros, à 11 000 euros, mais elle a mis une enchère. À 11 000 euros, 12 000, Alban. 12 000 à gauche enchère à 12 000. À 12 000 enchère à Alban à 12 000. À 12 000 euros pleine de Capgarde à 12 000. À 12 000. À 12 000 euros enchère à 12 000. C'est là-haut. Oui. À 12 000 euros enchère à Alban à 12 000. Oui, monsieur. À 12 000 euros enchère à Alban à 12 000. À 12 000. À 12 000 euros. Bien vu, fini à droite. Il n'y a pas d'erreur, Grégoire. Vous la perdez. Cette jolie jument pleine de Capgarde. On a le juge. 12 000 euros pour la jument pleine de Capgarde. Le numéro 873 est absent. Et on passe directement au 874, le 873 étant absent, avec...